Yo, 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 comment ça va les gens? On a J'espère que vous allez lancé, bien. même s'il n'y a pas 100 likes, hein, on a lancé. Donc j'ai envie de dire, John, on est juste et bon. Tu ne penses pas? Exactement. Nous Très sommes généreux. juste, Donc likez, nous sommes likez. bons. Donc on like, likons, Surtout partageons. qu'aujourd'hui, c'est un live de qualité. Donc Exactement. abonnez-vous aussi s'il y a des nouveaux qui tombent dessus, bien évidemment. C'est le béaba. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours sur cette chaîne de qualité. Exactement, vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, Jean Café, on est parti pour quoi? On est parti pour une petite tier list. Il est temps de faire des vues. Petite tier list, hein, ouais, il est temps de faire des vues. Exactement, on en a Les tier marre de list, ça bider. Tout marche. le temps en bids. Tout le temps en bids. Exactement. Donc, likez, partagez. Surtout, c'est une tier list de qualité. Aujourd'hui, ensemble, on va voir quels sont les morts les plus tristes, tout manga confondu ou animé. Vous êtes une tier Exactement. list qualitative. Comme toujours avec nos tier lists, et bien évidemment, on le rappelle encore une fois, vous pourrez venir pour donner un perso qui a une mort qui, selon vous, est triste, si on a oublié de le mettre, ou si on l'a pas mis parce qu'on s'est dit que c'était un peu OSEF ou autre, ou même si on ne connaît pas, tout simplement, Ouais, si n'hésitez on connaît pas à pas. venir sur le Zoom tout à l'heure pour donner un perso qui, selon vous, a une mort vraiment triste et vraiment touchante. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce que, bon, je vais pas vous mentir, hein, je découvre la tier list en même temps que vous, moi, je sors du taf, hein, je ne suis pas encore au chômage. Kikou qui Quelle rappelle ça à honte, chaque live, on quelle dort. honte, quelle honte. Je ne suis pas encore au chômage. Moi aussi, je veux être au chômage, c'est-à-dire influenceur. Donc Je suis bon, mort. comme pour l'instant, je vais encore me lever pour aller au taf. J'ai pas eu le temps de regarder les persos de la tier list. Je ne sais pas si tu l'as De toute mise ou façon, pas. tu Mais verras au on fur va et à mesure, découvrir. oui. Mais bon, c'est un peu OSEF, mais en même temps, moi, ça m'a marqué. J'ai envie de parler de vite fait, hein. J'ai envie de parler de la mort de la meuf parasite dans Parasite, justement. Je sais pas si tu te Ah, souviens je de l'ai pas cette mis, scène. j'ai Tu hésité l'as à pas la mis? mettre. Je J'ai sais pas hésité à si la tu te mettre si souviens elle de se fait cette trop. scène quand le Oui. héros, là, il retrouve ses larmes. Qu'est-ce que c'est une dinguerie comment elle meurt, la meuf, avec Franchement, son j'ai hésité bébé à dans mettre ses si bras. ça va faire trop de Qu'est-ce personnages. que c'est une dinguerie, cette mort. Donc bon, je voulais la placer parce que je sais pas s'il l'a mis dans la tier list ou Non, pas, je ne l'ai pas mais mise parce que franchement, c'est. ça, c'est J'ai un truc de ouf. hésité. C'est la meuf avec les écouteurs, même au début, C'est Tatati. un, ouais, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Ah, Cette celle-là, mort-là, ça que t'es. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc bref, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que John et moi avons un cœur, hein? Parce que quand on va mettre Effectivement. des gens en meurt plus vite, ça va nous dire, vous n'avez pas de cœur, quelle honte. Donc bon. Bah, d'abord, c'est important de rappeler nos critères, c'est encore une fois. C'est avec nos critères que même quand vous allez venir sur le Zoom, vous allez devoir nous dire si on a dit de la merde ou pas. C'est sur nos critères. Selon Donc, nos critères. Soit vous jouez avec nos règles, soit vous jouez pas. je Exactement. ne vais pas. Donc, nos critères sont les suivants. Il va y avoir l'impact de la mort Et bien évidemment, du dans l'œuvre, personnage qu'a eu dans l'œuvre. c'est ça. Ou bien sur le personnage principal, bref, en tout cas, l'impact qu'a eu la mort. Il va y avoir aussi le style, comment la personne est morte, est-ce que c'était une façon un peu stylée quelque part, j'ai envie de dire, Oui, est-ce que bien c'était évidemment, c'est classe, important. inattendu, tu vois, c'est important tout ça. Tu vois, c'est, oh, on n'était pas prêt, un truc comme ça, tout ça, il y a dans le style. Et troisième point, qui est un peu le point de truc, c'est est-ce que c'était triste, la manière dont ça s'est passé? Est-ce que y a la petite larme un peu qui, les yeux mouillés, genre il pleut. Exactement. Le rire, il pleut. La pluie est-elle tombée ce jour-là? Tu vois? Donc non, c'est important, c'est important. C'est Ah, c'est important. important, c'est important. Donc voilà, vous avez les trois critères, les gars. Donc likez, c'est important. Exactement. Abonnez-vous. Et ouais, bien évidemment, faut pas oublier ça. Et envoyer du bif, hein, bien sûr, c'est toujours Ah important. oui, je tiens juste à signaler, j'ai pas mis les flashbacks parce que les morts dans les flashbacks, c'est OSEF. Ouais, commencez pas dans les flashbacks. Parce Commencez que pas. les gens vont nous Vous ramener avec One connaissez la Piece politique du un Kikucho. de la Commencez maison. pas. Commencez pas. Les flashbacks, ça compte pas. On commence à nous dire les flashbacks OSEF de One Piece, je dors. Flashback... Ah, mais Ouais, Oden, sa mort, elle est OSEF, c'est pas vrai. ça fait même pas 5 minutes qu'on est en live et tu tires déjà sur One Piece. Mais T'es tu sais très vraiment un bien. aigri. T'es Non, mais tu sais très bien, vraiment. quand on Oui, mais parle de oui. flashback, C'est One forcément, les gens Piece, c'est One vont Piece, ramener c'est One One Piece, Piece, c'est One frère. Piece, c'est One Piece. On sait très bien, on les connaît. Exactement. Donc, voili voilou. Et je pense qu'on peut montrer déjà les catégories de la tier list. Hein. Bien évidemment, on a mis une petite catégorie qu'on ne connaît pas. Mais après, je pense que bon, tu dois tous les connaître, vu que c'est toi qui a fait le tri. Donc, je pense qu'on Pas est bon à tous, ce ça. niveau-là. Mais. Il y en a certains, j'ai vu qu'apparemment c'est des trucs à partager. Je connais pas personnellement, peut-être toi tu connais, du coup, ou Ok. les gens dans le chat connaissent, du coup ça peut être pertinent. Ouais, pas de souci. Ah Ensuite, on oui, a juste, mis. excuse-moi, juste pour dire, bien évidemment, j'ai pris des trucs que d'animé. Hein. Oui, oui, oui. Donc il y aura pas, à part si vous suivez pas l'animé, effectivement, pas dire on m'a spoil, on m'a spoil. Ouais, ça va Les gars, je suis spoil, désolé, ça va commencez spoil, pas, commencez voilà, pas, faut dire commencez l'état, pas. ça va On spoil. parle des morts, commencez pas.
Donc bref. J'ai pas mis de spoil de scan ou je ne sais quoi, c'est que truc animé du moins. Exactement. Ensuite, on a Meurs plus vite. Parce qu'il y a des moments, il y a des morts, on les voit venir, ça fait chier, mais ça traîne en Ouais. longueur, donc on souffle. Tu vois. Ah, t'es là, vas-y, On souffle dépêche-toi, de faut ouf. qu'on ait plus rien. Fais vite, fais vite. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux l'archibouya. Même si ça va être nul, mais fais vite. Donc ensuite, au-dessus, on a Osef. Bon, c'est pas mort, meurt plus vite, mais c'est quand même. Ouais, il est mort. Ok. Ouais, Ok. c'est en gros, Ah, ok. c'est ok, bon, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, ouais, pourquoi pas? exactement. Après, on a ça passe. Tu sais, c'est une petite mort. Ça peut être bien amené. On peut se dire, ouais, ok, il se passe Je veux dire, ça. exactement, c'est vraiment le ah ouais, bon, bien vu, mais c'est pas touchant, c'était pas non plus particulièrement stylé. Mais tu dis, bon, il a pris ses couilles, au moins il est mort, tu Exactement. vois. Ensuite, au-dessus, on a triste. Parce que, bon, contrairement à certaines personnes dans le chat, nous, on a un cœur. Hein, La Kokoro, et il y la a, Kokoro. y a des morts qu'on trouve bien évidemment tristes. Bien Et amené, c'est voilà, ça que j'allais touchant, dire c'est justement. triste. Tu vois, t'es là, t'es mode, oh putain, oh, ils l'ont fait les bâtards. Tu vois, lui, t'as de l'empathie pour les autres personnages. Ça, c'est vraiment triste. C'est ça. Et tout au-dessus, on a vraiment repose en paix. C'est reposant. J'ai envie de T'entends? dire, le taf est fait. Tu peux t'en Exactement. aller. Tu peux t'en aller. Ça s'agueillot. Tu veux aujourd'hui, ça s'agueillot. Exactement. Ça, c'est vraiment. La mort, c'est. Oh, déjà quand elle est revenue, On se là, reverra ça de c'est l'autre vraiment une côté. morte. Oh, tu dis, mais non, c'est la réaction. Tu dis, mais non, pas lui. Oh putain, fais chier. C'est le genre de mort où t'es vénère. Tu vois, t'es putain. Tu vois, peu d'élus. Je tiens à le préciser. Il y aura très peu d'élus. Les gens vont dire, bah, je vais tirer sur personne. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Donc voilà encore une fois pour les catégories. Ensuite, comme on vous a dit, les critères, c'est quoi? C'est l'impact que ça a eu dans l'œuvre. Est-ce que c'est triste? Et bien évidemment, le dernier, il me semble que c'était C'est si l'impact, ça, le style, la c'est ça, façon si ça a dont été l'œuvre s'est bien faite. amené, Voilà. etc. Voilà. Donc, on peut commencer directement Juste à avec. préciser, les gars, après, vous allez pouvoir venir s'il y a des nouveaux, venir sur le Zoom pour nous dire si vous êtes d'accord avec nous. Venez à chaque fois pour une personne. Bon, on le répétera après. Mais voilà, vous profitez maintenant parce qu'après après la tier list, le Zoom il est fermé. Exactement, ouais, quand on a fini la tier list, même si là pour l'instant je vous accepte pas forcément tous directement dans le Zoom parce que bon, je gère tout en même temps, mais dès qu'on a fini la tier list, le Zoom est fermé. Donc Ah, il y aura du monde venez avant. maintenant ou à plus. Ou soyez membre. Ou soyez membre. Exactement, prenez des membres aussi, ça fait toujours plaisir. Donc bref, Bref, on on enchaîne commence. avec le père de. Comment il s'appelle le mec de Vinland Saga là? Les gens dans le chat, ils vont nous Thorfinn, dire. bah, c'est Thorfinn. Thorfinn, oui, Thorfinn. Thorfinn, Il Thorfinn, s'appelle Thorfinn. Thor. Il s'appelle Thor. Thor. Exactement. Putain, je suis un ouf. Là, il s'appelle Thor. 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 Je Thor sais de pas, toi. Vinland Saga. Saga. Je sais pas ce que tu as pensé de la mort de Thor, toi, Kikou. Bah, moi. Personnellement, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Personnellement, en fait, moi, quand j'ai regardé le saga, il faut savoir que je ne savais pas où ça allait m'amener. Je me disais, bon, ça allait être tout le personnage principal, tu vois? Donc, j'étais un peu surpris. Ah oh! Et la façon dont il est mort, moi, je trouve qu'elle était stylée quand même. C'est en mode pour son fils, et là, il dit, allez, je prends les tatata. Et l'impact que ça a eu, bah, c'est ça qui fait démarrer l'histoire de Thorfinn. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, juste, pourquoi moi, je ne me mettrais pas en RIP, mais je me mettrais en triste? Parce que c'est pas assez. L'œuvre n'est pas assez marquante, tu vois. C'est. Ah putain, En d'abord il est fait, mort, et après maintenant. ça se passe au début. Il y a aussi Ouais, le ça se passe fait au début, tu viens de le que connaître, tu vois. c'est ça, voilà, justement. T'as pas eu le temps vraiment de rentrer dans les personnages, etc. Après, il va plus être étoffé dans des flashbacks, tout ça. Donc, tu sais, Exactement. moi, je le mettrais même, je vais pas te mentir, je le mettrais pas en triste, je le mettrais en ça passe. Pourquoi Ah, je le t'es mettrais dur. en ça passe, moi? Parce que, déjà, comment c'est amené la mort de Thor? On a le fait qu'au début, on ne le connaît pas forcément. Il sacrifie pour son fils, c'est stylé. Il protège son fils par rapport au fait que l'autre, il avait réussi à le capturer, etc. Il n'y a pas de souci. Il jette son épée. Ensuite, il dit à l'autre, fais-moi le serment 2, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas triste. Non, c'est pas Tu vois ce que je triste. veux dire? C'est pas Oui, t'as triste. raison, Tu vois? c'est pas C'est pas triste dans le. triste. Tout simplement. Tout Ah, simplement. non, La non. catégorie s'appelle triste. C'est pas triste. Est-ce que tu vois Non, ce c'est que je veux pas. dire? Non, C'est je pas vois. triste. Mais c'est là. Ouais, bon, t'as raison. En vrai, Voilà. c'est pas C'est triste pas dans le sens triste. où. Ah, t'es dur quand même, Non, Kikou, non, moi je mets ça franchement. en T'es ça dur. Hein. passe. Franchement, ça passe. Parce que Vas-y, ça c'est pas passe. triste. Tu vois ce que je veux Vas-y, dire? va. Mais on dit pas Tu d'autres t'es catégories parce que lui, pendant en que ça tu. Non, passe, mais. on est sévère. Non, 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 non. Pendant que tu regardes le manga, tu te dis pas, oh putain, son père est mort. Je sais pas si tu vois ce que je Ah veux dire. oui, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai, pas c'est vrai. triste. Bon, tu vois, quand même convaincu,
Mais s'il y a quelqu'un après, il vient pour le monter, viens avec de bons arguments, je te soutiendrai. Voilà, let's go. Ensuite, on a bah, Goku. Oh, RIP! Je ne ferai pas deux fois la même erreur en RIP! Quelle indignité. RIP! Goku, ça c'est contre Cell, quand il se bat Contre contre Cell. Cell. C'est Goku mort contre Cell. Bon, pourquoi? Allez, Pourquoi? fais ta Zumba, Non, vas-y. déjà. Déjà, on va reprendre notre critère. Le style. On va commencer par le style. Oh, ça, Il est style. mort. Un style de ouf. Il arrive tout le monde, il dit comme ça aux gens. Au revoir, tout le monde. Les gens sont là, quoi? Goku? Il se ramène devant Gohan. Dieu, au revoir à Bulma. Ah, Bulma, à Chichi, là. Tchou! Boum, il explose, tout le monde chiale. Bon, le style, il est là. Bref, le style, on va pas en revenir. L'impact que ça a eu dans l'œuvre. Bah, Goku est mort pendant 7 ans. Du coup, la Terre, quand il est Boubou, après, il y a de l'impact parce qu'il était mort, il ne pouvait pas tuer, il ne pouvait pas se couper de Boubou, etc. etc. Ouais, c'est pas un impact de ouf, on va pas se mytho. Mais il y a eu. Ouais, c'est un petit truc quand même. Et la tristesse, en fait, les gars, on va pas être hypocrite. C'est vrai que c'est pas. Super stressé, t'as pas la larme qui coule quand Goku il est mort. On va pas se mytho. T'as pas la larme à l'œil, j'ai pas été hypocrite. On va dire, t'es pas un Kikou DB. Non, faut dire la vérité. T'as pas la larme à l'œil, t'es pas. T'es triste, t'es touché à ce que tu dis. Oh, c'est notre Goku, mais t'es pas touché. Donc moi, j'irai en triste. Moi, je vais être en triste en vrai. Ok. Moi, les gens, ils vont dire Kikou, t'abuses, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je le mettrais en ça passe. Oh. Pourquoi en ça passe? Non, mais laisse-moi parler. Pourquoi je le mettrais moi en ça passe? Parce que, premièrement, Goku, c'est pas la première fois qu'il meurt. Donc, t'es là, tu te dis, il va encore mourir ce con. Ça, c'est la première chose. Ah, c'est que la Ensuite, non, première. non, non, c'est ça. Oui, Ensuite. oh, ok. Tout ce que tu as dit pour moi, c'est désamorcé par le fait que la seule raison qui fait que Goku se sacrifie, c'est parce que Gohan a fait le con. Tu vois, c'est pas comme si vraiment ils étaient dans la merde, Mais c'était j'étais un dans la truc de merde, wesh! ouf, c'était Elle laisse a explosé tomber. la planète. Non, Mais non, sans non, que j'étais non, dans la non, merde, elle a non, non, explosé non, la non, planète, non. celle. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y avait Gohan qui était plus fort que celle qui était en mode oh, papa, oh. Alors que là, tout de suite, à ce moment-là, c'était lui le plus fort. Donc pour moi, déjà, ça baisse la tension. Non, 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 ça baisse pas. Ensuite, Attention, en fait, attends, t'as pas attends, compris, c'est pas possible. Non, Kikou, il peut pas laisser dire ça. laisse-moi parler. Ensuite, je suis d'accord avec le fait que c'est stylé. La version animée, il y a une musique, c'est hyper stylé de ouf. Bon, il y a le truc iconique de Goku, il n'y a pas de souci, etc., etc. Mais pour moi, c'est pas triste, tout La simplement. bombe a changé la donne, il a raison le mec qui descend dans les commentaires. En fait, le fait qu'il y ait la bombe, c'est même plus question que Gohan était plus fort, c'est que le mec il dit, tu me touches, j'explose. Tout le monde est. Même Gohan, il chiale. Oh putain, j'ai fait le con, j'aurais dû le tuer avant. Il y a un impact, je suis désolé, Kikou. En plus, Non, il y a... cette Non, 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 mort-là. non, non, non. Je suis d'accord avec le fait que tu dis oui à un petit truc, etc. C'est pour ça que je l'ai mis en ça passe. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en OSEF. Non, 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 pas... vas-y, 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 t'es complètement baisé. On va le mettre en triste. Non, 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 non. Fais le sondage. Sondage, Ah, sondage. ça va Je faire ne un laisse pas sondage. passer en triste sans sondage. Je te Ah, si, jure que je ne laisse pas bah passer en triste ouais. sans sondage. Sondage, T'es Goku malade ou mort quoi? Cell. Non, non, Mais non, non, Goku non. Cell, pour que les gens Ouais, comprennent. tu mets Goku Cell, triste ou ça passe. Vas-y, gars. Ouais, Non, 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 non. Non, pour moi, c'est. Je peux pas te laisser mettre des respects. C'est pas un manque de respect, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es trop dans les Non, c'est. émotions. Non, Ah, non, c'est t'abuses. Goku, c'est sa main. Oui! Frère, il est Ouais, je mort! Le souffle. pauvre, il a pas vu son fils grandir! Ouais, je souffle. Il a Il pas a vu dû. son La fils première fois qu'il grandir, a le revu pauvre. Goten, Ok, d'accord. rappelez-vous, il est là. Goten, il se cache, il fait c'est lui mon papa, foi, ils vont Ouais, ensemble, tout d'accord. ça. Et quand Ok. Goku il s'en va, il Ok, retourne au super. paradis, Goten est là, il fait, tu peux avoir, il ose pas dire, je fais un Ok, câlin. super. Ah, son Goku il prend comme ça, il dit, viens là mon fils, Ok, viens chercher super. moi. Ok, C'est super. émouvant, Pour les c'était gens trop dans émouvant. le chat qui disent Kikou, t'es finito, Kikou est gris. Je Kikou pense aigri je pense que fort. vous regardez des dramas Votez. coréens. J'en suis sûr. Eh les gars, votez, votez. On a, Votez, là, votez. on est 300, on est 310, donc au moins 150. Vas-y, je te laisse gérer ça Eh pendant les gars, que. le sondage, il est pas bon là. Dépêchez-vous de voter. Je te laisse gérer ça. Ah, le sondage, il est pas beau. Bizarre. Bizarre. On va laisser Bizarre. encore un peu. On va laisser Bizarre. un On peu va de laisser temps. encore un peu. Et en attendant, on va enchaîner avec le personnage suivant. Chelsea dans Akame ga Kill. Ça fait longtemps que j'ai pas Ça lu fait Akame ga longtemps, moi Kill. aussi. Et Ça je ne l'ai fait pas fini. longtemps. J'ai Ça dû fait voir longtemps. quelques épisodes. Donc, moi, j'ai envie de le mettre, on ne connaît pas. Je m'en Ouais, souviens on va le plus. mettre, on connaît pas. Parce que je me souviens que dans ce truc-là, les gens, ils se faisaient tuer sale, tu vois. Ouais, j'ai joué ça dans Akame ga Mais Kill. Mais j'ai pas le souvenir. ouais, ça fait longtemps de ouf. Donc, on met, on connaît pas. Si une Si personne quelqu'un veut peut venir venir après. après pour remettre ça dans une autre catégorie, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on le Et met, on connaît pas. Goku, il a gagné, tu le mets en triste. Stop, stop, il y a combien de votes?
Il y a plus de la moitié de vote. Voilà, je vois Donc, quoi gagner? 59% de ça passe. Ah Donc, non, j'ai en fait, j'ai inversé les trucs, c'est pour ah ça. oui, bien sûr, bien sûr. Goku, Bonne hein, ça passe. bonne dégrade dans Ça les passe. Je t'avais commentaires. dit que ça passait pas. C'était malade de quoi tu Non, me mais mets les... en crise. attends, les gens peuvent venir le Oui, défendre les gens pourront après, venir, de bien toute évidemment, après, pour le faire monter ou le descendre. Parce que j'ai vu des OZEF passer, hein. Donc, attention. façon. Ozef qui a bien se faire Attention, enculer. attention, Non, mais attention. même toi qui écoutes, t'es pas d'accord avec Non, le ça va pas Ozef. OZEF, ça va pas OZEF. Ça va Ozef, pas faut pas OZEF, ça va abuser. pas OZEF, ça va pas OZEF. Ensuite, on a Lelouch. Je te Lelouch. laisse rappeler le temps que je commence à prendre des gens sur Zoom. Lelouch, sa mort était stylée dans le sens où moi j'étais surpris. C'est-à-dire, en tout cas, comment sa mort a été amenée, j'étais surpris. Parce qu'en fait, tu t'attends pas, à la fin, tu vois qu'en fait, il a tout orchestré pour qu'il meure, pour qu'au final, bref, soit lui qui ait tous les maux du monde sur son dos. Et comment ça a été fait? Parce qu'en fait, quand tu arrives à la fin, tu dis, wesh, mais en fait, il a gagné, c'est bon, il est devenu ouf, Lelouch. En fait, tu vois, après, wesh. Donc, Lelouch, moi, je mettrais, il y a du style. Je ne veux pas dire que sa mort a un impact dans l'œuvre, parce que si c'est un impact, même si c'est la toute fin. Donc, je mettrais quand même en. Après, j'étais pas triste dans le sens où je me suis dit, oh non, Lelouch, je mettrais dans sa passe quand même, tu vois. Non, ça me va. Parce que tu disais, ça devait finir comme ça. J'attendais de voir si t'allais faire une petite Zumba ou pas. Non, Mais non, pour ça moi, passe. en Ça ça passe, ça me passe. va. Ça me Ça va, ça me va. passe. On y va, hein. Ça passe. Oh Ça passe. putain! C'est pas non plus un truc de ouf. Oh putain! Ensuite, on a. Ace, déjà! Portugas DX! Je suis Oh déjà en putain! sueur. Je suis déjà en Problème, sueur. problème! Ah, Problème, problème! je suis Donc, mort. parlons de Ace dans le meilleur arc de One Piece. J'ai envie de dire Marineford. Je t'écoute, John. Je t'écoute. Ouais, tu me lâches la patate, je suis en direct. Moi, je gère le zoom. Je gère le zoom. Moi, Je t'écoute, je franchement, t'écoute. Ace, bon, sa mort, en fait, Ace, le problème de sa mort, c'est qu'elle est bête. C'est que le mec, il était sauvé. Il y a un mec qui dit, t'es un lâche. Quoi, moi, je suis pas Non, un lâche. non, c'est pas Et il bête, voit c'est son. complètement stupide. C'est stupide. C'est complètement stupide, complètement stupide. Faut dire les termes. Sa C'est mort stupide. complètement stupide. Après, bon, à cause de lui, son frère se fait niquer. Il se met devant son frère, il se mange une patate dans le ventre. J'ai pas envie, moi, même la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais de toute façon, c'est un type Logia. Il va refaire son ventre. On me dit non, parce que le volcan ça brûle le feu. Bon, ok. Donc, on peut Bah, dire c'était bah, bah stylé oui, parce que John, le c'était. volcan, ça brûle le feu. Tu le savais pas? C'est logique. Oui, mais avec le haki, normalement, ça c'est foutu. Et Ace maîtrisait le haki, mais enfin bref. Passons. Oh, mais t'es en train de dire qu'il y a des incohérences? Arrête, John, Oui. arrête. Tu es peut-être aigri. Enfin Continue, bref, continue. passons. Donc, bref, il y avait quand même un impact. Le style. Bon, la mort, je protège mon frère, je mange une patate. Ouais, c'est un style, ça passe. L'impact, il est là. Je veux dire, l'impact sur Luffy, au moment où il meurt, Luffy, franchement, même après, je dis, wesh, il est vraiment mort. Luffy, il pète un plomb après Est-ce pendant que des jours. l'impact, Il c'était est pas mal. plutôt « Wesh, il est vraiment con Non, là, il y » Je avait quand sais même un pas. impact. Il y avait quand même un Je sais pas. impact, on va pas nier ça. Et il y a un impact, en tout cas, sur le personnage principal. Parce que dans l'œuvre en soi, la mort de Ace, ça n'a rien changé, tu vois ce que je veux dire. Mais vis-à-vis de Luffy, il y a quand même un truc. Donc, moi, forcément, Ace, pour moi, j'étais pas forcément triste. J'étais plus. Triste de la réaction de Luffy que de la mort de Ace, en mode, ah, miskin Luffy, tu vois. Quand il est là, il pète un plomb, il commence à se battre. Il fait, non, Ace est pas mort, tu vois ce que je veux dire? Que la mort de Ace, qu'en fait, Ace, on l'a très peu vu en vrai. Tu vois? On l'a C'est vrai qu'à ce putain très peu moment-là, vu. Ace, on l'avait vu vite fait. Hein. On l'avait vu à la Basta, C'est c'est tout. Ace, c'est un des personnages de One Piece à qui on a donné une carrière en flashback. Hein. Ça, faut le dire. On a donné une carrière à Ace en flashback dans One Piece. Ah, ben One Piece, c'est carrière, c'est toujours en flashback. De Ouais. Flamingo, c'est pareil. Donc à partir de là, mais enfin bref, moi je mettrai en sa passe. Je peux l'entendre, franchement, je peux l'entendre. C'est pas OZEF parce que bon, ça a eu un impact sur Non, c'est pas osé, c'est Luffy. pas osé. Il y avait le délire où il essaie de protéger son frère, tout ça. Bon, même si c'était complètement con, parce que le mec, tout le monde est là pour le récupérer, pour qu'il se barre, et il veut aller taper un tête. En plus, de manière stupide. Ouais, c'est Tu ça, vois? franchement, c'est. Donc. Il y en a, ils disent meurs plus vite, franchement, vous abusez. Ou Non, vous êtes OZEF, dur. non, non. Non, Non, vous vous êtes êtes dur, dur, vous êtes oh, dur, vous vous êtes êtes dur. dur. Non, les gars, Franchement, non. vous êtes dur. Donc, Non. je Sa mettrais ça, passe, c'est trop moi, bien. en sa passe. Sa passe, je pense qu'il. Ensuite, on a Tatsumi. Putain, Tatsumi, c'est le mec avec son armure. Moi, j'appelais ça l'armure de samouraï, là. Non, Tatsumi. Tatsumi, c'est qui encore, celui-là? Akame ga Kill. Est-ce que Ah c'est putain, je lui? m'en souviens plus, moi, d'Akage. Est-ce Oui, que c'est c'est ça, lui? c'est Est-ce que c'est ça. lui? Tac, 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 tac. Si, si, c'est lui. Ouais. Bah. Moi, je m'en souviens plus d'Akagame ga Kill. Ça fait Comment trop il est mort, longtemps. ce con, putain? Comment il est mort? Franchement, je m'en Eh, souviens vas-y, plus je vais du mettre ça, tout. on connaît pas. Je vais mettre ça, on Bah, connaît mais on pas. connaît pas, Parce que c'est le je m'en problème, souviens c'est plus. que je peux pas être assez précis pour justifier mes trucs. Exactement, voilà, je m'en souviens plus. Et là, ils disent triste, triste, Ah. venez après nous le défendre, parce que je m'en souviens plus du Fait tout. chier. Parce que lui, il a vraiment, vraiment, vraiment souffert, ce con, et la manière dont il est mort, je me souviens que c'était sale. Bah, les gens viendront le défendre. Les gens vont le défendre. Pour les gens qui demandent les critères,
pour les mettre sur l'écran, tout ça, je ne sais pas comment on fait, j'ai la flemme, je ne vais pas vous mentir. Donc, les critères, on rappelle, c'est la manière dont le personnage est mort, l'impact que L'impact. ça a eu dans l'œuvre, et est-ce que c'est triste, tout simplement. Ouh, du Naruto. Bah, on C'est qui? enchaîne avec Azuma. Ah, Azuma. Sarutobi Asuma. Ouais, bon, moi je te dis clairement, toi t'as Kikou Naruto, pour moi lui ça va, ça passe. Voire Osef, parce que c'est un perso Osef Asuma, faut dire les termes, c'est un perso qui est Osef. Donc même j'irai, je le mets en Osef, parce qu'en fait sa mort elle est Osef. Franchement, la mort d'Asuma, on s'en battait les couilles. Juste le mec qui l'a tué, il était stylé, je dis pas. Mais en vrai, à part Shikamaru qui chialait, ah, la mort d'Asuma, je m'en souviens. Il y en a, ils disaient, RIP, vous êtes des ouf. C'est Osef de ouf. Franchement, c'est Osef. Asuma, il s'est fait niquer par un Akatsuki random. On le connaissait pas plus que ça. Kiku, même toi, t'as Kiku Naruto, je suis désolé, tu peux pas le mettre au-dessus d'Osef. Rien que revoir cette scène-là, ça me donne des Arrête frissons. de parler de Shikamaru, on parle d'Asuma Mais là. C'est vrai que tu veux Shikamaru qui justement, chiale. on parle d'Azuma. Et c'est quoi nos trois critères? C'est comment il est mort. Sa mort, elle est stylée. Il est mort. Elle est zbegoul. Elle est zbegoul. Azuma, c'est l'une des premières personnes de Naruto qu'on connaissait, qui s'est fait fumer par l'Akatsuki. Donc, ça a servi à montrer vraiment le danger. Tu peux pas Non, dire non, le non, non, contraire. non, 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 tu peux non, pas dire non, le non, contraire. non, non, mais si tu veux, ça va montrer le Ok, danger. t'es d'accord ou Mais pas? T'es oui, on est d'accord? d'accord Ok, là-dessus. vas-y. Non, Je t'ai laissé non, on parler, est laisse-moi d'accord. parler. Je t'ai laissé parler, laisse-moi Vas-y. parler. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Ensuite, il y a l'impact que ça a eu. L'impact, il est sur Shikamaru. Ça l'a brisé. T'es d'accord aussi? Elle a brisé quelques chapitres, après il est revenu comme au top et il a fumé une Parce cigarette, qu'il il est voulait revenu. aller se venger. Oui, bah ça l'a brisé, il n'a pas changé non plus, T'oublies Shikamaru. que c'est la vie de ninja. T'oublies que c'est la Toi, vie tu de me dis, ninja. Et non, toi, non, mais non. tu me dis, ça Shikamaru a l'a brisé, évolué. Shikamaru a évolué. comme s'il avait tourné Kazakh Non, non, après non. ça, il était devenu Non, non, méchant. non. Arrête tes conneries. Shikamaru, il a évolué avec la mort d'Azuma. Il a évolué en quoi? Comment ça, il a évolué en quoi? Dis-moi en quoi, mais très Shikamaru, il est clairement, passé. le changement. Shikamaru, il est passé du mec qui était derrière son sensei au mec qui doit maintenant prendre ses responsabilités parce que son sensei n'est plus là et a laissé un gosse. C'est ce qu'il a dit à Naruto quand il lui a dit, Ouais, c'est mais nous ça, mais non, mais maintenant les mecs ça on qu'on l'a doit pas trouver vu. Non, cool. mais ça on l'a pas Comment vu. ça, on l'a pas vu? Si, On l'a on vu l'a vu. s'occuper du On l'a gosse. vu. Non, mais on l'a vu s'occuper du On gosse. l'a Il est vu. parti pour Oh, aller voir l'autre, il mais a dit attends, défends-toi arrête, du gosse, tu arrête vas tes trop conneries. loin. Tu vas Non, mais trop c'est pas loin. Tu facile. vas trop Qui a vu loin. Shikamaru Tu jouer vas avec trop le gosse? loin. Tu vas Il fait trop grandir. loin. Arrête Tu tes vas trop conneries. loin. Arrête, Tu arrête, vas trop arrête. loin. Tu vas trop loin. Non, Tu vas trop loin. non, Tu vas non. trop loin. Mais moi, Ok, j'ai pas premièrement. défendu des mecs comme ça. Vas-y, Mais continue. c'est la vérité. C'est la vérité. Non, c'est faux. Non, c'est la vérité. Il y a ça. Et comme j'étais en train de dire aussi, il y a le fait que c'est vraiment la première personne qui a montré que l'Akatsuki, en fait, c'est vraiment un danger, tu vois. Donc, pour moi, ça va, ça passe. Mais avant ça, l'Akatsuki, ils avaient enculé Gaara. Ils avaient Qu'est-ce que tu enculé me dis Gaara, Gaara qui s'est fait ressusciter juste Gaara, il après. est mort. Oui, mais il Non, est non, 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 mort. non. Mais Parce que arrête de là me dire, aussi. c'est Non, eux non, qui non, non, veulent. non, Arrête tes non, non, conneries, non, 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 l'Akatsuki. non, non, non. Déjà, Là, elle est non, arrivée, non, la non, stop, foutue la stop, stop, merde. stop, 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 Sa stop, stop, souris s'est non, non, ramenée. stop, T'as stop, trouvé le stop, mur. stop, stop, Arrête, stop, stop, arrête, stop, arrête stop, tes stop, stop, conneries. stop, stop. Gaara, c'était un truc qui s'est passé. Déjà, non seulement Gaara, il s'est fait ressusciter juste après, et en plus, Gaara, ça s'est pas passé à Konoha. Là, c'était un délire où l'Akatsuki commençait à se rapprocher de Konoha, donc le danger était à leur porte. Mais on s'en fiche, soit Comment ça, Konoha on ou s'en pas, au final, fiche? dans Mais t'es malade ou soit quoi? Konoha, Non, dans non, tous les non, cas, non. c'est la 4. C'est Non, pas de la Kikou, t'es de Zumba. mauvaise Non, non, foi. c'est pas Toi, de la tu le mets Zumba. en quoi? En Attends, ça tu le mets en passe. quoi? En ça passe. Franchement, je vais faire un sondage parce que le Fais ça un passe, sondage. moi. Il va en ça passe. T'es complètement Pour moi, c'est taré. pas Il possible. va en ça Asuba, les gars, passe. votez. Il va en ça passe. Pour moi, il va vraiment aux F. Non, non, il Après, je va dis en pas ça que passe. Il va c'était un pas aux perso F. T'es Zeus, mais sa malade. mort, elle était. Non, 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 il va en ça passe. Donc, sondage, sondage, votez, votez. Nous, on va passer au personnage d'après. Mais pour moi, Votez, il va en votez ça les gars. passe. On est 380, donc on va attendre Non, au moins les 200 les gens ne votes. sont pas fous, les gens ne sont pas fous. On verra. Ensuite, Jiraya. Ah, encore du Jiraya, Naruto, putain. Pourquoi ça Jiraya, s'enchaîne je comme ça? te jure, je le mets en... Pour moi, il va en RIP. Tête d'homme, jamais il ira en Tu RIP. veux le mettre T'es où? un de ces Tu veux ouf! le mettre où? Tu veux Jiraya, le mettre où? si je veux être taquin que toi, je pourrais le mettre, on meurt plus vite. Parce que c'est évident qu'il allait mourir. Oh Non, putain de non, non. Si je veux merde. être taquin, je vais pas le mettre là. Je vais Oh. pas le mettre là, Kikou. Et Sois si je veux être taquin. taquin, Vas-y, sois taquin. non, Sois si je taquin. voulais être taquin, Sois parce que taquin. Sois Jiraya, taquin. on savait qu'il allait Sois caner. taquin. Vas-y, sois taquin. Il n'y avait Sois pas taquin. l'effet de Vas-y, surprise sois ou quoi. taquin. Non, je vais pas être taquin, c'est Peu après les gens vont dire importe la Marvel Troll. catégorie où tu le dis, je vais laisser les gens parler, je vais faire un sondage. Dis-moi ta catégorie, je prépare le sondage. Moi, je le mettrai en ça passe. Oh, ça passe! Oh là Tête là d'eau, là c'était là pas triste ça. là Non, non, je là. le mettrai en ça passe. Jiraya, c'était pas triste?
Jiraya qui est par terre, qui est par terre, en train de rassembler ses dernières forces. Il avait abandonné, il s'est dit, putain, moi je suis Jiraya, l'un des trois Sanin légendaires. Je peux pas laisser comme ça un tel héritage pour les générations futures. Il faut que je serre les dents. Il était en train de ramper à quatre pattes pour laisser un code à Naruto. Et un tu code mets qui ça a servi. Un code pour dire. Va dans la montagne là-haut. Mais t'es de merde. En mais plus, c'est faux. Le code, c'était pour dire que le vrai n'est pas parmi attention, eux. Attention, là-haut dans la montagne, non, il y en a non, un autre. Le vrai, c'était le code, c'était le vrai n'est pas parmi eux. Ouais, c'est va dans la montagne là-haut. Là, c'est du n'importe quoi. Ok, premièrement. Ensuite, deuxièmement. La manière dont il est mort. Deuxièmement, par rapport au sondage, pour Azuma, ça va, ça passe. On est bon ? Faites Azumba, moi je prépare le sondage pour, comment il s'appelle ? Jiraya ? Jiraya, il est en RIP. Tête d'Oam, il va pas en RIP. Non, non, Kikou, tu peux pas. Comment ça, je peux pas ? Pourquoi, selon moi, il va en RIP ? Non, 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 fais pas de sondage, tu mets RIP. Donne mes arguments. Comment ça ? Ça va pas ou quoi ? T'es malade. C'était pas... Est-ce que c'était triste ? Genre, oui, t'as eu la larme à l'œil ? Oh putain, mais... Dis la vérité. Est-ce que t'as eu la larme à l'œil ou non ? Jiraya ? Ouais. Mes yeux étaient rouges. Je n'ai pas eu d'eau, mais mes yeux étaient rouges. Mes yeux étaient rouges. T'es un mytho. Mes yeux étaient rouges. Mes yeux étaient rouges. T'es un mytho. Je n'ai pas eu d'eau. Comme si c'était hier. Je n'ai pas eu d'eau, mais je me suis dit, putain, le temps se gâte. Le temps se gâte. Non, 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 non. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, ah ouais, putain, Jiraya, il est mort. Mais c'est tout. En plus, pourquoi je ne peux pas le m'interriper? Parce qu'en fait. Déjà, stop. Déjà, tu vois ce que tu viens de dire là? Depuis le début, tu es. Jiraya, c'est le premier personnage pour lequel tu as eu cette réaction. Oh putain, Jiraya, il est mort. Pourquoi ? Parce que Jiraya, c'est un mec qui est là depuis tôt. C'est un mec qui est présenté... aussi. T'es un menteur, ce que j'ai dit pour le père de Thorfinn. J'ai dit, je m'attendais pas. Oh putain, son daron, il meurt. Et en plus, le problème de Jiraya, pourquoi pour moi, il va pas en RIP ? Parce que Jiraya, c'était prévisible. C'était prévisible, et alors, c'était quand même bien fait. Non, c'était mais très bien fait. Non, 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 mais vraiment, c'est très bien fait. En fait, justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était peut-être prévisible, mais il est mort sale. Il est mort sale. Nos critères, c'était quoi ? L'impact que ça a eu. Ça a eu un impact sur absolument tout le monde. Parce que, oh putain, déjà, le chef de l'Akatsuki, il a réussi à fumer Jiraya. Tsunade, triste. Naruto, triste. C'est les deux personnes qui étaient le plus proches par rapport à Jiraya. Ensuite, ça a eu un impact par rapport au mont Myoboku. Oh putain, Jiraya, c'était censé être lui, le mec de la prophétie, mais en fait, c'était pas lui, je sais pas quoi. Comment il est mort ? Ce qu'il y a eu, c'est seulement sur les personnages. Comment il est mort ? Dans l'œuvre en soi, on s'en bat les couilles. Comment il est mort ? Ensuite, Jiraya, il est mort sale. Il s'est battu, il rampait à la fin, ils étaient autour de lui, il le plantait, il est mort sale. Il lui a explosé la gorge, le mec, il était en sang, c'était stylé. Et même comme ça, Jiraya, il a serré les dents, il a dit « Putain, je suis Jiraya, l'un des trois Sanin légendaires, je peux pas mourir. » Et à la fin, il meurt avec le sourire, parce qu'il sait qu'il a fait le taf. Le taf a été fait. Kikou, moi, je t'ai tout ça désamorcé parce que tu sais que c'est un vieillard. Tu peux pas dire que son heure est venue. Tu peux pas dire qu'il a pas fait le taf. Non, mais Kikou, pour moi, fais le sondage. Pour moi, il va pas en RIP. Jiraya, c'est RIP. Tu veux le mettre moi, jamais de la vie. Regarde comment il est mort sale, le mec. Ok, est-ce qu'on c'est fait pas de sondage dinguerie. Si on fait pas de sondage, non. Moi je. Stop. Et on essaie si de négocier. On n'est pas d'accord, sondage. Non, on essaie un triste. Négocie que dalle. Moi je ne veux pas tirer en RIP. Négocie que dalle. Vas-y, mais fais un sondage. Négocie que dalle. Toi, tu veux le mettre où? Fais un sondage entre. Fais entre triste et RIP. Vas-y. Vas-y. Pour moi, ça passe. C'est le jeu, mon petit John. C'est le jeu, mais, hein. Mais en fait, c'est le jeu, Johnny. Parce que je sais que les gens, c'est des suceurs. Ton discours, c'est mauvais. C'est pas bon, des suceurs. Qu'est-ce que tu racontes ? S'ils auraient dû sucer quelqu'un, ils auraient sucé Goku. C'est pas des suceurs. Les gens, c'est ça. De logique. Là, j'y maîtrise. Pourquoi ? Parce que je maîtrise. Ça évitera qu'il aille en RIP. Parce qu'RIP, il mérite vraiment pas. Je souffle. RIP, tête de homme, il mérite vraiment pas. Il a dit, il mérite pas. Si Jiraya mérite pas, il y a personne qui mérite. T'es complètement taré, toi. Il y en a qui vont monter, t'inquiète pas. T'es complètement taré. Il a dit, Jiraya, il mérite pas. Arrête, dès qu'il est venu, tu dis bon lui il va mourir, tu sais que c'est le sensei, il va mourir. Arrête. C'est pas parce que c'est prévisible que c'est nul, c'est bien amené. Le fait qu'à la fin il se fait fumer, il est là en train de ramper. Toujours la même histoire dehors, c'est son ancien élève. Le message qu'il est en train de passer, la manière dont il meurt avec le sourire à la fin, quand il tombe dans l'eau parce qu'il a fait le taf. Non mais arrête John, t'as vraiment pas de cœur. Non, c'est vraiment que... Non, t'as pas de cœur, je te jure t'as pas de cœur. Je suis vraiment pas cœur. Franchement je bats mytho, j'aurais préféré mettre RIP, 3ème Hokage que Jiraya. Ah mais le 3ème Hokage, on va y venir, on va y venir mon ami. Mais doucement, t'es pas objectif. Parce que moi j'ai accepté que... Arrête, Azuma, j'ai pas dit Azuma en triste, j'ai accepté ça passe. Non, moi j'ai accepté que Goku et ça passe.
T'as pas, c'est Non, non, différent. j'ai T'as pas accepté, je accepté. t'ai convaincu. J'ai accepté Et ça. non, non Et toi, seulement, quand c'est non, pour non toi, seulement t'as pas tu veux accepté. pas. Pourquoi t'as pas accepté? Parce que c'est parti en sondage. Donc, tu On n'a pas vois? fait de sondage, tu vois. Si, on a fait un sondage. C'est enregistré, arrête de dire de n'importe Je m'en quoi. fiche, On a fait on un est sondage. 500, donc le sondage ne sera pas validé avant 400 votes. Votez, 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 votez pour gérer la Sensei. Votez, votez. Donc bon, en attendant que les gens votent, hein. De toute façon, ça va bien se passer. Les gens ne sont pas fous. On avait dit à Zuma, le sondage, il avait Ça parlé passe. pour sa passe. Et Jiraya, hein, RIP. Putain. Encore merci pour les travaux, Hero Sending. Ça fait plaisir. Vas-y, Oh, continue. ensuite, Rengoku. 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 Rengoku, moi personnellement, je trouve que ça passait, hein, franchement. Franchement, moi, je pourrais mettre ça en triste, hein, parce que, tu sais, Il fait de la peine, le ah, skin. il fait de la peine de ouf. Eh, il fait de la peine de Franchement, ouf. Eh, parce que tu il vois, fait de la son peine de daron l'a ouf. Eh, il rejeté. fait de la Il voit peine le de ouf. délire. Ah, il Il est fait de la là peine de jusqu'au ouf. bout, il se tape. Et la réaction Eh, du mec, comment il a pété le plomb quand il a vu ah, il l'avant. fait de la peine, ah, il fait de la La peine. scène où l'autre, il lui Ah jette là le là sable. là. Il dit, reviens ici, ça lâche. Ah. Non, bah non. Non, franchement, en triste, je dis pas non. En vérité, Ah Rengoku, sa mort. En triste, je dis pas non. bah, moi je suis d'accord, hein, moi je suis d'accord. Franchement, en triste, je dis pas non. Parce que franchement, ce moment-là, c'était un moment, ça n'a pas de temps. Tu dis, oh putain, tu vois, Non, c'est. c'est à partir de là où Demon Slayer est devenu plus Et sérieux, en tu plus, vois. tu te dis, mais attends, c'est un des héros, machin. Et... Que nenni, que nenni. Donc. Que Didi, frère, que Didi. Non, on est Là, d'accord. franchement, Rengoku. Et en plus, ça a beaucoup joué sur la mentalité du héros ensuite. Parce qu'il a vraiment absolument voulu se venger du mec qu'il a. Bref, on va pas spoiler, mais du mec qu'il a Il s'est tué. rendu compte que c'était sérieux, tout simplement. Il s'est rendu compte que ouais, même les piliers pouvaient se faire rouler. Même nous, on se rend compte qu'en fait, que jusqu'à avant sa mort, tous les piliers, ils roulaient sur les mecs. C'est ça. Lui, c'est vraiment le premier pilier, il se ramène lune supérieure en culasse. Donc là, Rengoku, c'était un DR. Alors les gars, Effectivement. likez, partagez, abonnez-vous. Et on passe au Et suivant. je pense qu'on peut conclure le sondage de l'homme que l'on appelle Hero Allez, Sennin, hein? On peut conclure, on peut conclure. Donc je mets fin au sondage. je l'avais fait Merci à dévorer avec tous, plaisir, merci à toi. tous. Ensuite, on a Neji. Oh putain, Franchement, Osef. qu'est-ce que c'est Osef, hein? Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est? c'est Osef? Mais Mais ça, c'est à cause qu'est-ce de que c'est Osef? Kishimoto. Oui, non, il a fait de la Parce merde. que, Il a tu fait de la vois, à merde. l'époque de son premier combat, Neji serait mort là, on aurait tous pété un plomb, ça Ouais, aurait non, été un non. RIP. Tu vois ce que je veux C'est dire? le fait de l'avoir Mais. délaissé pendant les années Shippuden. Tu Ensuite, d'un coup, vois? il meurt comme ça. Tu sais pas Je pourquoi. comprends pas. En fait, je crois que c'est un random qui le tue, hein. C'est. Non, c'est. Une attaque random ou un truc comme ça ou. Waouh! Oh! Waouh! Je peux même pas dire meurt plus vite parce qu'on a, Waouh! tu vois, on attendait rien de lui. Et vraiment, Ouais, c'est Osef. et. Waouh! Donc, non, 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 non. C'est. Il va aller en Osef. Ça, on est. Toi et moi, je pense On qu'on est est d'accord. catégorique, hein, là-dessus, c'est. Ça va en Osef. On peut pas défendre Neji, en fait. Non, on Cette peut mort, pas, on tu peux peut pas, pas la tu peux pas, défendre, tu peux vraiment, pas. Osef. Ensuite, Naitai dans My MHA, c'est MHA. Ouais, dans C'est MHA, c'est MHA, c'est MHA. le mec chez qui faisait un stage, là. Oh, lui, je dirais. Meurs plus vite. Non, je rigole, je rigole. En fait, moi, lui, je vois plutôt, j'étais surpris Comment il dans le s'appelle? sens où c'est le C'est. premier mort de MHA. Aïe, je crois. Je veux dire, moi, il Ouais. m'avait surpris parce que dans MHA, jusqu'avant, il n'y Aïe. avait pas vraiment de mort. Donc, j'étais un peu. Oh, les gens peuvent mourir dans MHA, tu vois. Après, la façon dont il s'est fait enculer, je m'en souviens plus trop. Je crois que c'était avec le mec, avec le masque de corbeau, je sais pas quoi, qui l'a roulé. Peut-être qu'il fallait montrer que quelqu'un meurt, tu vois. Oui, il fallait montrer qu'il y avait vraiment de trucs. C'était pas oufissime, franchement, je vais pas te C'est mytho. un peu Vu que lui, Osef, c'était un personnage mais. Joseph. Parce qu'en fait, le problème, c'est un personnage Comme qui c'est un vient d'être personnage Osef, introduit. c'est ça, ce. C'est un peu Osef, en Ça vrai, tu vois. implique que Osef. Tu vois ce Ouais, que je veux c'est en dire? fait, il venait d'être introduit, aussitôt il est mort. C'est pas un truc de ouf, tu vois. Il était pas plus tome 1, tu vois. Tu vois, tu me dis, par exemple, j'ai trouvé plus triste la façon dont le Nike perd ses pouvoirs que la mort de ce mec-là, tu vois. Oui, mais après, c'est parce que justement, il était là depuis longtemps, il se battait, Voilà, c'est etc. pour Tu sais, ça. c'est bien Voilà, c'est pour amené. ça. Tu vois, c'est bien amené. Alors, lui, c'est Donc, Osef. il va en Osef, il va en Osef. On est d'accord tous les deux. Ça part en Osef. Et le premier machin, voyez-vous Kamina, c'est nous. qui ça, Kamina? C'est dans Gurren Lagann. Kamina. Ah, Gurren Lagann, ça fait. Ah, je me Moi, souviens plus de ce truc. personnellement, non, Gurren Lagann, les gens, ils ont kiffé pour Inazuma. Tête d'Oham, comment j'ai trouvé ça mort? Osef, c'est un délire. Certes, il y a eu un impact, on va pas se mytho, Kamina, parce que ça a changé la mentalité du petit, sa mort. Moi, je sais plus comment c'était exactement, tellement ça m'est sorti de là. Tu sais, Gurren Lagann, moi je souffle, hein. Je vais pas te Non, mentir. mais Hein. Gurren Lagann, moi, je souffle de base. J'ai jamais compris la Zumba Gurren Lagann. Donc lui, sa mort, moi, j'avais trouvé méga Osef. Donc mets-le en Osef, si les gens sont pas contents, ils viendront parce que. Ça me Si, je vais va. me faire insulter. Mais Gurren Lagann, putain, qu'est-ce que je souffle. Ah, ça me va. Eh, César, bah ça c'est pour César, toi. dans Jojo. C'est pour Ben toi, c'est pour moi, toi. je mettrai en. En fait, César, si je me trompe pas, c'est vraiment le premier. En fait, dans Jojo, dans chaque partie, il y a des morts. Lui, c'est dans la première partie.
tu t'attendais pas vraiment, tu vois. Tu dis, oh putain, si tu penses que dès le début, lui et l'autre, ils vont être ensemble, t'es tes meilleurs potes, et tu vois qu'il meurt. Donc moi, j'ai trouvé que ça passait. Je vais pas dire j'étais triste parce que c'était pas non plus un personnage de ouf, mais César, c'était touchant un peu, ça passe. Il disait RIP, vous abusez. Ouf, moi je vais te suivre parce que bon, les gens le savent, hein, j'ai pas Jojo, je souffle. Je Ouais, me suis arrêté moi à et mon la frère, on partie s'en 1, passe. donc RIP, vous avez César, il meurt un je peu te comme un suis, je con. te suis, allez, La je mise te en scène, suis. non, la mise en scène est bien, mais ça passe. C'est-à-dire, César, t'es pas triste en mode ah oh, putain, César, tu t'en bats les couilles, surtout quand t'as les autres parties de Jojo, tu l'as oublié, César. Ouais, je te suis, je te suis. Ensuite, Itachi. Itachi, c'est un peu Osef, ça marrant. En fait, Itachi, le truc, c'est que sa mort, elle a une carrière en flash. Après, c'est comme Ace en fait. Ça a une carrière après qu'il soit mort, ça essaye de Ouais, rajouter de du et du background sur son voilà, dos. Tu du vois ce que je veux background, dire ça ou tu dis pas? ah, mais sur le coup, même la façon dont il est mort, bon, c'était Non, stylé non, le j'ai quand il a trouvé eu ça son stylé de frère. ouf. Hein. Non, Oui, j'ai quand trouvé il ça a stylé de ouf. J'ai non, trouvé en ça stylé fait, de ouf. la façon dont il est mort, le problème, c'est pas ça, c'était trop facile. Moi, quand l'autre il l'a tué, je fais quoi, c'est tout, Itachi? Après, bon, on apprend Bah, que en ah, il fait, avait mal au le truc, c'est cœur. que la mort Oui, mais. d'Itachi, moi, je l'aurais mis en triste si on avait eu toute la discussion Tobi, Sasuke, avant le combat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, Ouais, je vois c'est ce que la tu veux dire. discussion qui fait que tu te dis, Tu oh dis, ah putain, putain, oh en fait, putain, le bâtard, il est tout oh ça pour putain. ça, ouais, exactement. Vois Ouais. ce que je veux dire? Donc. Donc là, le problème, c'est quand il meurt comme ça, moi, je me souviens à l'époque, j'étais un peu, quoi, c'est tout? Ça, c'est tout ce que tu as à proposer? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, J'étais un peu mais dépassé en mode. bon. Après, bon, ils nous disent, ouais, mais il avait mal au cœur. Ah, Non, mais. mais. Ouais, Il et pour les foutait. gens qui font les forceurs, le but, c'est pas que Tobi, il explique la vérité à Itachi, à Sasuke avant le combat. Oui, il n'y a pas de combat, c'est logique. Ce que je dis, c'est que si on avait eu plus de background d'Itachi avant le combat, ça aurait rendu sa mort plus impactante. Parce Plus que sa impactant. mort, en fait, elle t'impacte une fois que tu as les explications. Tu te dis, oh putain, Itachi est mort, tu vois. Mais sur le Ah ouais, coup. il est mort pour une grande cause, tu vois ce que je veux dire? Mais sur le coup, quand il est mort, t'es mort, t'es en mode, c'est C'est un tout. peu stylé, son délire, truc. Mais. Ouais, c'est C'est un peu osé. osé. Enfin, on C'est va un pas peu se osé. mentir, c'est un peu osé. C'est pas. C'est un peu T'es pas osé. triste. Là, au moment où il est C'est un mort, peu t'es pas osé. triste, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est non. osé. C'est après que tu dis. Ah, c'est pas Kikou, aux fans de Naruto. Sur le coup, c'est osé, faut pas se mentir. Les bâtards. Ouais, faut pas se mentir, faut pas se mentir. C'est un peu osé. Ensuite, Escanor, ça c'est pour Escanor. toi. Ça c'est pour toi. Bah, le truc avec Escanor, c'est que. Ça a toujours été un personnage, n'en déplaise au Kikou Nanatsu. Hein. Moi, je me suis dit, ouais, Escanor, le midi, il est chaud, il est plus fort que Melodias, c'est le seul qui peut rivaliser, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu un personnage que je trouvais OSEF, moi, Escanor. Hein. Donc, quand il est mort, moi, j'étais en mode. Tu vois, les gens ont dit tu spoil, mais l'anime il est pas fini de foutre 44 dans ce C'est truc-là. fini l'anime. Il y a le L'anime il est fait depuis nouveau, longtemps. il y a le nouveau là. Comment ça Le s'appelle? nouveau, bah oui, le manga Quand et ils ont l'anime sont leur finis gosse depuis là. Il y a longtemps. quand ils ont Bah leur gosse. Quand Melodias il a ses gosses. non, mais les gens ils sortent tard. Il faut avoir continué. Ouais, faut rattraper les gens, faut rattraper. Donc en fait, c'est la même chose que pour. Enfin, pour moi, hein, bien sûr. Les gens ils vont dire, non, mais t'es un ouf. C'est un personnage de malade. C'est celle qui peut rivaliser avec Melodias. T'as pas vu son combat contre Melodias, machin, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, si vous voulez. Mais moi, ce perso. Ouais. En fait, tu sais, il y a des moments où il faut faire mourir un Osef. personnage qui est un peu. Qui va pas bloquer l'histoire pour montrer qu'il se passe quelque chose. Et c'est Escanor. Tu vois, donc. Donc Osef, ça Ouais, trouvait. OSEF. OSEF. Je mets ça en OSEF. Moi, j'ai pas vu, donc je me prononce pas. De toute façon, comme Mais d'hab, ça les va gens, ils venir bien, pourront Osef. venir pour dire non, mais regarde, ça s'est passé comme ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il y a Donc, Lil Mogi qui envoie de haut qui dit Tatsumi, pas mort dans le manga, Tatsumi, ça pas compte mort dans le pas. Je manga, ça connais compte pas. pas. Tatsumi, c'est qui Tatsumi? Je sais pas, bon, on viendra de toute façon quand on sera le truc, hein, pour l'instant. Ouais. Vas-y, Putain, continue. t'as mis. Je te jure que ça va aller en triste de ouf, hein. T'as mis la meuf de Commence par Gintama. Lord. Oh Commence. putain. Putain, mon cœur. Ah, est-ce que ça va aller en Ça, RIP? j'ai vu pour faire Oh plaisir. putain. Je te jure, sa mort, elle est triste de ouf, hein. Elle est triste de ouf. Bref. Jonathan, Joestar. Bah, c'est encore pour toi, hein, du Jojo. Jonathan Joestar. Ça, moi, je vais en triste. Jonathan Joestar, en fait. Bon, tant pis pour ceux qui n'ont pas vu Jojo tout le temps. T'as un héros qui meurt. T'as l'héros passage principal. Du coup, t'arrives à la fin comme ça, t'es pas prêt. Sachant que lui, en plus, c'était vraiment le mec des valeurs, le mec. C'est vraiment le mec droit. Et le pauvre, il est mort. On essaie de protéger sa femme. Au final, il est son. Bref, franchement, c'était sale. En fait, quand tu le vois mort, tu dis, putain, le bâtard, il méritait pas cette fin.
Tu dis, il méritait vraiment pas ça. Franchement, je le mets en triste. Je mets en triste. Bah, vous savez, moi, j'ai pas vu, hein, donc je le Non, suis, franchement, hein. Jonathan, c'était triste. Jonathan, c'était Oh, je vraiment, t'étais suis. pas prêt. Bah, je te suis, je te suis. Je suis John, je suis John. Ensuite, on Non, a arrêtez, faut pas abuser. Ignil. Comment il est mort encore, ce con, putain? Ignil, c'est le Il a fait dragon, quoi? c'est ça que tu m'as C'est le dit? drap, c'est le dragon. Il s'est sacrifié pour protéger Natsu. De toute façon, dès qu'il a dit à D'ailleurs. Natsu, en fait, j'étais là depuis le début. J'étais avec toi tout ce temps. J'ai commencé à siffler de ouf. Comment il est mort encore, ce con, putain? C'était Je pense pas. que Il les a je pas peux mettre en protégés verre contre plus vite. Aknolia? Comment il est mort encore? Oui, voilà, c'est contre Aknolia qu'il est mort, Ignil. C'était Osef de ouf, hein? Franchement, en fait, tout le délire des dragons, dès le moment où t'apprends, en fait, Natsu, j'étais là. Je sais, moi, j'ai soufflé et je me suis dit, bon, va te faire foutre. Mais, en plus, tu sais, c'est vraiment le délire où les mecs, quand je dis les mecs, je parle des dragons, ils sont là. Tu sais qu'ils peuvent pas rester parce qu'il y a la nouvelle génération. Ça Ah, va, là, on on meurt meurt plus plus vite. vite. Je dis, ça Là, va, on on meurt meurt plus plus vite. Je te jure, ça va, on meurt plus vite. Ça va, on meurt plus vite. Ça va, on meurt plus vite. Parce que ça suffit. Ebisu de Noragami, c'est qui encore, Ebisu? Isu J'ai vu, hein. Noragami. Ebisu. J'ai vu Noragami, c'est le mec avec les temples de C'est Dieu ou je sais ça, pas ouais, quoi. c'est la meuf qui doit prier, là, la J'ai pas petite. fini ce manga. Ebisu, 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 Ebisu. Ebisu, c'est qui ce mec encore? Putain, c'est pas. Non, non, c'est pas l'arme de la meuf. Putain, c'est qui ce mec encore? Ah, ça fait Ah, moi je longtemps. connais pas. Ça, je connais Noragami, mais. Pourtant, je me souviens des scènes de Noragami, des gros passages, mais lui, je me souviens pas. Ah, mais donc on connaît pas. Putain, putain, putain. Mais il y a beaucoup qui disent ça passe. Fait chier. Last Ouais, je me Stardust, souviens si, plus. Je me si. souviens plus. Vous pouvez rajouter Attends, d'autres personnages Ebisu, de ce c'est. Il y a manga. des gens qui disent c'est un dieu. Il s'est battu. C'est contre lui qui s'est battu à la fin? Attends, attends. Ebisu, Noragami. Est-ce qu'il se bat contre lui là? Non, non, non. Attends. Ah, mais là, on connaît pas. Putain, fait chier, je me souviens plus. Je me souviens plus, je me souviens plus. Ça fait longtemps, j'ai pas vu ça. Elle. Ah, Elle, elle, elle. elle. Putain, Elle, c'est c'est compliqué quoi? parce qu'à la fois, bon, il y avait un petit style, tu vois, avant de mourir, il sait qu'il va caner. Tu sais, il voit les lames, fait tit tit, appelle Nanani, fait tac tac tac, arrête, tu vois, sans tout. Le petit moment où il voit Light qu'il Qui rigole, non, c'était quoi sourit, ce style? tu vois. En fait, Ça tu faisait sais, un peu de t'as peine. un peu de peine dans le sens où tu te dis, lui, il commençait à le prendre pour son pote, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et à Exactement. la fin, il le fuck, mais avec un sourire, tu vois. Avec Tu le sais, tu sourire. te dis, ah, fais chier. Franchement, je vais être très triste quand même. Parce que c'était un peu. Oh non, elle est morte. La première fois que j'ai vu, j'étais quand même un peu. Waouh! Elle! Tu vois? Ouais, je vais être trop triste. Je vais être trop Moi, triste. je peux l'accepter parce que ça reste elle, tu vois ce que je veux dire. Ça reste Ouais, elle. ça reste elle. Je peux l'accepter, je peux Et l'accepter. c'est en termes d'impact dans l'œuvre, elle, je veux dire, C'est la elle est deuxième morte partie. Hein. là. Il y a un avant et après elle. Donc, Ouais, il y a l'avant et tu vois. après la télé. Ils ont dû Donc, meurre plus vite, c'est des voilà. ouf. Non, non. Pour moi, triste, vas-y, je te le donne. Triste, je Ah, te le donne. triste, triste. Maes dans Ah, FMA, dans c'est qui Hug, dans maintenant? FMA. Lui, franchement, j'hésite à le Attends, mettre en c'est quelle RIP. version? Bien sûr, je me Attends, base attends. sur la première version de MHA. C'est le De problème, la FMA. deuxième, bon, de FMA, ouais. Dans Brotherhood, le problème, c'est que ce personnage, Comment il est sa mort dans mort. Brotherhood? Dans Brotherhood, il est mort pareil, mais sauf que on l'a très peu connu, il meurt assez vite, il est mort assez vite. Tu Du sais que je me coup, souviens dans même pas Brotherhood. trop du perso, hein? Non, parce que dans Brotherhood, sa mort, elle est Osef. Mais dans la première version de 2001, parce que moi, c'est 2001 que j'ai dû regarder au début, Je me souviens le même pas trop mec, du tu le perso, hein? vois depuis longtemps, 20 épisodes, il est là, il aide les fans d'Elric, il est avec eux. Sa mort, Kate, Doam, t'as les larmes aux yeux. Moi, je vous le dis. Comme il a dit Dragibus, t'as peut-être les larmes aux yeux, mais c'est pas canon. C'est canon, moi. Moi, celui que j'ai mis, justement, j'ai fait exprès de mettre celui de la première version. Je mets celui de la première version. Je mets RIP. Moi, je mets celui de la première version, je mets RIP. RIP fort. C'est moi, bon. Avec sa petite Non, fille. non, non, Juste avant non, de non, non. caler. J'allais Juste dire, je avant peux de te le caler. donner, mais non, il y a Jiraiya en RIP. Et Peut-être Doom, il monte à RIP. T'as pas, tu te rappelles plus? Toi, tu peux pas juger par moi, RIP. c'est j'ai regardé FMA, Brotherhood, tu sais, la version FMA normale, j'ai Oui, mais moi, survolé, tu vois. là, oui, non, mais là, j'ai mis la 2001, la version 2001. Peut-être Doom, c'est RIP. Ta, ta, C'est ta, ta, RIP ta. fort, t'es un ouf! Fais un sondage entre RIP et ça passe.
Ah, tes conneries, t'as dit, Tu ouais, fais mais un arrête tes sondage conneries. entre RIP Non, et non, 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 non. Sympas. Tu t'en souviens pas qu'il coûte, t'as Tu pas les fais un arguments pour me dire que tu sondage mérites pas. entre Non, RIP Kikou, et pour Sympas. ça, Si t'es il confiant, fais aurait un pas lu. sondage. Fais un sondage. Bah, non, il n'y a pas de Moi, j'étais confiance. confiant hein, pour Jiraya. Fais un N'y a pas sondage. de souci. Moi, Fais un j'avais des arguments sondage. pour dire qu'il montait pas là, Tu t'as pas peux pas d'argument, aller montre-le. avec Jiraya. Fais un sondage. Non, non, Kikou, on compare pas. Tu vois, là, tu fais ce qu'on a dit Non, qu'on fait pas avec les autres. non, 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 Là, je ce que t'as compare dit, pas. Je on peut compare pas. Si pas. je t'ai dit, Non, non, il je y a compare Jiraya, ça pas. Non, non, t'inquiète. non, Tu non, vois? non, Vous non, voyez non, les non, 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 hypocrites? non, 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 Vous voyez non, non, l'hypocrite? je Après, il va compare reprocher pas. ça aux gens de faire. T'as Non, dit, je tu veux pas le compare mettre parce pas. qu'il y a Jiraya. C'est pas de la Je suis comparaison. désolé. Oui, c'est Mais différent. si, C'est ça fait. différent. C'est différent. Oh, C'est Kikou, mets-le en RIP. Ce Mets-le n'est en RIP, pas de la mets-le comparaison. en RIP, mets-le Regardez-moi en RIP. ça. En haut, t'as quoi? En haut, t'as un mec, il est en train de pisser le C'est la sang. Tu comparaison, dis, Kiko. putain, Après, faut pas qu'on reproche aux gens de le faire. Non, non. Fais un sondage. Non, pour de vrai, fais un Non, non, sondage. pas de Fais un sondage. sondage. Kiko, Comment ça, pas t'as de pas les sondage? arguments pour le dire qu'il monte pas. Fais un sondage. Trouve-moi des arguments pour dire qu'il monte pas. Après, on Dans fait la un sondage. version, premier argument, tout ton truc là, c'est pas canon. Deuxième argument, dans la version Moi, j'ai fait Bozarou, celui de tellement il 2001. est J'ai OSEF fait. et tu sais qu'il est OSEF, je me souviens même pas de comment il est mort. Ah, tes conneries, c'est pas Non, c'est la l'argument. Tu te vérité. souviens Je me pas. Tu te souviens souviens pas, il même va en pas de comment il RIP. est mort. Il va en RIP. S'il vous plaît. Ah bah, c'est moi, je vais le faire, je suis con. Je vais faire le sondage. Il va en RIP. C'est la Il version s'appelle comment ce 2001. con? Ma S. Tac, Il n'y tac, a pas tac, tac, canon de, il tac. n'y a pas de canon dans FMA. Ah, mais laisse-les ironiques, ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de canon dans FMA. On souffle. Ironique, on souffle. Il y a un canon. C'est la version du manga. Laisse-le là-haut. Si quelqu'un après il veut le faire descendre, il descend. Je laisse pas là-haut pour l'instant. Vous avez vu comment C'est où, il est c'est où? mauvais? Je suis pas mauvais. Non, mais Kikou, Quand tu ne joues pas c'est, le jeu si parce tu que m'avais quand on fait dit, les sondages, tu vois les arguments. Tu avais zéro argument à Si tu dire, m'avais j'en souviens dit plus. Jonathan machin en RIP, j'aurais dit si tu veux, j'ai pas vu. Mais là, je me souviens même pas de comment il meurt dans la version Brotherhood. C'est Non, une parce dinguerie. que t'as oublié, mais t'as oublié, moi je Mais m'en c'est souviens une très dinguerie. bien. Moi je m'en souviens très bien. Oh, Non, mais c'est t'as une pas les dinguerie. arguments, le seul truc que j'ai oublié, non, 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 c'est pas celui-là. C'est une dinguerie. C'est pas Kikou mauvaise foi. C'est De si les ouf, gens de ils ouf, disent de Kikou ouf. mauvaise foi, bah battez-moi au sondage. Non, Battez-moi au parce que là, sondage. Kikou, je vais vous dire pourquoi il l'a pas mis. Parce qu'il a dit à Jiraya. Ton seul argument, c'est Battez. sa Non, mais comparaison, c'est du ce que t'as troll. interdit C'est aux du gens de troll. faire. C'est du Non, non, troll. t'étais Et sérieux. premièrement, c'est du troll. Et deuxièmement, j'interdis ce que je veux aux gens. C'est moi qui a la souris. C'est moi qui a la souris. Fais attention. Allez, bref, il y a le sondage voté, on passe au suivant en attendant. Votez, votez. Et les cons, ils vont voter pour RIP. Bien sûr, c'est Si, si le RIP. sondage, il met en RIP, je le mets en RIP, y a pas de souci. Le TDM, c'est Mais RIP fort, faut juste lui. arrêter. Je me souviens Mais faut même se pas de baser sur la comment il version meurt. 2001. Donc bref, c'est pas le sujet. En plus, Ensuite. ouais, le délire, il pleure, c'est la mort de Mustang, ça. Genre, il pleut. Genre, ah, rentrons, il pleut. Comment tu peux dire? Tout le monde reprend ce truc-là, tellement sa mort, c'était Ouais, c'est appuyé. vrai, Tout c'est vrai. Ouais, c'est le monde, vrai, c'est arrête, vrai. arrête. Ah, c'est vrai. Je l'entends. Je l'entends, je Ah, l'entends. il pleut. Mais Ah, il pleut. mets le Arrête, sondage quand arrête. même. Mets le sondage quand même. De toute Vas-y, façon, tu vas le gagner bref. ton De toute sondage. façon, c'est bon. Vas-y, Donc passons, en c'est bon. attendant, Votez, votez. Askeladd dans Vinland Saga. Parce que là, c'est lequel encore? Askeladd, Ah, c'est c'est le le vieux. blond. C'est le vieux blond là. Celui que veut tuer Thorfinn. Oui, c'est le blond. Déjà l'impact Attends, que. là, on voit pas hein, le. Ah merde, pardon. Déjà l'impact que ça a au niveau des personnages. Bah le mec, là, pour le coup, il est vraiment brisé. Il finit en esclave. Est-ce que là... Ah non, non, spoil pas, Ouais, c'est la saison c'est 2. pas sorti en animé cette Ouais. merde. Là, c'est pas sorti Bon, en animé, là. ça a un impact de ouf sur. Vraiment de ouf sur le personnage principal. Mais vraiment, Ouais, vraiment, ça n'a pas vraiment. que. Vraiment, il pète un plomb. Parce que c'était son C'est. seul objectif. Ouais, c'est. Non, non, il est vraiment. Là, ils disent meurs plus vite dans le sens où on savait qu'il allait caner parce que l'autre c'était son objectif. Mais en fait, c'est pas parce qu'on le savait forcément que c'est mauvais. Oui, exactement, je suis d'accord. Pas Je suis parce qu'on d'accord, je sait suis que d'accord. forcément que c'est mauvais. Lui, en fait, la façon dont il est mort, déjà c'était surprenant. Parce que le mec, il est en train de ramener un nouveau prince, nouveau roi. Et il arrive dans un putain de traquenard psychologique avec le nouveau roi. Qui est en train de lui dire, je sais qui t'es, je sais de qui tu descends et je vais te niquer. Et le mec, il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour sauver le prince? Il se sacrifie pour ça, il coupe la tête du roi. Et ça, personne n'était prêt. Il a Franchement, porté personne ses n'était prêt. couilles, hein. Franchement, il a porté ses couilles de ouf. Donc moi, je mettrais en. Franchement, je peux le mettre en triste. Moi, je peux le mettre en triste aussi parce que, c'est quand il meurt. En fait, ça fait meurt d'ancien. Ça fait mort d'ancien, tu vois. Ouais, Il c'est. meurt en lâchant des leçons. Ouais, bah, la dernière punchline qu'il dit, c'est deviens un vrai guerrier, tu vois. Alors Ah non, qu'avant, non, non, il était tout c'est. le temps en mode oh, ton père qui disait deviens un vrai guerrier, oh oh oh, on souffre. Alors que là, il dit devrait un vrai guerrier. Tu sais, en fait, c'est une mort Là, d'ancien, tout simplement, tu c'est vois le ce que je mort veux dire. d'ancien. Franchement, sa mort, elle est impactante dans l'œuvre. Non, non, on spoil pas, ça c'est Ouais, dans la saison 1. je le mets en triste. Là, c'est pas du spoil, c'est dans la saison Non, 1. c'est pas le spoil. Et Mustang Hug, le fin du sondage, 220 votes, tu peux le mettre en RIP.
Vas-y, vas-y. Je l'accepte, je l'accepte. Si ça avait Salut été une fraude, Otis. ton mec, les gens, ils l'auraient fumé. Donc, bon, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Ah, mais non, triste, À triste. ce que là, Non, non, triste. triste, triste. Ils font quoi, Goku, hein, ça passe, là? Ah oui, c'est le sondage, merde. Ce sondage. Voilà. Ah, Kushina ça, et normalement, j'aurais Minato. pas dû compter. C'est un flashback. Je l'ai mis, mais c'est vrai que, vu que c'est un flashback, bon, exceptionnellement, bon, dans tous les cas, c'est meurt plus vite. Parce que le flashback, qu'est-ce qu'il est explosé. Moi, je vais pas te mentir. Meurt plus vite, Tedouane. La mort en soi, c'est un peu OSEF, hein. C'est quand ils font leur cinéma. Ouais, c'est vrai. Quand tu seras grand, Le grand machin, machin. Moi, Naruto. j'étais en mode. Ouais, c'était meurt plus vite. Franchement, c'est bon, vous allez mourir, meurt plus vite. Je le mets en meurt plus vite. Je le mets en plus vite. Franchement, c'était OSEF. Si Jiraya, il n'avait pas fait toute cette Zumba-là, j'aurais pu le monter. Parce que quand il est parti, quand il a mis sa veste, je reviens, quatrième Hokage, tu sais, ça aurait pu faire un truc épique, mais ça, je souffre. Et en plus, le fait que tous les deux, comme des cons, Minato qui est super rapide, au lieu de se téléporter pour prendre le bébé, je sais pas quoi, ils se mettent devant, ils se font transpercer. Oh, je souffle un peu, tu vois, je souffle un peu, je souffle un peu, Ah, tu souffles je souffle un fort. peu. Ah, je le mets en meurt plus vite, je le mets en meurt plus vite, meurt plus vite. J'ai dit, vous avez pété les plombs. Je trouve ça cohérent, je trouve ça cohérent. Vraiment, ça ne choque pas. Ensuite, on a. Putain, en plus, ça là, cette meuf là, je sais pas, je connais pas le truc, mais ça m'a fait me souvenir de je vais manger ton poids créa. Bon, bref, j'allais spoil. Bon, Ah, vas-y, non. j'allais Non, spoil, en j'allais plus, spoil. ça, moi, je me suis auto-spoil quand j'ai fait la Charisse. Parce qu'en ce moment, je regarde, parce qu'un abonné sur Twitter, sur Insta, m'a dit de regarder ce truc-là. Light to April ou je sais pas quoi, là. Ça t'a spoil de ouf. Comment spoil de ouf, j'ai vu. Ah, d'accord, elle va caler. Donc, Ça tu vois. spoil de ouf. J'ai fait, ah, d'accord. Mais d'un côté, ça. Mais le fait de voir ça, parce que j'ai regardé trois Ça épisodes, te j'ai donne dormi, envie de ça. continuer. Ça m'a donné envie, justement, de dire, ah, bah, ça peut être intéressant, tu vois, du coup. Donc, après, bon, je connais pas. Je connais personne, mais je sais pas quoi, merde. Donc, mais on connaît pas pour l'instant. Peut-être que ça aura un Ouais, on impact connaît pas. intéressant. Tac, 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 tac. C'est Tsuko, c'est dans quoi Ça, ça? c'est un film, mais je l'ai mis quand même. C'est dans le tombeau des Lucioles. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces conneries. Ouais, J'ai j'ai vu ces conneries regardé. là quand j'étais petit en cassette, tu vois. Mais à Ouais, part ça. les Chihiro ou les. C'est pas. Non, C'est mais. pas les trucs que j'ai revus, tu Tombeau des Lucioles, en fait, c'est une grosse Zumba. C'est les meufs et les mecs sensibles. Ils kiffent ça. Ils ont. Oh, incroyable, la mort de la petite fille. Moi, quand j'ai regardé ce film-là, moi, j'ai soufflé tout le film. C'est une dinguerie. J'ai regardé il y a quelques années. Bon, c'est triste, hein, parce que le mec, il voit sa petite soeur mourir. Je me Après, souviens même j'ai pas, j'étais vu petit. un J'étais schlag. petit. Mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu veux le mettre en sa passe? Ouais, ça passe. Ça Bah passe. vas-y, si les Je gens sais sont que je vais me faire fâchés, il y en a. insulter. Non, les gens vont être fâchés parce que les gens aiment bien surcoter ce film-là, mais le film, il est pas si ouf que ça. Bah, les Les gens vont gens. attraper par le Les col. Je gens sais très bien, viendront se on va... plaindre. je sais très bien, on va attraper par le col. Ah, donc ça passe. C'est pas un souci. Ensuite, on a Shiro, Shiro, je sais plus comment on dit. Le père prêtre là dans Blue Exorcist. Je connais pas. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu, non. Je connais enfin Blue Ah, Exorcist, tu mais connais de je. nom. Ouais. Bah, tu sais, c'est comme le père à Thorfinn dans Dans Vinland Vinland Saga. Saga. Sa mort n'est pas nulle, mais c'est un peu. Je mettrais même pas ça en sapa, je mettrais ça en. Je mettrais ça un peu en OSEF. Parce qu'en vrai, Attends. on lui donne un background, t'apprends qui c'est, etc. On t'explique le délire avec ce mec-là après qu'il meure. Parce qu'il meurt au premier épisode, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord, oui, Donc, vas-y, c'est ça, c'est tu vois le ça. délire? C'est Ouais, ça c'est OSEF, c'est OSEF, que c'est OSEF. ça qui fait que bon, tu vois. Mais voilà. Moi je mets ça en OSEF. Pas en meurt plus vite parce que bon, ça introduit le délire, etc. Ça impacte le héros parce que c'est de sa mort que découle son objectif. Mais OSEF. OSEF. Et au passage, bien vu Débédro pour le Le membre membre. bronze. Bien vu, bien vu. Ensuite, on a Sacha. C'est dans quoi ça? Dans les machins, wesh. Ah, pas dans les machins, Non, dans dans. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ah putain, Sacha! Ah, celle qui mange toujours de la viande, là. Franchement, moi, sa mort, elle m'a pas impacté plus que ça, en vérité. En fait, tu sais, c'est. Comment elle est morte? Déjà, comment t'arrives à mourir comme ça? Tu vois Le ce que petit je veux de dire? 10 ans, un C'est gamin là, de 10 ans. tu te bats contre des gros titans et tu te fais Titan. fumer contre ça? Arrête, arrête, Ouais, je soupe arrête, fort. Non, sa mort arrête, était arrête, OSEF. arrête. Les gens ont fait une petite Zumba, mais ouais, c'est un peu OSEF, c'est un Non, peu OSEF, c'était c'est un peu OSEF, c'était OSEF. OSEF. Ouais, de ouf. Après, je peux entendre les gens qui disent, ça m'a un peu gratté l'œil, parce que c'est un perso qu'on connaît depuis longtemps, c'est un peu un perso gag, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais. Et ça a brisé son trio avec.
comment il s'appelle, ce con-là. Bref, vous voyez de qui je parle. Mais, ouais, Osef. Erwin. Ah, Erwin, par contre, lui, Erwin, j'ai envie de me... Putain d'RIP. Erwin, vraiment, merci pour les travaux, hein. Bah, merci, lui. Ça gagne. Putain de merde. Ah, le mec, il est là. Il réfléchit du coup. J'ai qu'un seul plan. Je vais canner. On va y aller. Jusque... Non. Putain d'RIP. Ah, non, moi. Le mec, en plus, il a pu canner. Même l'époque où il a juste perdu son bras, déjà. J'avais pété le bol. Mais non, Erwin, comme ça, il va mourir. Non, Erwin, c'est une dinguerie. Erwin, je mets en putain d'RIP. Ah, Erwin, moi. Y a pas de soucis. Et moi, je suis toujours pas Corda qu'ils aient donné la piqûre à. À l'autre à la place de Lusk. Moi j'avais vraiment le dragon. Hein. J'avais vraiment le démon. J'ai dit non, donnez Erwin. Faites pas les cons, on s'en bat les couilles d'autres. Non, Erwin fort. Ça gaillot fort. ça non, moi je l'entends. Putain, 12 et 9. Oh là 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 là. Terrarine résonance. Moi je les mettrais en triste, putain. Ouais, c'est vrai que c'était un peu triste. Moi je les mettrais en triste parce qu'ils sont vraiment morts salement, putain. Terror in résonance. Franchement, ces deux mecs-là, enfants, expérience, ils s'échappent, ils veulent montrer au monde que en fait il y a des gens qui font de l'expérience, etc., etc. Ils commencent à découvrir la vie, ils se font une pote, ils avancent dans leur délire, ils essayent de faire en sorte d'avoir un plan pour s'en sortir au final, etc., etc. Alors qu'ils sont au courant qu'ils sont condamnés, tu vois. Ah. Non, Terreur une résonance, il y en a qui ne disent pas vu, c'est lourd. Hein. Terreur une résonance, c'est lourd. Terreur une résonance, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. En plus, c'est un animé court, tout ça, c'est lourd. C'est lourd. Et à la fin, ils sont en mode. Si. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, Nick. Si vous tirez, on a les Piou. Ils se font fumer. Et j'étais choqué de ouf. Non, c'est sale. C'est en fait, c'est ça m'a surpris. Parce que j'étais moi, dans ma tête, ils allaient être avec la fille et mourir avec la fille tranquillement. Ils se font shooter au sniper et tu vois le mec qui crie. Et... Tu sais, je me suis dit. Non, c'était sale, c'était sale. Je me suis dit merde. Franchement, les gars, Terreur une résonance. Je sais pas quoi, mais je me suis dit. Ouais, merde. Mais tu dis. Ah ouais. Je me suis dit merde. Et moi, je peux pas mettre juste en ça passe en fait, tu vois. Non, ça va en triste, ça va en triste, ça va en triste. Franchement, ça va en triste, ça va en triste. Si vous avez pas vu Terreur une résonance, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Non, on vient de vous spoiler la fin, mais bon, c'est début de live. Ouais, de ouf. Fallait voir plus tôt. Mais c'est lourd, en tout cas. Ensuite, Kuro-sensei de Assassination Classroom. Moi, je suis pas allé au bout parce que de toute façon, c'est le principe du truc de pouvoir tuer le mec. Et qui est-ce que j'ai trouvé ce manga ouais, meurt plus vite. Ouais. Attends, encore heureux qu'il soit mort. Ensuite, Ishimaru Gin. Parce que, non, Kuro-sensei, le but, c'est qu'il meure. Le délire de... Oui, mais... Non, c'est bon. Ils vont s'attacher à un truc. Non, meurt plus vite. En plus, t'es éclaté à Assassination Classroom. Mais bref, c'est non, c'est vraiment le succès que ça a eu, j'ai jamais compris. Mais enfin, bref. Gin. C'était quand même assez stylé. Triste, hein. Moi, je mettrais ça en triste. Hein. Je vais pas te mentir Gin, parce que. Comment il meurt. L'autre dans ses bras qui est en train de pleurer, je sais pas quoi. Après, il voit Ichigo. Son petit regard à Ichigo. Je peux partir. Tu as le regard d'un homme fort maintenant. Non. Oh. Moi, j'ai resté sa face, mais il est triste. Voilà. Ok, pour faire pas. Triste, en fait, pourquoi je le mettrais en triste pour moi? Parce que ce mec-là, dans la manière dont. C'est ça, en fait, tu vois. La manière dont il meurt, c'est la conclusion de sa vie. Mais en fait, tu te dis. Ce qui est impactant peine, ce bâtard, tu vois, c'est que tu te rends compte, en fait, depuis qu'il est gamin, il a vu Aizen. C'est dit, lui, si je le nique pas, si il va je le bloque le monde. Pas. C'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va enculer le monde. Donc le mec, c'est un agent double depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'apprends ça, tu vois, après il meurt comme ça. Et depuis le début, il fait, il y a que moi. Je me suis dit, je sais comment te tuer. Non, Gin, c'est quelque chose. Non, en triste. Moi, je me sens en triste. Je me sens en triste. Les gens ont dit, Osef plus Zumba plus son ronf. Oh, vous êtes dur. Non, vous êtes très dur. Vous n'avez pas de cœur. Sachez-le. Très, très dur. Il y a quelqu'un qui a dit sans le flashback, sa mort est Osef. Oui, mais le flashback n'est pas la mort. Attention. Et surtout, le flashback, il a lu avant sa mort. Exactement. Donc, tout va bien. C'est différent. Tout va bien. Ensuite, Vegeta contre Freezer. Vegeta contre Freezer. Ah, ce Vegeta-là?
Moi, je Ah, peux c'était mettre. triste quand même. Ouais, j'allais mettre ça en triste, tu vois. Je peux pas Moi, mettre je ça en pense que. RIP parce qu'il fait trop de peine, en gros, tu vois. Mais Ouais, non, non, mais pour en moi, triste ça, parce que c'est. justement, il fait de la peine, tu vois ce que je veux Il fait de dire. la peine, tu vois, il est là. Il chiale. Goku, s'il te plaît. C'est même avant même de mourir, le moment où il s'est rendu compte qu'il n'est jamais allé avoir le niveau de Freezer, il se laisse rouler dessus. Et comme ça, se boit, se boit, se boit. Il voit Goku, ses espoirs. Alors, franchement, triste, triste. Ouais, pour moi, ça va en Voir triste. RIP, j'aurais pu, mais je ne vais pas débattre avec toi. Triste, je prends. Ah, triste, on y va. Ensuite, le mec de. Ah, J'allais dire Ghost in dans the Shell, c'est pas Devilman Ghost in the Shell, Crybaby, Crybaby, ouais. Ouais, Akira. Oh, lui, Akira, quand il est voilà. mort, c'est un truc quand même, ce bâtard. Moi, quand il est mort, je suis un peu en mode quoi? Akira est mort? Mais en Moi, plus, c'est tu même vois. pas en Akira est mort, c'est. Putain, il a pris cher. Tous les gens qu'il connaît se font fumer, tête Ah, sur c'est des une pics. dinguerie. Son C'est meilleur une pote, dinguerie. il l'a doublé. Il se bat déter contre son meilleur pote. Il est au max, 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 Et max. Tu surtout. vois des explosions de partout, etc. Ensuite, tu as le focus sur les deux. L'autre, il est là, il parle avec lui. Tu La vois que scène son de fin, corps, elle est il est à stylée. moitié Elle est stylée de coupé ouf. en deux. Tu vois que lui, il est Exactement. mort. Il est là. Quand il lui parle, toi tu crois qu'il est vivant, tu dis wesh, il est comme ça. Après tu vois à la fin, il dit hé, réponds-moi, réponds-moi. Tu dis oh! Non, franchement En triste, franchement fait, triste. tout ça pour ça, et au final, il se fait fumer Au sale. final, ils ont perdu tête de homme, c'est dégueulasse. Non, son Oh. gars, c'est dégueulasse. Ouais, pour moi, il mérite son triste. Hein. Il mérite son triste. Il mérite son Non, triste. triste fort, triste fort. Voir, il aurait pu mettre RIP. Hein. Franchement. Après, problème avec le RIP, c'est. Il se fait fumer tellement, tellement, tellement sale, tu vois. Que. Ouais, bon. Vas-y, triste, triste, triste. On verra. Peut-être les gens s'ils veulent le monter. Attends, tu l'as mis en ça passe. Ah merde, excuse-moi. Ensuite, c'est à quel moment ce Piccolo. battle-là? C'est quand, bah, c'est quand là, il sacrifie pour Gohan. Ouais, Ah, quand il se protège, quand il le protège. alors. Il le protège avec la fameuse setback. Il dit, tu es la première personne qui a été. Là, c'est l'époque où c'était le démon Piccolo. Hein. C'est encore un Piccolo malfaisant. Ce n'est pas le Piccolo qu'on connaît aujourd'hui. Donc, moi, franchement, cette mort-là de Piccolo, je me rends triste. Parce qu'en fait, l'impact qu'il ramène, c'est un Piccolo qui change petit à petit. Et ce sacrifice, c'est la preuve ultime que c'est bon, Piccolo, il est plus méchant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, pendant, faut savoir que pendant tout ce combat, quand il sacrifie les trucs, il a le seum de Gohan. Parce que Gohan, il s'est chié dessus sur les Saiyans. Il dit, dégage, tu m'as fait perdre mon temps. T'es nul, je te dis de mettre des coups, je vais pas les mettre. Et là, quand il voit les dans la merde, il se dit wesh! Non, franchement, triste, Piccolo, triste. le vrai père de Gohan. Et là, il dit RIP, il y a beaucoup de RIP, oui. RIP, je dis oui. Alors, le problème, c'est qu'il revient, c'est ça le problème du RIP. Défends-moi ton RIP, Non, sinon il va en en fait, triste. là, le problème du RIP, c'est qu'il revient. Ça aurait été fini. Plus de Piccolo finito, j'aurais dit RIP. Mais le fait qu'il revient, ça désamorce. La mort, Vas-y. forcément. Ça, je me rends triste. Pour moi, triste. Non, faut dire les termes. La petite, ça c'est la petite fille Ah, c'est Nina dans. Ouais. dans. Mais encore une fois. Dans MHA. Pas dans MHA, dans Juste dans FMA. Full Metal Alchemist, ouais. FMA, ouais. En fait, encore une fois, la mort de la petite, si t'avais la version 2001, c'est une dinguerie. Si t'avais la version Brotherhood, c'est de la merde. Elle meurt au tome 1, au premier chapitre, tu la découvres, elle est morte. Donc, Dans la version Brotherhood, moi. Pas dans la version Brotherhood, dans la version 2001. FMA, ouais, classique. Je m'en souviens. Ça m'a marqué. Je sais Bah pas si tu vois non, ce que je veux dire. c'était un truc de ouf, hein. Ça m'a Quand elle est marqué, morte, hein. jusqu'à Ed, Miskin, il essaie de la ramener à la vie, là, ah, reviens, reviens. C'était un truc de ouf, hein. Franchement, Nina qui meurt dans le premier truc, sachant qu'on la voit, c'est pendant longtemps il a passé ses examens, elle était avec elle, avec lui, avec eux, etc. etc. Non, moi je m'étais en triste. Franchement, Nina, sa mort, elle Moi, est triste. y a pas de souci. Triste, ça me va. Ensuite, ça, c'est dans quoi ça? Ah, c'est dans Devilman. Bah, c'est la meuf de Akira dans Oh Devilman. Ah, c'est une dinguerie, putain! hein. Comment elle meurt, Elle, je peux c'est aller une en triste, dinguerie. hein. Parce que. Elle a la tête sur un En piquet. plus, Il voit moi, ça. le vrai truc qui m'a marqué avec cette scène, c'est toute la Zumba qu'il y a eu quand elle essayait de courir. Et Ah que à oui, la pour fin, leur tu dis, échapper. elle va peut-être s'en sortir. Mais au final, tu vois sa tête sur la pique. Un Je me suis pic. dit, Ah, oh, oh tu pètes un putain. plomb. Oh Ah, putain. tu dis, oh Oh putain, tu dis, ah, putain. c'est sale. Tu dis, oh putain, c'est sale. Tu vois, t'es où? Tu dis, ah, c'est sale. Ah, oh, c'est sale. Là, ils m'ont eu. Non, ça, c'est triste, franchement. Ouais, ça va en triste, Elle ça va aurait en même triste. peut-être même mérité son RIP parce que c'est vraiment sale. Ah, Complètement. c'est. En plus, Franchement. elle a toujours été bien avec les gens, même avec l'autre meuf, là, la Exactement, tu coureuse, là, vois, etc., franchement. etc. Du coup, moi, j'ai dit pas non à RIP pour elle parce que franchement, c'était pas mérité. Franchement, tu dis Non, Miskina. vas-y, Je vas-y, vas-y. dis. Je peux te Franchement, donner. RIP, Le RIP, je peux te le vraiment donner parce parce que que c'est c'est pas comment elle court mérité. pour s'en sortir, pour Ouais, essayer. Les gens qui se sacrifient pour l'aider, toi, tu te dis, il va venir la sauver. Elle il finit arrive. sur une putain de pique. Pique, pique, Oh. ça. Le mec, ils sont en train de danser comme ça.
Alors c'est sale, Ouais, c'était c'est trop triste, c'est sale. triste, c'est triste. Franchement, Franchement, c'était trop sale. elle mérite son petit RIP, vas-y, je te le donne. C'est quoi ce truc en CGI là? Ah, dans Gantz. C'est qui ça? Même le, c'est le Gantz, le mec avec son petit frère là, même le héros, il avait un pote. C'est quoi son blaze? J'ai oublié son blaze, le mec dans Gantz. Même le mec, en fait, lui, c'est à cause de lui que l'autre, le héros est mort. Parce que c'est lui qui lui a dit, ouais, viens, on va sauver le vieux. Ah putain, mais attends, 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 Même attends. lui, en fait, ça fait de la peine. Pourquoi sa Attends, attends, mort? attends, attends, Parce que attends. lui, miskine, il Non, attend non, son non, petit non, non, ref. non, 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 non. Tu vas le mettre en quoi? Dis-moi déjà, tu vas le Non, mettre en non. quoi? Moi, je l'aurais mis en. Moi, je le mets en ça passe. Ça passe triste. On est bon, on est bon. Vas-y, continue. Triste. Non, continue. Voilà. Non, Continue, il est jamais continue. en RIP. Ouais, Pourquoi? continue, Parce continue. qu'en fait, le mec, lui, en plus, tu sais, t'apprends que le mec, c'est un miskin, il vit qu'avec son frère, il est chez sa tante, ils leur font la hagla, il vient d'avoir son appartement. Et à la fin, il est là, t'arrives à l'épisode, en fait, tu dis, lui, il peut pas mourir, il est trop, tu sais, il est trop bon pour mourir. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, il y a son petit frère, il est là, il court, et où est mon frère, où est mon frère? Il est mort, t'apprends à la fin, bim, il est mort. Son petit frère devient miskin tout seul. Bon, après, on s'est désamorcé par le fait qu'il revient après, des arcs après, il est ressuscité. Mais franchement, je peux comprendre le triste, moi. Allez, on va mettre quoi? On va mettre en ça passe. Ça me va. Franchement, ça passe. Parce que franchement, sa mort, c'était pas rien. Non, Osef, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Quand il est revenu, comment j'étais content. Quand il a été ressuscité, comment j'étais content. Ouais! Ah non, je kiffe trop. Ensuite, l'homme que l'on appelle Netero. Netero. Bah, moi, Ça franchement, j'ai passe. Moi, je envie. dirais ça passe. Tu en ça passe? Oh, moi, je te jure, je l'aurais mis en RIP. Hein. Parce que Netero, sa Il mort est a prévisible. Netero, c'est prévisible. Je suis d'accord avec toi. Mais putain que Netero, il a fait le taf de ouf. Le mec, il est allé au charbon en sachant qu'il allait mourir. Comment il meurt, c'est stylé. Plus t'avances dans le combat, plus il se fait fumer. Plus il est, entre guillemets, physiquement, il perd une jambe, il perd un bras, machin. À la fin, il est là, il Ah, fait de la peine, mais il continue à se ouais. battre, Ça fait etc. pas, franchement, ça fait pas vraiment de la peine. C'est stylé, hein. Non, Sa mort est stylée, c'est pas que complétée. ça fait de la C'est peine. pas C'est pas que triste ça quand fait il est de la mort, tu vois. peine, mais tu te dis. Putain, il a fait le taf. Je sais pas si tu Ouais, vois c'est ce pour que je ça veux que dire en fait. RIP pour moi, Ouais, c'était. RIP, ouais, je vois. Ouais, je vois ce que tu Moi, veux quand dire. je dis ça Merde. passe, pas forcément mauvais. Parce que personnellement, j'ai trouvé la scène plus triste. La scène où tu vois Gon, bim, il met des patates, des patates, des patates. Tu vois, Pitou, Miskine, elle est comme ça, en mode. Ah! Et il y a Merde, Kyria qui arrive. merde, merde. Cette scène, elle m'impacte plus. Je la trouve plus émouvante que lui qui sacrifie. C'est stylé, tout ça. Mais c'est pas ça manque. Ça a un impact dans l'œuvre. Hein, parce que Netero est mort, surtout quand on Merde. connaît la suite. Mais non, pour moi, ça Merde, merde, passe. merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça passe, c'est chaud. Nos critères, c'était quoi? Nos C'est critères, le style. c'est le style de la mort. Non. Ouais, comment il meurt, c'est stylé. Bon, ceci est stylé, ouais. Il n'y a pas de souci, il l'a. L'impact que ça a eu, bien évidemment, il l'a. Là, Est-ce que c'est triste? Non. non. Tu vois ce que je veux Non. dire? Non. Vraiment non. C'est pas un peu ou Ah. ça va, c'est Merde. vraiment non. Selon nos critères, même en triste, selon nos critères, il peut pas aller en triste. Et Parce là, que c'est c'est pas ça triste, sa passe. mère. Ouais, ça Ouais, ils vont, ça passe. passe, ils vont, ça Ça passe. passe, ça Ils vont, passe. ça passe, ils vont, ça passe. C'est qui ce mec-là? Attends, on voit pas? Ah merde, pardon. Et je l'ai mis en ça passe, hein, au final. Hein, Ok. Netero. Ah, Par lui, c'est rapport à nos critères. dans Tokyo Revenger. Ah putain! Le mec là, le avec les longs cheveux, Merde. là, j'ai oublié son Oh. blaze. Merci Sazouk pour le membre bronze. Bien vu, bien vu. J'ai oublié que Baggy, ouais, Baggy ou Ouais, elle est Baggy, ouais. morte dans Tokyo Revenger. Ouais, c'est. En fait, lui, c'est un peu Osef. C'est Osef C'est sur un 100, hein, tu vois ce que je veux peu. dire. C'est un peu Osef. Non, Meurs il y a plus un vite, petit les gens sont impact. durs. Les gens sont Non, mais durs. plus, faut abuser. Les gens sont durs. En vérité, ça passe aussi sa mort. Moi, je mettrais ça en Osef. Vas-y, Osef. Si quelqu'un veut le défendre, Ça il n'a me pas va. insisté. Barbe Barbe blanche. Blanche. Ah. Barbe Blanche, perso, je le mettrai en ça passe. Moi, Barbe Blanche. En fait, mon problème, c'est que j'allais dire RIP. Quoi? Regarde, on regarde, 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 regarde. Barbe Blanche, la mort, il l'a. C'est une putain de mort de ouf. Il est au milieu de tout le monde, il meurt debout, il n'y a pas de souci. C'est stylé. Ouais, Arrête, ça c'est stylé. passe. Arrête, Ah. arrête, arrête. Et il est là, il est tout Arrête, vieux. Il est tout arrête, vieux. Il se laisse arrête, manger des coups arrête, par des arrête, randoms. arrête, Il est tout arrête. vieux. Barbe Il est là Blanche chaque qui, fois qu'il arrête, stop. attaque. Barbe Blanche qui meurt debout, c'est stylé de ouf. Reconnais-le. Ouais. Ne fais pas les gris. C'est Reconnais-le. moyen. Non, moi je dis la vérité, c'est Non, moyen. t'es gris. Là, t'es gris. Barbe Blanche qui meurt debout, c'est stylé. Reconnais-le, s'il te plaît. Vas-y, c'est moyen.
aigri. Oui, si tu veux, je suis aigri, c'est moyen. S'il te plaît, non, non, non. Les gris chauds. J'arrête. Non, sérieusement, la mort de Barbe Blanche, elle est stylée de ouf. Vas-y, vas-y, si tu veux, je te le donne, allez, stylé, Ok. je te donne tout ce que tu as. Ensuite, on a l'impact que ça a eu dans l'univers. Bah, ça a eu un impact. Parce que Barbe Blanche qui tombe, c'est la fin d'une ère. Et ça, l'équilibre des forces change. On est d'accord? Est-ce que c'est triste? Non. Non, non, clairement non. T'es pas triste que le mec, tu viens de le rencontrer en vrai, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc quelque part, c'est un peu OZEF. Ouais, Donc il a bon. le même En plus, effet surtout que que. dès que la guerre commence, tête de Wam, Tu sais qu'il y a moyen. c'était Ouais, sûr tu qu'il sais allait qu'il y a mourir, moyen. à Tu sais qu'il y a moyen. 100%. Il n'y avait même pas un doute que lui allait s'en sortir. Alors, moi, je me disais, hey, il va s'en sortir à la rigueur, tu vois. Mais lui, c'était sûr à 100% qu'il allait caner. Quand je vois un random, il lui mettait un coup. Donc, c'était pas triste. Comme tu as dit, c'était Ouais, ça stylé, va, si ça on veut. passe. Donc, ça passe, ça passe, ça passe. Parce que c'est pas. Parce que la mort de Barbe Blanche, attention, c'est même pas un peu triste. C'est pas triste du tout. Non, non, c'est pas très du tout. Pas triste du tout. Et ceux qui disent dans ces trades, vous êtes des menteurs, vous êtes des acteurs. Parce qu'on vient à peine de le connaître, le perso. Donc, ça passe. Ça passe. Ensuite, Vegeta. Majin Vegeta. Ah, Tu bah, le du mettrais Vegeta, où? j'ai envie de dire. Moi, franchement, j'ai envie de la mettre RIP. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une symbolique. Attends, laisse-moi parler. Pourquoi moi, jamais en RIP? Ah, t'es d'accord avec Je moi? suis d'accord. Majin Pensais que Vegeta, t'allais dire moi. non. Majin Hein? Vegeta, Hein? moi, je suis Hein? d'accord. Majin Ah, Vegeta, je parce suis que d'accord. quand il a une 5 RP, au revoir. Moi, Bulma, Majin Trunks Vegeta, je suis d'accord. Je suis et d'accord de ouf. Kakaroto. C'est bon, non, Parce c'est que dégueu, c'est dégueu. ça marque vraiment un putain. En fait, on reprend nos critères. C'est stylé? Oui. Ça a un impact? Oui. C'est Oui. triste? Oui. Oui. Il a tout. Il a Il a tout, tout il a tout, rempli. il a tout. Il a tout rempli. Il a tout. Il a vraiment tout rempli. Ça remplit. Le Déjà, on va dire zéro délire. impact. Non, quand on dit impact, c'est vis-à-vis du personnage. Après cette mort, Oui. le Vegeta, c'est plus le même. Hein. Oui. Là, c'est un Vegeta, c'est bon. Là, il fait Il plus le est, il a, vénère, il il fait plus le a, il méchant. a Il a embrassé le fait évolué. qu'il aime sa famille, etc. Ouais, etc. exactement. C'est. Voilà. Exactement. Là, il a accepté son côté humain, qu'il avait toujours essayé de refouler. Juste avant, il dit, quand il est en Majin avec Goku, il dit, non, je vais retrouver mon côté Saiyan sans cœur, je m'en fous de tout. Là, c'est vraiment. Ça a eu un impact de ouf sur le personnage, donc clairement RIP. Non, 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 c'est triste. Hein. La mort, cette Non, mort-là, elle est triste. c'est Hein. douable, cette Là, mort est triste. vous Ceux qui abusez, font vous abusez. genre. Vous savez que moi, je Non, suis pas un kick ou DB, mais c'est triste. Hein. ah Faut non, arrêter le délire. cette Hein. mort est triste Faut de arrêter le ouf. délire. Elle est triste de Cette ouf. mort, elle est triste. Surtout Le petit dans l'animé, discours, comment ils comment l'ont il fait. essaie, comment il truc. Juste avant, c'est à travers Non, non, Bouille, c'est triste, Goku c'est triste, fait c'est triste. ah, tu vénères sans Goku. Le but. Non, c'est incroyable. Non, c'est Incroyable. triste, c'est triste, c'est triste. Et en D'ailleurs, je tiens fait, à préciser, alors que Bouille, l'anime est mieux. j'ai l'impression que ce que les gens n'ont pas compris, et je le dis maintenant pour pas qu'après les gens reviennent à chaque fois sur ça quand ils passeront sur Zoom. Quand on parle de la mort, on parle de la mort au moment où il meurt. Oui, il y a le fait qu'après ils reviennent, etc., etc. Oui, je suis d'accord, mais au moment où il Où il meurt meurt, là, c'est un putain c'est on est en mode d'RIP. RIP. Faut dire les Ouais, termes. On vraiment, est en mode RIP. t'as essayé. Bon, le taf a pas été fait dans le sens où Bou n'est pas mort, mais on voit que t'as tout donné. C'est ce que je veux dire. Exactement. Donc ensuite, on a Non, qui? mais l'impact, on a parlé de l'impact du personnage aussi, ça peut être sur lui. Hein. Enfin, bref, ah, c'est Kaito dans Hunter. Ah, Moi, Kaito est mortel. Hein. sa mort, elle m'avait choqué. Hein. Je Moi, m'attendais m'a pas. choqué dans le Moi, sens où en fait, tu vois Pitou là. avec sa Pitou, avec sa tête en train de le cas. En fait, moi, je me Il suis dit, je suis dit, vraiment tu très sais, fort. je Il me dit, suis dit, wesh. il va peut-être mourir, oui, mais on va aller voir se rouler ou il va mourir devant lui, quand, devant Gon quand il va revenir. Alors. Le mec court Gon, il se barre Il perd un bras. Tu dis, oh et putain. c'est ça. Tu l'as, il perd un bras et il sort son truc, son pouvoir, je sais plus comment il Son s'appelle. pouvoir magique Tu là. vois? Donc tu te dis, ils vont se rouler sale, parce que quand il perd son bras, il est toujours en mode calme, tu vois. Ouais, toujours en mode calme, tu vois, il est calme. En plus, il a un pouvoir où, au hasard, il y a des trucs spéciaux qui peuvent venir. Donc, il a la situation, il est en danger. Donc, il dit, ok. Et C'est ça? surtout, là où ça a été bien fait, c'est que ça se fait hors champ, certes, mais tu as tout le discours de Gon qui dit, je crois qu'il est en vie, Kaito est vivant. Et C'est juste juste après. après. Non, elle, franchement, quand elle a sa tête comme ça, Elle a sa elle le tête. caresse, tu vois, et Elle elle dit, dit je suis vraiment très fort. Non, 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 elle a pas dit ça. Elle a dit, je pense que je suis forte, tu vois, en mode, Exactement. oh, ça va, wesh. Alors que lui, c'était le Alors, elle petit vient de du naître. Paragon, tu vois ce que je veux dire? Exactement. La meuf, elle vient de naître. Alors, non, non, c'est une dinguerie. Non, c'est. Franchement, après, c'est pas Il peut pas triste. aller en Pas RIP. triste. Non, non, c'est pas triste. C'est pas Mais triste, c'est pas c'est. triste. Ouais, C'est pas triste, c'est on pas va triste. mettre ça passe. Il va en Mais ça passe, il va en ça en passe. fait, c'est tellement stylé qu'il aurait peut-être même mérité le triste. Parce que le style est abusif. Ah, Tu vois ce c'est que je veux dire? vraiment, vraiment stylé. C'est vraiment, Le vraiment style, stylé. il est vraiment abusif. Ouais, on va mettre ça passe. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Et oui, et pour les gens qui disent RIP, vous êtes fou, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je rappelle encore une fois, faut pas me sortir la Zumba. Oui, mais la rage qu'il a eu, Gon, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oui, ça joue dans l'impact, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la mort, elle est triste en soi? Non.
Non, mais en fait, moi, c'est tellement stylé, franchement, j'aurais pas été contre le maître d'entrée. Parce que là, c'était un style. Tu vois, on était à un niveau de style, c'est pas juste. Ça va. C'est extraordinaire comment ça s'est fait, tu vois. Ah ouais. Il n'aurait pas été contre. Donc on le laisse là et on enchaîne avec La première mort de Goku. pff... Ouais, celle-ci, elle est un peu, ça passe. C'est quand même stylé, dans le sens où quand il est mort avec son frère, comme ça, c'est pas stylé cette mort. Pourquoi il tire à Ditte, l'autre, Piccolo le fait, ouais, tu vas mourir si je t'ai fait. T'inquiète pas, c'est pas grave, vas-y. Arrête de transpercer le corps. C'est stylé de ouf. Ça passe, non, mais non, ça passe. Quoi, je suis désolant de Osef, arrête tes conneries, c'est la première fois que Goku il est mort. Te le Là, on va donne, pas hein, débattre. parce que j'ai la flemme de faire un sondage pour ça et que je sais que les gens ils vont pas, tu vois, Ils ils vont vont le mettre, bouder. ils vont le mettre plus Mais haut. Il y en a, ils disent RIP. Effectivement, on aurait pu négocier un RIP. je Mais là, ouais, souffle, façon. je souffle de ouf. Enchaînons plutôt. On enchaîne avec Kuruma. Kuruma. Bah, La je mort de... sais Là, t'as même pas pas regardé, comment il est toi. mort. J'ai pas vu Boruto. Ouais, oui, bon, bah, je vous dis comme il Je est mort. sais même pas comment il est mort. Il est mort, en fait, en utilisant... En donnant tout son pouvoir à Naruto pour qu'il puisse tenir un mec pour que Boruto puisse le finir. Voilà! Quand ça, Boruto, il Quelle aura le temps de le indignité. terminer. C'est vraiment ça qui me tue. Ah, j'ai plus Bon, rien, t'as hein. genre, tiens, vas-y. Ah, bah, j'ai plus rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Validé par Kishimoto, on tient à le rappeler. Bon, bref. Non, c'est pas exactement ça, j'abuse. J'abuse, c'est pas le Ah, je ça. sais pas, Alors, mais je souffle, hein. mais c'est genre pour tenir tête à un mec, en tout cas, bref. En tout cas, sa mort, elle est Osef. Non, il y avait un petit style. Alors, franchement, en vérité, il y avait un petit style quand même dans la façon dont il est mort. Mais après, c'est Boruto, c'est Osef. C'est Osef. Vas-y, moi j'ai pas vu donc Ah, c'est Osef. je te laisse la main, Voilà. je te laisse la main, je te laisse la main. Vas-y, tu veux qu'on parle de DBS? Ça commence. Allez. Ensuite on a qui? On a le Goku. Goku crise Goku. cardiaque? Goku. Ah, ça, c'était triste, hein. Je sais pas si t'as regardé le. Non, non, mais ça, il fait exprès de pas ça. Mais ça, c'est Goku de l'histoire de Trunks. T'as regardé l'OAV, l'histoire de Trunks? Ouais. T'as pas vu au début quand tu vois Goku? Il est là. Ah, t'attends qu'il est mort. Tout le monde est autour de lui. Toi, tout le monde chiale. Tout le monde en... Ah, putain, la dinguerie, Goku. Wesh. L'impact que ça a eu sur le futur, la mort de Goku, tout le monde est mort. C'est un baiser, remonte-le. C'est limite RIP. Parce qu'à cause de ce Goku mort, ils ont perdu la guerre, frère. À cause de Goku mort, maladie du corps, cœur, ils sont obligés de remonter le temps. Kikou, mais non, RIP. Ce Goku-là, il est vraiment mort, il est plus revenu. Hein. Contrairement aux autres Goku, ce Goku-là n'est plus jamais revenu. Fous-le-moi en putain d'RIP. La mort de Goku T'as Drift, c'est encore fini? plus triste. T'as Ouais, j'ai fini? fini. Ouais, j'ai fini. Ok. Il va en Ensuite, RIP. on enchaîne Non, non, avec. non, 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 Kikou, non, on va rien acheter du tout. Fais un Pas un sondage. sondage. RIP meurt plus vite. Là, là, ok. Goku, futur. Je te jure, il va C'est aller de en. ouf. T'es un malade. T'es un C'est de ouf, hein. malade. Les gens, ils disent C'est c'est un un truc de ouf. flashback. C'est pas un flashback, c'est dans le manga. C'est dans une autre timeline. C'est pas un flashback. Oh, comment je vous ai eu, là? C'est Attends, pas un stop, stop, flashback. stop. C'est une autre timeline. On le voit bien mourir. Oui, on le voit bien mourir. Goku, donc, RIP. Je On vérifierai regarde l'histoire ça. de Trek. Je On regarde, alors, vérifierai dis-moi. ça. Je Entre vérifierai RIP et ça. quoi, Je il meurt plus vérifierai vite? ça. Tu mets RIP Bien. et meurt plus vite. Mais ça va pas, il va On va jamais voir, on va avoir voir RIP. si, on va voir T'es un si les gens malade. ici, ils vont manquer de respect à Les Goku. gens disent flashback. Les gens disent flashback. C'est pas un flashback, c'est dans une autre timeline. Comment tu peux appeler ça un flashback? Parce que dans C'est la pas un timeline, flashback. c'est La l'histoire de timeline Trunks, de j'en Trunks sais rien, Mirai moi. Trunks. Ouais, mais c'est pas un flashback. C'est dans une timeline, ça, je veux dire, ça s'est passé. Bah, je sais pas, mais les gens votaient et faites pas les cons. Faites pas les cons, faites pas les cons. Ouais, j'arrive pas à faire le sondage, pourquoi ça me dit ça? Ça te dit quoi? Attends, je vais le faire. Ouais, c'est bizarre, ça me dit erreur, je vais réussir, attends, actualiser. Attends. Les gars, likez, RIP likez, likez. et meurt plus vite. Allez, allez, vous êtes vous? Ça se voit, vous n'avez pas regardé le OAV, l'histoire de Trunks. C'est bon, je l'ai Quand fait. Goku il est mort, wesh, à cause de lui, Vegeta est mort, Piccolo est mort, tout le monde est mort. C'est une dinguerie. Je le L'impact laisse est là pour tellement. l'instant. On enchaîne le temps que le sondage parle. Vas-y. Parce que je souffle de ouf. Les gens, votez, votez. Respectez Goku. Et pendant ce temps-là, on enchaîne avec... C'est quoi ça? Ah, c'est dans. Comment il s'appelle ce truc-là, là? Même Bah, ils c'est vont dans la génial. mine, là, sous terre, là. Les petits, là? Les petits bonhommes. Medinabis? Madinabis, ouais. Oh, j'ai pas vu. Ah, je m'en souviens même plus. Je l'ai vu en plus, là, je crois, c'est dans la saison 1, un chien Bah, moche. ça va Mais à encore, mon même avis, pas. ça.
Non, c'est, à mon avis, c'est mérité, ça, c'est meurt plus vite. Parce que je crois que c'est une bête, en fait, t'as fait que mourir. Si, c'est mérité, de toute façon, tu vois sa tête. Ça, c'est mérité, franchement, meurt plus vite. Je Je suis mort, il a dit c'est mérité. rigole. Ah, ça me fume. Attends, il Ça y a me eu le fume, sondage ça me pour fume. Goku. Il est là. Le coup pas, le sondage, je le vois, il est là. Non, Je le mais tant coupe qu'il n'y a pas pas. assez de votes, de toute Meurs façon, plus il vite, est. ça je le coupe pas. Si je le coupe. Bref. Ensuite, le troisième Hokage. Troisième Hokage, il faut imiter les gars, j'hésite à le mettre en RIP, hein, parce que troisième Hokage, quand il est mort, en plus, déjà c'était stylé, la façon dont il est mort. Après, il voit Orochimaru, après c'était dans l'anime, je sais pas si c'est dans le manga, je m'en souviens plus. Il voit Orochimaru quand il était gamin, il fait mon imbécile d'élève Orochimaru qui a perdu ses bras, il fait là 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 là. Et l'impact que ça a eu, putain, avant troisième Hokage, tête de les gars, j'étais un peu triste. Son Franchement, moi je vois Obito. petit sourire à la fin quand Quand il il tombe sourit et quand il là. voit Orochimaru Et en lui plus, crier dessus, il fait l'insulter espèce d'imbécile, et il lui il fait se mon souvient du abruti tueur d'élève. Orochimaru. Ouais, non, c'était un truc. Pour ça, moi, quand t'as mis Jiraiya, je me suis dit, mais non. Ah, c'est pareil, Parce que t'arrête. pour moi, Hokage, c'est vraiment, le troisième Hokage, c'est vraiment la mort qui m'a le plus marqué dans Naruto, c'est la sienne. Hein. Le Peut-être mec, que il a dû c'est se celle qui rouler t'a le contre ses plus. deux senseis, tout ça. Ouais, Peut-être que c'est c'était celle qui nul. t'a le plus marqué, mais elle fait partie des scènes marquantes de Naruto. Et un Moi, je mec, suis il a dit d'accord. Osef. On m'a abusé. Il est taré. Il est complètement taré. Taré fort. Ensuite, c'est qui Attends, ça? Goku, est-ce qu'on Ça, arrive à faire du c'est sondage? Adam dans le truc là, Ah, le truc dans de Valkyrie tournoi là. Apocalypse. Valkyrie Moi, je mets Apocalypse. ça en triste. Hein. Franchement, Adam, c'était triste quand même, ce qu'il était. Ah, le fait Et de en porter le plus, poids de l'espoir des gens, le. les poids des humains, Ah. il se roulait. Patate, patate. Il meurt comme ça, patate, camas. Ah, J.A. Il c'est est triste. Hein. mort. Franchement, c'est triste. Franchement, Adam, c'était un peu triste. Franchement, je mets dans le truc. Ça me va C'est vrai que aussi. c'était triste quand même. Ensuite, Attends, Goku, le sondage, il est fini, il va en RIP. il va en meurt plus vite. Tac, tac, tac. Mettre En fin tout au cas, j'ai juré, sondage. tous Bim, ceux bim, qui ont bim. voté meurent plus vite, vous n'êtes pas des vrais fans de DB. Je le dis tout de suite. Je vous enlève de la carte des DB. Parce que tous ceux Ça, qui connaissent DB, on ils est savent que bon. la mort de Goku du futur, c'est une dinguerie. Là, ils ont dit on s'abalèque de cet anime. Non, l'anime, il était bien. Même si on s'abalèque, c'est la façon, de toute façon, quand même. Donc là, c'est dans Kenshin le Vagabond, là. Kenshin le Vagabond. Mais qui meurt? La meuf là? La meuf, ouais. Je me souviens plus, T'as ça regardé, date toi? hein. Si, j'ai vu Moi, je Kenshin. connais pas. Ouais. Cette meuf, ça date de ouf. C'est qui? C'est la meuf qui voulait se marier, qui était à fond sur son pote là? Je me Je m'en souviens même souviens plus. plus. Ouais, j'avais Kenshin, regardé, je ça crois qu'il date a de regardé ça. ouf. Je me souviens Ah, pas mais des connais persos pas, comme c'est pas ça. grave. Ah Et il y en a, ouais. ils disent, vous avez pas mis Corazon le flash. On met pas les flashbacks. Et Corazon, il serait Putain, d'aller dans c'est qui OZ. cette meuf? Je sais que cette meuf, elle s'embrouille avec l'autre là, la meuf principale là. Mais elle Ah, de mais base, connais c'était pas, pas c'est une pas grave. tympe à un moment? Si, je crois que c'est une histoire de comme ça, c'est une teinte. Ouais, je me souviens plus, ça date. Ça date, ça date. Putain, la sœur de. Comment il Meurs s'appelle plus ce con? vite. La sœur de. C'est Okitaka, je crois. Ouais, mais mets-le dans Meurs plus vite. Attends, je crois que c'est Okitaka. C'est dans Gintama, ça met dans Meurs plus Okita. vite, s'il te plaît. Ok, voilà. Non, Okita, son goût. Sister. Bim, bim, bim. Enfin, ça marche pas. Bref, elle va en triste. Si Bah, tu j'ai la pas mets vu, pas je en peux pas trop triste, défendre. Non, mais j'ai ok. pas vu, j'ai pas vu. Pourquoi elle va en triste? Parce que, en gros, son frère, c'est un personnage qui est un peu en mode je m'en foutisme, c'est un personnage qui est fort, etc. Merde. Et elle de base, c'est qui? C'est sa grande sœur. Qui a toujours été un peu faible physiquement, etc. Mais qui a toujours été au milieu, entre guillemets, du pote à Okitaka, qui n'était pas vraiment corda avec Okitaka, justement. Et en gros, comment sa mort elle est amenée, c'est hyper intéressant, parce que sa mort, elle amène le développement d'Okita, ouais, Okita ou Okitaka, je sais plus, elle amène Ah, le personne développement connaît, tu sors des d'Okita. blasts, tout le monde s'en branle de Gintama. Peu importe. Moi, je parle pour moi. Peu importe. Je parle pour moi. Elle amène. De toute façon, pourquoi j'ai besoin de faire une Zumba? Je suis le seul à l'avoir vu. Les gens, ils n'ont même pas vu Gintama. Fous Tout ça en triste. seul, mais en triste, il y a Fous personne ça qui en va débattre triste. avec toi. Fous ça en triste. Et non, j'ai pas mis Mirai Gohan parce que ça faisait trop de DB. Fous J'espère ça en espérais que tu le triste. Dans reconnais. tous les cas, vous n'avez pas vu Gintama. Je suis le seul à l'avoir vu. Je fous ça en triste. Et il n'y a aucune personne qui a vu Gintama qui pourra venir pour me dire Osef Non. ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, non. Sa mort, elle est triste de ouf. Non, je veux bien l'entendre. Et c'est qui ça? Lui, ah, c'est dans Rainbow. Ah, le mec. Lui, c'est triste. Putain! Hein. Moi, pour moi, ça va en triste, voire Oh! RIP.
Bah, j'aurais pu il mettre peut aller en RIP. RIP, hein. Franchement, lui, RIP, c'est mérité. Parce que moi, je ne Putain. m'attendais pas du tout à ce qu'il meure. Hein. Quand il est mort par le gardien de prison planté comme ça, je dis, wesh, oh l'enculé. Mais Moi, c'est je une peux, dinguerie. on peut Hein. le mettre en RIP, hein. Franchement, mets-le en RIP. Hein. Franchement, mets-le en RIP. Putain, là, je me suis souvenu. Merde. Ah, lui, quand il est mort sale. Hein, Aïe, aïe, en aïe, plus, aïe, aïe, mec, aïe, il aïe. sort de star, il fait tout pour être propre, bien. Non, c'est une dinguerie. Franchement, les gens, Rainbow, faut le lire. Ah, C'est Rainbow, c'est vraiment une une dinguerie. dinguerie, hein. C'est. Et vous arrêtez pas. L'anime est bien, hein. Mais la suite de l'anime, là, c'est une dinguerie. Ah Vous non, n'êtes pas fan. Rainbow, c'est une dinguerie. Hein. Là, moi, j'adore, moi, j'ai tous les C'est. tomes aussi. On a tous les. Ah bon, bon, c'est loin, mais bien évidemment qu'on a tous tous les tomes. J'aime bien montrer mon palmarès, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah ouais. L'ancienne édition, certes, mais j'aime bien montrer mon Tout le temps, il prouve. Tout le temps, il prouve. Tout palmarès. le temps, il prouve. Bah, bref. Bah voilà, hein, pour la tier list. Pour les gens qui demandent, il est où le Laika Gami, etc. On le répète, on n'a pas forcément mis tout le En fait, monde. on est obligé de préciser aussi, là, on a mis que les, entre guillemets, gentils. On n'a Oui, pas mis on les a mis les méchants à gentils, la on a mis fin. les gentils. Ouais. Parce qu'on On fera une fera un tier autre truc list sur sur les sur méchants les parce que meilleurs morts c'est des pas les mêmes méchants. critères. C'est pas les mêmes C'est pas critères. les mêmes critères du C'est pas les tout. mêmes critères. Tu peux Ouais. pas juger la mort d'un Laika Gami, c'est un méchant méchant. comme la mort Ouais. d'un gentil. D'un C'est pas les mêmes gentil. critères. C'est pas du tout les mêmes Donc critères. ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas Donc mis les méchants aussi. les méchants, les Meriums, tout ça, on reviendra dans un autre live. Exactement. Donc voili voilou pour la tier list, les gens. Hein. Bon, on va juste remontrer rapidement. Tac, 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 si je dézoome là comme ça, attends. Ouais, franchement, moi, il n'y a rien qui me choque, à part peut-être Goku, il aurait pu être en triste au lieu de ça passe. Oh non, la tier list, elle est très bonne comme ça. Non, En peut-être RIP, Goku, Jiraya, le troisième Hokage, Oui, Maes, Naruto. Erwin, la meuf de Devilman Crybaby, Majin Vegeta et le mec de Rainbow. Joe, je crois qu'il s'appelle Joe, je sais plus trop. Ouais, je me souviens plus de Blaze. Ils ont Donc, dit Pedro. Pedro, qu'est-ce que c'est une fraude? je pense que c'est une tier list comme d'habitude de qualité, j'ai envie de dire. Très qualitatif. Donc, Exactement. encore une fois, les gars, là, on va ouvrir le Zoom pour celles et ceux qui veulent venir. Soit, encore une fois, quand vous venez, soit c'est pour nous présenter un personnage qu'on n'a pas mis dans la tier list, qui pourvoit une mort triste, etc. Ça peut être intéressant. Tant que c'est Un pas un truc qui seul spoil. personnage. Tant que c'est pas un truc qui spoil un manga que tu sais que tout le monde suit, qui est en cours, etc. etc. là, faut vous calmer. Soit c'est pour faire monter ou descendre un personnage. C'est Un ça. personnage par personne. Un seul. Un seul. Un seul. Et la tier list est extrêmement qualitative. Non, Et à mais. partir de maintenant, le zoom est Ou. fermé. J'accepte le dernier. Exactement. N'essayez même pas Ou de bien. rejoindre. Le zoom est Ou fermé. bien Putain, pour. on est Peut-être 36 dans le tu. zoom! Oh putain! Ah, ça, c'est une dinguerie. Si vous voulez nous présenter les personnes qu'on aime, on connaît pas aussi, vous êtes les bienvenus. Exactement. Et on enchaîne directement avec Usutosama qui passe devant tout le monde parce qu'il est membre. Et cette fois-ci, on va vraiment enchaîner parce qu'on est 36 dans le zoom. Donc, Ah, c'est une dinguerie. ouais, Il ça y en va a aller qui vont vite. se désister avant la fin, t'inquiète. Ça va aller Allez, vite, ça va on aller y va. vite. Usuto, allo, allo. Allô les gars, ça Comment va? est-ce? Ça va, ça va. Génération 89, et moi je fais vite, moi je veux juste faire monter Piccolo en en RIP là. Piccolo? Moi je Ok. veux faire monter. Ouais. Ouais, non. Ouais. Ah, tu ne Ouais, non. monteras pas en RIP, Ouais, je veux non. dire pourquoi? Ouais, Parce non. que. Bah, vas-y, dis-moi pourquoi. Ah, je veux dire Dis-moi pourquoi? pourquoi. Non, laisse-le parler d'abord, laisse-le parler d'abord, laisse-le parler. Vas-y, parle, parle, parle. Non, mais dis pourquoi, Non, dis-moi. mais Vas-y, toi, vas-y, vas-y, t'as laisse-le parler, raison. vas-y, vas-y. Ah, parce que vous avez parlé du fait que. La mise en scène. La mise en scène, on avoue que c'est une dinguerie par rapport au fait qu'il est devant Gohan et tout. C'est chaud quand même. C'est On peut pas. sympa, c'est sympa. Ouais, Non, c'est pas c'est cool, sympa c'est avec cool, la. c'est sympa, c'est Non. sympa, C'est stylé, c'est stylé, c'est C'est stylé, pas sympa. de débat, Ça, c'est c'est un, sympa. ok. Deux, l'impact. Le fait qu'il meure, bah, il n'y a plus Dragon Ball. Donc, ils sont Ah, c'est obligés d'aller vrai, sur son Namek. Namek, c'est Ils vrai, la vérité. sont obligés d'aller sur Namek. Ouais, c'est Le vrai, fait c'est vrai. T'as qu'il raison. va sur Namek, ça découle sur Freezer et tout. Enfin, bref, T'as voilà. raison, Ça, t'as c'est deux. raison. Et le troisième, c'était quoi? En mode. Est-ce que ça touche le Kokoro? Est-ce que c'est un peu c'est Ah, triste? bah oui, ça touche le Kokoro. Parce que c'est, par rapport Lol. à Pas avoir tant que les ça, hein. émotions de Pas tant que Piccolo. Non, ça. non, ça Moi, touche. j'en Non, avais ça, rien à c'est foutre, hein. triste. Moi, j'en avais Hein? rien à Non, foutre. Moi, non, j'en c'est avais rien pas. à foutre, Ça hein. touche Non, non, que, non, non, écoute, t'abuses. Mais ça touche le Comment ça, Kokoro, ouais. j'abuse? J'ai le droit d'en avoir rien à Ça faire? touche le Vous êtes Kokoro, bizarre, je vous. suis désolé, ça touche le Mais vous Kokoro. êtes taré? Non, mais tu vois, ça touche le Kokoro, moi, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que. Ah, en fait, RIP, oui, c'est vrai que. Ouais, Non, non. moi je dis Au faut le final, mettre en RIP, il a RIP pas tort. parce Hein. qu'on T'es de parle, voir, t'es de on voir. parle Non. du moment présent, on parle pas d'après. Donc Ouais, il a sur raison, le il a moment raison. présent et tous les Oui, impacts, sur le non, mais moment je suis désolé présent, d'en moi je dis non, monter. moi je dis non, moi je dis non. Moi je dis Sondage. oui, en Moi fait. je dis non, sondage. Sondage, Non, sondage, moi je sondage. dis non. Franchement, moi Ok. je dis oui. Sondage. Qu'au final, Moi je dis non. les arguments sont bons, hein. Vous êtes Là, taré. ça, y a, ça, ça développe à la fois la personnalité de Piccolo, qui a totalement changé, l'impact.
les Dragon Ball sont plus là, etc. Son rapport avec Gohan qui change. Lance Non, le il arrive. sondage. C'est quoi Ouais, déjà? même son. RIP ou RIP triste? ou triste, ouais, triste. voilà. Tu mets. Ouais, Piccolo, ouais. C'est pas Kikou devient un rage pas. C'est soit il nous convainc tous les deux et on met où il le veut, soit un sondage. Non, moi, franchement, il m'a convaincu. Franchement, il n'a pas tort en finale. Franchement, ça mérite largement la RIP, la mort de Piccolo. Voilà. Donc, les gars, votez Alors, bien, c'est hein. Parce que franchement, moi, je OK. trouve que on a sous-estimé en mettant seulement dans Triste. Oui, moi, je trouve qu'on l'a sous-estimé fort. Non, non, mais t'as raison, t'as Bah, totalement c'est parfait. raison, hein. Le Donc, sondage voilà. est lancé. En tout cas, OK. merci Otsuto. Espérons que Il le n'y a pas de public souci. soit d'avis J'espère avec nous. aussi. Donc, le public, faites un peu honneur à cette mort-là, s'il vous plaît. Merci. Exactement. Mais je pense qu'il va Voilà. être en RIP. Il va être en RIP, bon, t'es bon, t'inquiète pas. OK. Allez, Ça reviens va. quand tu veux Allez. Otsuto. Allez, Ouais, à plus, à plus. sympa. Ouais, Salut, ouais, salut. Franchement, pour moi, il a largement raison. Il a largement raison, c'est RIP. Moi, ça m'a pas marqué du tout, hein, comme il le dit, je sais pas quoi, tu Ouais, vois, donc. franchement, si, en finale, c'était un peu kiff. Tic-tac! Surtout dans l'animé. Dans l'animé, tout ça, Bah. franchement, ça y avait un truc. Bah. Je sais pas. Ouais, les gars, on est 137, donc ça veut dire à 337, ça veut dire à 170 votes à peu près. Et nous, on enchaîne avec. Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Je Il y rêve a où il s'est barré. Ushiwaka 63 qui a passé 2 € qui a dit mort de Sakurai dans Rainbow. C'est pas lui, Sakurai? C'est lui? Ben, je crois, hein. Sakuragi, attends. Rainbow. Ouais, c'est Sakuragi. lui, c'est Si, lui, c'est ouais, lui, bah c'est oui. lui. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On l'a mis en Oh, le RIP, mari. Ouais, il est fort. Ushiwaka. On l'a mis en RIP, ouais. Donc, le Donc, prochain dans les membres, là, il y tac-tac-tac, a. c'est Makusen, il est où? 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 Il est là. Makusen. Allô? Makusen, allô? Ah, allô? Comment Ça va bien? est-ce? Ça va et vous? Ça va Super. super, hein? Avant de commencer, génération, on t'écoute. Génération 95, mais ça va être rapide vu que la tier list me plaît bien et qu'il a monté Piccolo, donc j'ai pas Il a pas grand-chose à monté dire, Piccolo, le sondage, il est en... Putain, Mais vous êtes plus là. 70% pour... Vous êtes taré, C'est hein? bon, c'est Bon. bon, il va monter en RIP. Tu peux le mettre en RIP, mets-le en Vas-y. RIP. C'est Ouais, pas fluide. je On vais laisser ma t'écoute. place vu que j'ai pas grand-chose à dire, donc il y a beaucoup de monde, donc voilà. Y a pas Donc, de souci. bonne tier list pour moi. Allez, ah ben, ça fait plaisir. Parfait. Tu reviens quand Attends, tu veux. Piccolo, oublie pas de monter Piccolo, s'il te plaît, merci. Tac, 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 tac. Bon. Voilà. Il y a autant de DB que de Naruto, il Le me semble sondage mieux. a parlé. Le sondage a Me semble parlé. mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Le sondage a parlé. Donc nous on enchaîne avec Tagoma. Où est-ce qu'il est Tagoma? Si tout le monde passe comme Tagoma, ça, c'est lourd, hein? Tagoma. Tagoma, il est Salut, où? Ham. Tagoma, il est là. Allô? Allô, Comment Tagoma, comment est-ce ça va? Tagoma? Ouais, ça va, ça va. Avant de commencer, On t'écoute, génération, on hein? t'écoute, hein? Fin des années 90. Ouais. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais jamais de la vie. Asuma, il est en Odaishi. C'est tout ce que j'ai à dire. Asuma, il peut pas être en Odaishi. Asuma, il est où, Impossible. Asuma? Je souffle. Impossible. Il est en Soit triste. vous Il est montez l'un, où? soit vous baissez l'autre. Je suis Asuma, désolé, il je est sais en que vous n'aimez triste. pas le. Itachi, il est en. Ça Déjà, va il pas en ça. bouger. Il est en OZEF. Ça va pas bouger. Non, faut... déjà, Jamais de choisis. la vie, Asuma, il est en Choisis. Odaishi. Non, non, mais. Jamais. Choisis qui tu vas monter, qui tu veux descendre. Ça bouge Bah, je baisse pas. Asuma. Je baisse Asuma alors. Je baisse Asuma, il est Asuma. où? Vas-y, on Il est où t'écoute. déjà? Il est Ça passe, ça passe. en. Ça passe. Moi, j'avais dit Ça OZEF, passe. hein. Vas-y, Moi, on j'avais dit t'écoute. OZEF. On t'écoute, On on t'écoute. t'écoute, Bah, déjà, ok, pense. l'impact. Asuma, Il n'y a pas eu un bah... sondage pour ça? Asuma, Sensei. Si, mais moi, j'avais dit OZEF de base. Vas-y, Vas-y, on on t'écoute. t'écoute. C'est quoi déjà les critères? C'est Tu connais même le pas les style. critères et tu La mise viens en sur tes scène. grands chevaux Non, pour ouais, le dire style, c'est la mise en scène. dans tous les critères possibles, Asuma, il peut être en Ditachi. Dans tous Écoute, les je te critères redis les possibles. critères. Non, 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 non. c'est. Déjà, arrête de parler d'Itachi, concentre-toi sur Azuma et Ok, on y va. Asuma. Vas-y, Ok. John. Ouais, je te redis les critères. C'est le style. Dans le style, c'est la façon dont il est mort, la mise en scène, etc. Ok. C'est l'impact que ça a eu dans l'œuvre, c'est-à-dire que ce soit sur les Zéro personnages ou en termes impact. de, ou dans l'œuvre, etc. Et la troisième, c'est est-ce que c'était triste? Moi personnellement, Asuma, je m'en suis tout, je m'en fichais, enfin, je m'en foutais de ce perso, franchement, je m'en Ok, foutais de ce ouais, perso. pareil. Perso. Et l'impact, à part Shikamaru qui pleure et qu'on s'en fiche 2 secondes après, il y a eu zéro impact. Bah moi je suis d'accord, pour moi qu'il Ok, aille en OZEF, bah c'est hein. ce que je... ça va pas dans en contradiction avec ce que j'ai dit, ok? Ouais, donc Bah ça il va va dans en OZEF. OZEF. Ça va dans OZEF. Non, 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 non. Si, si, Ça si. va dans Fais le OZEF, mais sondage. je crois que ça Non, non, fait. non, ça marche pas en si, si, si. Si on n'est pas d'accord tous les deux, ça part en sondage. Vous êtes tarés, vous. Non, Si, mais John, là on est deux John. contre un. Non, Là non. on est deux Tout à l'heure, contre on était 2 contre 1 pour Pico. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Soit toi et moi, la personne elle arrive à nous convaincre. Là, parce que la personne elle est de ton Vas-y. avis, tu dis si. C'est pas Ah, si. Tu fais un putain de sondage. je On fait un suis sondage. bah, je vais Si faire un le sondage, je vais sondage faire un sondage. il passe, ok. Sinon, on Mais va. ça fait quand même beaucoup de sondages sur Asuma pour te Ça dire va que pas, quoi. beaucoup de gens Non. ne sont Non, pas non. d'accord. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu un sondage tout à l'heure sur Azuma, on devrait même pas refaire de sondage.
Si, 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 tu vois, on devrait faire. Même pas refaire de sondage parce que les gens, ils ont déjà parlé. Bah justement, si on fait pas de sondage, c'est l'invité des jeunes. Justement, on refait parce que peut-être que moi, j'ai pas eu les arguments nécessaires. Là, Tagoma, je pense qu'il a été... Mais si une autre personne refait encore, il n'y aura pas 50 000 sondages. Vas-y, on y va. Si on compare à Itachi, non, je déconne. Mais en tout cas, Asuma, pour moi, c'était un peu osef, pas de mytho. Ouais, c'était osef, c'était osef. Franchement, c'était... Faut dire les termes, c'était pas... C'était un peu stylé comme il est mort, mais... Voilà. T'es pas triste. C'est tout ce que j'allais dire. Comme il y a beaucoup de monde, je vais pas m'attarder, je vais laisser la place pas de souci. En tout cas, merci, voilà. Tagoma. Merci. Tu reviens quand tu veux. Passe bonne soirée. Tac, tac, tac. Et nous, allez, on enchaîne votez, avec... Votez bien. Votez il bien, mange, les gens. Il est mort, je crois, Oti, là. Oti, je regarde tout de suite. Oti... Je crois pas qu'il est membre. Oti, il est pas membre, hein. Il est pas membre. Il est pas membre. À chaque fois, il y a des escrocs. Tic-tac. Amberné, il est pas membre. Donc, on enchaîne avec Zazman. Zazman, ouais. Il est où, Zazman? Tac, 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 tac. Il est là, Zazman. Zazman, allô, allô. Allô, allô. Comment est-ce que ça va? Ça va et vous? Super. Oh, ça va super. Enfin, ça va pas trop, hein. 57% pour Azuma en Rosef, c'est du n'importe quoi. Hein. Attends, juste vite fait, je vais lire juste quelques dons qui ont été faits. Vas-y. Il y avait Roban qui nous disait Spike de Cowboy Bebop. C'est vrai que j'ai pensé à le mettre, mais je sais que tout le monde s'en bat les couilles de Cowboy Bebop. Il y a aussi Abdel Dover qui nous dit la mort de Uki dans Kingdom. C'est vrai que j'ai pas mis de Kingdom, mais parce que l'anime, tout le monde s'en branle. Ouais, l'anime, il a bidé de ouf. On t'écoute, excuse-moi. Alors moi, c'est pour ajouter une petite mort, je pense. Juste Génération ? Pour moi, Génération 99. Ah, vas-y, on t'écoute. Alors pour moi, elle va dans Triste Max, j'avoue. C'est la mort de Krillin dans Dragon Ball. Ok. Laquelle, la première ou la deuxième? Oui, là, dans Dragon Ball, la première. Oui, mais Dragon Ball, ah, ok, je parle de... Oui, voilà, oui, ouais, l'animé. La première, elle est méga osef, il est mort hors champ. Non. Attends. Elle est mort, ouais, c'est vrai, il est mort hors champ. Mais déjà, la mise en scène, elle est très bien avec Goku. Pas de mise en scène, il est mort hors champ, tu le vois ici, quand tu dis, il dort. Arrête, Goku, il fait, non, il est mort. Non, mais après, t'as vu comment il meurt. Il se prend... Non, on le voit pas, justement. Par tambourine, c'est ça? Oui, non, mais on voit pas comment on peut embrouiller une lutte. En plus, faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'est des gamins. Enfin, c'est des gamins, bon, c'est pas Dragon Ball, mais c'est quand même des gamins, tu vois. Et bref, Goku qui l'attend au restaurant, etc., la mise en scène après le tournoi, etc., il meurt, et à ce moment-là, bon, je crois que c'est le premier gentil qui meurt. Ouais, non, c'est le premier gentil qui meurt. Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la mort est pas stylée parce qu'elle se fait hors champ, on voit que dalle, c'est pas ouf. Bon, après, ouais. En termes d'impact, c'est un impact dans le sens où tu vois Goku là, il est vraiment vénère, il veut se venger, etc. Il n'y a pas de souci. Ouais, en plus, il le ressent quand il est au restaurant. Ouais, tu vois, il y a un petit impact, c'est pas extraordinaire, mais un petit impact. Et triste, jamais de la vie, t'es triste à ce moment-là. Ah, moi, ça m'a touché quand même. Après, bon, ça fait longtemps, donc aujourd'hui, quand je regarde, c'est un peu froid. Mais franchement. Bon, alors, peut-être ça me touche parce que je connais Krillin, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais mis, pas du tout. Je l'aurais mis dans sa passe. Moi, je l'aurais mis dans sa passe. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis Triste Max. Donc, ouais, Triste Max. Ouais. Triste Max. Max, vraiment, si tu touches le Kokoro des terres, mais j'aurais mis dans Triste, dans sa passe, je pense. Ouais. Ah, moi, c'est encore là-dessus. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, frérot. Tu reviens quand tu veux. Prie. Allez, à plus. Allez, reviens. Salut, salut. Allez, à plus. Et pour la personne qui demande où est-ce qu'il est Ace, il est où, ce con? Alors ça passe. Il est où? On l'a mis en ça passe. Ouais. Wow. Nous avons été généreux. Nous avons été généreux. Ah, ça passe. Ah, allez, le troll. Ensuite, on enchaîne avec JL. Où est-ce qu'il est? JL, comment ça va? Où est-ce qu'il est? Attends, je le trouve même pas. JL Bronze, je le vois. Moi. Tu le vois où? De Docteur Nounours. Ah ouais, bien vu. JL, allô, allô. Allô, allô. Comment est-ce? Moi je vais bien, toi ça va Kikou, ça va John, Gen. Ça va très bien. Ouais, ça va, hein. Ça va. Ok. Moi je suis venu monter à Barbe Blanche. Barbe juste Blanche. Ta génération juste avant et après on y va. Barbe Blanche c'est pas juste. Génération 99. Vas-y. Je vais prendre les trois critères. Il a pas la tristesse. Stylé, c'était ouf. C'est moi-même qui au début voulais le mettre en RIP, il a pas la tristesse. Comment tu vas faire? Vas-y. Il est stylé. Tu es d'accord? Pas de soucis. Stylé, impact. Ça a eu un impact de dingue, c'est-à-dire que Barbe Blanche confirme que le One Piece existe, ça donne
une nouvelle base de la piraterie. Ça n'a rien donné non, de nouveau. Ça a pas... Non, 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 ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est démontré. C'est un putain de menteur. C'est faux. C'est pas faux. Plus, les gens, ils le cherchaient même avant que Barbe Blanche y confirme. Exactement. Non, mais ça crée un nouveau relan dans la piraterie. Les gens, en gros, les gens, ils se disent, c'était pas des fake news. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais est-ce qu'on l'a vu Barbe Blanche confirme. On l'a pas vu. C'est confirmé, je vais te le dire. C'est un moment, t'as les pirates qui disent, oh putain, t'as des pirates qui sont en train de. Oui, mais dans la pack de l'histoire, il a dit quoi? Laisse-le parler. Vas-y, Gilles. Il y a des pirates qui sont en train de piller une ville et qui se disent, oh putain, c'est Barbe Blanche, il a dit que le One Piece existe. On route direct vers le Grand Line. Et t'as même Kaido qui dit, vrai, Barbe Blanche, t'as eu une grande mort. T'as eu une mort épique. Ça veut dire qu'il a eu un impact. Moi, j'ai dit, il y a eu un impact. J'ai dit, oui, non, je suis d'accord. Toutes les nuits, en voulant avoir la même mort. Vas-y, si tu veux, il y a un impact. Okay. Vas-y, il n'y a pas de souci. Le troisième critère, c'est la tristesse. Troisième critère, allez, on t'écoute. Triste. Bah, il y a eu il y a eu quand même une montée de la tristesse qui a été planifiée. D'abord, tu vois Barbe Blanche. Absolument. Perdre... En fait, je t'explique. Il y a un truc, c'est que il faut que tu arrives à nous convaincre, John ou moi, pour qu'on fasse un sondage, John et moi, pour qu'on fasse ce que tu veux. Exactement. Là, ni John ni moi, on est convaincus. Ça va. Non, mais, ouais, mais laissez-moi parler. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre fin au sondage. Tu peux le mettre en OZEF, Asuma. Ah, vas-y. Excuse-nous d'avoir coupé, Giel. Vas-y. Alors, on continue. Il y a quoi de triste? Continue ta Zumba, vas-y. Le mec, il perd son bateau avec Moby Dick. Tu vois, tu te dis, putain, c'est... il perd un de ses fils. Il perd Ace. Le mec, il fait toute cette guerre. Il voit ses fils mourir et tout. Au final, il arrive même pas à sauver Ace. Et il meurt, finalement, trahi par son propre fils, qui est Barbe Noire. D'où c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Mais si, c'est triste, les gars. Non, franchement, je vois que tu as fait des efforts. J'ai l'impression que peut-être tu as bâti une vidéo de certains youtubeurs qui ont réussi à te vendre ce truc-là. Non. Franchement, c'est 100% moi. Non, mais franchement... Même en essayant de rendre le truc de manière idyllique, comme ça, genre, ah, attention, il a quand même. Ça me touche pas. C'est pas, que c'est... ça me donne juste envie de le baisser parce que tu m'énerves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Choix, je vais le laisser là parce que je suis pas de. Tu vois, faut pas abuser, ça reste Barbe Blanche, tu vois. Mais tic-tac. J'ai bien ta passion. Mais la passion nous appelle si nous convainc, désolé. Malgré la passion, il faut raison garder. Mais tu reviens quand tu veux, JL, sauf si t'as un truc à rajouter. Allez. Vas-y, les gars. Non, c'est GL. Non, mais on a senti la passion, comme ils disent dans les commentaires. La passion était là. Elle a plus GL. Lance-toi dans les théories. Tu reviens quand tu veux. Tu es bon. Malheureusement, nous ne sommes pas clients. Exactement. Et nous, on enchaîne avec Hawker. Hawker, allô. Hello, les gars. Comment ça va? Comment ça va? La forme et toi? Ça va, tranquille, merci les gars. Putain, il y a du monde sur Zoom là. J'aurais dû prendre mon appartement dès maintenant en fait. Je suis fou. Il y a du monde. Génération 90. Tu peux toujours le prendre. Je le prendrai ce soir ou demain, je verrai. C'est parfait. Si, t'inquiète. Rien ne presse. Rien ne presse. Rien de presse. Prends ton temps. Je sais que tu kiffes l'argent, mais t'inquiète. Bien sûr. T'inquiète, prends ton temps. Repose-toi bien. Passe une bonne soirée. Et prends-en deux. pour la peine. Je suis mort. Il prendra deux. Vas-y, on t'écoute. Je suis mort. Bref. Je suis très satisfait de ce classement, mais j'ai quand même négocié avec John pour un certain personnage parce que Kiku ne l'a pas vu. C'est ça. Et en tant que Kiku Jojo's, j'ai négocié le RIP pour Jonathan. Vu qu'il a voté triste parce que, regarde. Ouais, c'est vraiment triste, Jonathan, triste. Je crois. Oui, triste parce que ça a manqué d'un impact, mais moi, je pense que tu as dû oublier une certaine chose dans sa mort. C'est-à-dire que au moment où Dio le tue, tu vois, il dit, ouais, enfin, genre, il le pardonne, tu vois, il l'enlace, il le câline, il dit, même si tu me tues, Dio, mon frère, je te pardonne et je t'aime quand même, tu vois. Là, on montre vraiment la noblesse de Dio. Non, lui, c'était le plus noble de tous les mecs de Jojo. Et c'est ça le truc. Genre, même dans la mort, même dans, tu vois, il a niqué son voyage de noces. Et même là, tu vois, Tu vois que Jonathan, c'est un bon, tu vois. Est-ce que tu peux négocier le RIP sur ça, tu vois? Le problème, c'est que c'est quoi? C'était triste un peu. C'était pas non plus truc de ouf, mais c'était un peu mais triste. Si, frère. Non, c'était pas un truc. Attends, déjà, regarde. On est choqués, mais... regarde. Attends, vas-y, finis. C'était un peu triste, je truc, mais c'était pas un truc de ouf, pas abusé. Mais le problème, c'est
l'impact que ça a eu, là, il a échoué. Il a eu un impact négatif, ce bâtard. Au final, il a laissé Gio vivre. Oui, mais in fine, tu vois, la symbolique de sa mort, tu vois, on voit vraiment, tu vois, c'est un mec, tu vois. Est-ce qu'on peut pas négocier quand même? Moi, je veux... Kikou, ah, Kikou, il n'y a pas vu. Moi, je veux bien faire un sondage pour ça. Ok. Un sondage, moi, j'ai pas vu. Sondage. Parce que là, je veux bien faire un sondage pour... Mais regarde, John, regarde les coms, frère. Ça m'énerve. Non, les coms, c'est une chose, le sondage, c'est une autre chose. Tout ça, même Dragibus, regarde, tu vois ce qu'il met, gros. Il met, non, sondage, c'est une chose. Franchement, hétéro, les coms, c'est une chose, sondage, c'est autre chose. Ok. Ouais, mais non, j'ai peur. Bah, ok, soit triste, soit RIP du coup. Mais franchement, moi je pense que le RIP. Il est déjà en triste, non en vrai, Elle est déjà en triste, ouais. Bah, ça bouge pas, voilà, ça bouge pas. Tout va mais bien. Non, pourquoi mais tu fais un sondage T'as dit soit triste, soit RIP. Pourquoi tu fais un sondage Non, mais non, justement, non. Soit triste, soit RIP. Le sondage, entre les deux. Dans le sondage. Parce que même John, il hésite. Ouais, j'hésite un peu. Tic-tac. Là, j'ai lancé le sondage. On verra ce que dit le peuple. Les gars, votez bien. Mais Jojo, premier du nom. Les gars, votez bien, ça met des aucun. Après, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui ont regardé. Le sondage est lancé, on va voir. Votez RIP, les refs. Faites les bons. En tout cas, il n'y a pas de souci. Moi, ça me gêne pas qu'ils soient un RIP. Tu vois ce que je veux dire? Ça se négocie en vrai, tu vois. Ça se négocie, franchement. C'est lancé. C'est pas choquant. C'est lancé, en tout cas, merci. On verra ce que donne le sondage. Ciao, les gars. Tu reviens quand tu seras au cœur. Passez bonne soirée. Les gars, n'oubliez pas de voter le sondage. Likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, on enchaîne avec KMP. KMP. KMP, allô. Allô. Comment est-ce? Ça va, et vous? Super. Ça va, hein. Avant de commencer. Frère Kikou ce soir-là, frère. Là, t'es frère Kikou, là. Je suis toujours frais. Ça veut dire quoi, frais ce soir? Frais ce soir, ça veut dire pas frais d'habitude. À quoi tu joues? Moi, une minute chemise. De parole. Moi, une minute. Tic-tac, tic-tac. Petite roulette, petite chemise. Tic-tac, huile de coco mis sur le crâne. Tic-tac, non, tic-tac. C'est beau. Et si vous pouviez arrêter de rager de mon crâne, ça serait pas mal. Vas-y, on t'écoute. Non, je suis venu pour faire monter Ace en RIP. Ouais, jamais de la vie. Non, je décale. Ouais, vas-y. Je décale. Je suis venu pour faire mettre la daronne de Baki en triste. Ah, on n'a pas parlé d'elle, mais t'es un ouf. Vas-y. La mort de la daronne de Baki. Si. Bien sûr, à la fin, c'est un peu... Non, à la fin, t'as raison. T'as bien défendu. Écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, ça a eu un gros impact sur Baki. Parce que Baki, avant de se battre contre Yujiro, il l'admirait. Alors que maintenant, grâce à sa mort, il veut le tuer, il veut se venger. Non, il a plus de la haine. T'es un menteur. Il veut se venger, quoi. Non, justement, Baki, il n'est pas dans la haine. Malgré ce qui arrive à sa daronne, il n'est pas dans la haine. Il veut le battre, hein. Mais c'est pas une vengeance dans le sens où... Bah si, il déteste son père à cause de ça maintenant. Eh, son daron, il veut juste le roulax, il le déteste pas. T'as pas regardé la suite de Baki? Mais si, il déteste. T'as lu le manga? Eh oui. Arrête, il le déteste pas. J'ai pas spoil, mais quand ils sont là, ils font la cuisine, tout ça. Oui, il y a ça. Il le déteste. Wesh, quand au tournoi, là, t'as vu comment il réagit? Ah, il a envie de le roulax. Il a envie de relax, ça c'est une évidence, mais il dirait qu'il déteste. Bref, après, c'est triste. Parce que t'as vu comment la manière d'où elle meurt, elle se fait détruire les poignets, elle lui fait lui pète le dos, frère. Moi, je veux bien qu'il y ait un côté émouvant dans le sens où au début, Baki, elle se fait rouler, elle le laisse faire. Moi, elle se dit, non, mais c'est mon fils, je ne peux pas le laisser comme ça. Et là, elle vient pour le défendre, et là, l'autre, il la tue. Mais c'était trop chelou. Pourquoi c'est chelou? C'était chelou, comment ça s'est passé? Cette mort, c'était chelou. Bah non, désolé, c'était Osef. Non, c'était triste, wesh. C'est triste, après il porte son cadavre devant tout le monde et tout, il dit ouais, il vit, on croit qu'il fera sa drone, en fait c'est le cadavre rempli de sang, ouais. Non, John. Moi j'ai trouvé ça aux effets. Écoute, t'as pas vu Baki toi? Baki, j'ai regardé le début, après j'ai soufflé. C'est la même chose pour Kangan, tout ça, j'ai soufflé un peu, tu vois. Ah, t'as soufflé. Moi je trouve, personnellement, je l'aurais pas mis en truc, j'aurais mis aux effets. Après, je peux l'entendre, j'étais tout très sensible bien évidemment. mais je peux l'entendre effectivement que t'aurais pu le mettre en triste. Wow. C'est triste, franchement, c'est triste pour Baki. Moi, j'ai dit c'est triste pour Baki quand même. Ah, on l'entend. Après, le public jugera. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette mort qui était malgré tout Osef. Ah, t'es un menteur. Allez, plus. C'est de mauvaise foi. À plus. Allez, tu reviens quand tu veux, passe une bonne soirée. Pourquoi je l'ai oublié? C'est tellement Osef que tout le monde. Il n'y a personne qui se souvient de cette mort. Petit H, merci pour les deux euros qui dit Vogue Mairie. Bonne soirée. Ah, j'assume que j'ai pleuré. Vogue Mairie.
Le Mary contre Ace, ça se tape. Ça, je te jure, ça se tape. Contre Ace, ça se tape. Mieux que Ace. Non, non, ça se tape. Ah ouais, ouais, c'est ce que je dis, hein. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Mary, c'est au-dessus de Ace, hein. C'est bien triste. Attention. Et nous, on enchaîne avec Sasuke. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Sasuke. Sasuke, allô, allô. Allô, j'étais en train de manger en plus. Comment est-ce que vous allez bien? Comment ça va et toi? Ça va, merci. Ça va, du coup, Génération 2000. Mm-hmm. Et bon, j'hésitais et maintenant, en fait, je vais parler vraiment de Goku. Lequel? Contre Raditz. Il est où? Oh, ça passe. Non, non, vous voulez pas, c'est... Ça. C'est sûr, on l'a mis. Si, il est là, il est là. Ah bon là. Ouais, on l'a mis en ça passe. Ouais. Ça passe? Oh, les mecs, putain. Ah, je voulais le mettre où? C'est attends quoi? Moi, je voulais mettre triste minimum. En plus, je crois qu'on a fait un sondage pour ce Goku-là, non? Vas-y, on t'écoute. Non, non, non. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, j'ai pas vu les débats. Ok, vas-y. Pas de souci. Bah, vas-y, on t'écoute. Bah, en fait, déjà, l'impact, c'est quoi? C'est que Goku laisse Gohan tout seul, avec un Piccolo qui est toujours en mode énervé, etc. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi? Je me rappelle plus des critères. Les critères, c'était le style, comment il est mort, que ce style, bon, cette mort, oh, il est putain, grave stylé. Le style, non, là-dessus, mec, il n'y a pas de... Oh là là. Moi, j'ai validé le style, j'ai vu ça passe. Ça passe. L'impact. Bon, l'impact, tu me dis Gohan truc. Bah, c'est pas un truc. Je souffle. Je souffle. Bah, attends, après, regarde. Est-ce que c'était triste ou émouvant ce moment-là? Pas spécialement, pas spécialement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que Goku il meurt. La page d'après, tu le vois, il est en haut avec Dieu. Il dit, bon, j'ai ouais, mais... Ah oui, ouais, mais... Alors, la page d'après, il est là. Je ne peux pas dire, oh, c'était triste. Bah, en fait, moi, je pense plutôt à l'animé parce que à ce moment-là, quand il meurt, bah, en fait, t'as directement Gohan, en fait. T'as directement Gohan qui est élevé par Piccolo. Donc, moi, ça me rendait triste. Parce que du coup, tu laisses Gohan comme ça, toujours en même mode... Même son père n'était pas triste. C'était à pleurnichard à l'époque. Hein? Même Goku n'était pas triste. Oh, j'ai pas vu les arguments, c'est dommage, mais bon, c'est lui que je voulais placer. Non, en fait, pourquoi on ne l'a pas vraiment triste? Parce que sa mort, elle n'est pas triste dans le sens où... Elle est immédiatement désamorcée par le fait que tu le revois juste après en train de courir. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on l'a pas mis en... Sur le coup, tu peux être un peu... Oh, mais en fait, l'impact, tout ça, il est tellement désamorcé vite... Pas triste en vrai. Ouais. Tu vois, c'est avec celle, je la trouve plus triste que celle-ci. Et bah, du coup, voilà, c'était tout. Et aussi, je voulais juste parler d'une petite mort dans Cotonouken. Je peux parler un peu parce que personne ne va en parler. T'as 35 secondes. Ok. Je voulais parler de Rei dans Cotonouken. La mort, elle est grave stylée pour ceux qui connaissent. Tu vois. Personne connaît, malheureusement. Ouais, Rei, c'est sa meuf. C'est sa meuf, c'est un mec. Non, Rei, c'est un mec. C'est son duo, quoi, on va dire. Ah ouais, c'est le blond qui t'a brûlé sa meuf. Non, c'était pas lui. Non. C'est pas son pote. C'est son pote, ouais. C'est son duo. Faudrait que je me les remette au couteau noquel, mais je sais ça que date c'est... Ouais, non, c'est lourd. En manga, c'est lourd. Toutes les morts, elles sont... Tu sais, à un moment, j'avais essayé de me les remater, j'avais tellement soufflé, putain. Ouais, bah si, l'anime, j'avais eu du mal. Non, non, l'anime, regardez pas. Moi, c'est l'anime que j'ai regardé. J'avais tellement soufflé. Mais bon. Okay. Mais tu me dis qu'il faut se mettre au manga, je regarderai le manga. Ouais, non, vraiment, manga, c'est extrêmement lourd. Ah, pas de soucis. Ah, en tout cas, merci. Passe une bonne soirée. Bonne toi, Kiku Naruto. Ça salut, salut. Allez, à plus. Attends, et pour le sondage de l'autre, le sondage est fini. Jojo, il reste en triste. Il était où? Bah, ok, on est bon. On est bon. Et nous, on enchaîne avec qui? Avec Yann. Où est-ce qu'il est? Yann. Yann, t'es où Yann? Il est là. Yann, allô, allô. Salut. Comment est-ce que ça va? On est bien. La tier list est de qualité. Comme d'hab. Hein. Ah, de cuisine. bah moi, le seul truc, c'est un truc que je voulais parler que vous avez pas mis. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait péter mon crâne. Carrément, j'ai pleuré. Hein. C'est la mort de Kaito et Big Mom. Non, mais on parle pas de ça. J'arrive. J'aime trop cracher sur J'ai dit que j'aurais bon fait truc qui était au moins animé, tu vois ce que je veux dire. Bonne de haine. Non, ouais, mais j'ai rigolé. Non, je parlais de Goku. Lequel? Peut-être sa mort la plus triste. Goku GT. Franchement, Goku GT. Fin de... Mais il est pas mort, Goku GT. Shenron. À la fin de Dark. Non, mais il s'envole avec le dragon, il est pas mort.
Mais si, tout le monde croit qu'il est mort, ils disent même, il faut comme pour le Insta, ils disent, ah, mais ah, il est... on non, sent plus son qui. La fin, non, après qu'il a fait son point du dragon, là. Non, non, la fin de GT, qui c'est dinguerie. La fin de GT, c'est triste. La fin, c'est la meilleure fin de DB. Et pourtant, non, non, c'est la fin la plus triste. Toriyama, là, fait des bonnes fins. Non, non, c'est pas Toriyama déjà GT. Et... Non, non, j'ai dit... Ah, même si Toriyama, elle fait mal. Non, non, GT, la fin, elle est super triste de ouf. Il y a full sum. Mais en fait, c'est pas qu'elle est triste, elle est full sum. Parce qu'en fait, c'est une fin où tout le monde est mort, 200 ans après... Je dis, wesh, mais. Comme ça. Non, mais. Il est dans un cimetière, tu vois, la tombe de Goku, la tombe de Trunks. Wesh. c'est dingue. Mais... Non, mais après, il y avait le truc 100 ans après. Comment où tu vois pas Goku. Ah, mais toi, GT, je parle de 100 ans après, mais ça, oui, c'est un OAV, ça. Je sais pas quoi et tout. Le truc ouais, After Future, là, je sais pas quoi. Ouais, on le voit plus tard, donc au final. Ouais, donc au final, c'est une sorte de suite, entre guillemets. Donc, il est mort, Goku. Attends, il y a un mec qui dit que c'est un spoil, un truc de 1996, frère. Faut arrêter tes conneries. Ah, ça va, ça date, j'étais même pas né quand. C'est 96, frère, les gars. Ouais, Les gars, réveillez-vous. En plus, là, pour le coup, je pense qu'il a tous les critères. Si moi, enfin, on considère qu'il est mort, il a tous les critères. Non, 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 mais il est pas mort. Pour moi, la fin, il est pas mort, il s'en va avec un dragon. Après, on lui dit 100 ans plus tard, là, il est mort. Mais ça compte pas. C'est pas. Je souffle. Ah bon, bah vas-y. Mais sinon, Charlie, c'est de qualité. Hein. Moi, merci beaucoup, Yann. Comme d'habitude. Allez, tu reviens quand tu veux. Toi. À plus. Pas de problème. Bonne soirée. Salut, salut. Et nous, on enchaîne avec Desairi. Où est-ce qu'il est? Il active jamais son micro. On enchaîne avec. Putain, Seprin non plus, il a pas activé son micro. Seprin, il est membre depuis quand? Regarde tout de suite. Seprin, il est pas membre. Pourquoi il est là? On enchaîne avec Last. Il est où, Last Stardust? Last. Il est membre, lui? Attends, non. Last, il est membre. Last, on est bon. Last, allô. Allô. Comment est-ce? Ça va, et vous? Ah, ça alors va super, hein. Donc, génération, on t'écoute. 97. Mm-hmm. De base, j'étais venu pour la Daron Ashinichi, mais c'est pour monter Mithy. La Daron Ashinichi? Le Majin Abyss. Ashinichi dans... Le chien, là? Je sais plus quoi. Non, c'est pas le chien. C'est le chien? Elle, du coup... Tape la gueule du chien sur Google. C'est vraiment le chien que t'es venu monter là? Bien sûr que je suis venu monter. Putain, c'est quoi le blast du chien? C'est Mithy. Mithy, Majin Abyss. Regardez-moi sa gueule. Il faut qu'il meure vite. Quand on voit ça, on se dit meure vite. En vrai, je suis d'accord avec le mort. Quand même ça, mourir vite. Mais la mort, elle est triste. Parce que tu vois. Il est mort 100 fois, je pense, bâtard. C'est vraiment dégueu. Ouais, mais ça. Parce qu'il est mortel, mais justement. Parce qu'en fait, il doit mourir. Mais le délire, c'est qu'il peut pas mourir, tu vois. Et il y a que deux personnes qui peuvent le tuer. Et là, finalement, tu vois, en plus, t'as un flashback avant qui explique que, vas-y, c'est des petits orphelins, ils ont été adoptés pour des expériences. Comme il dit, on John, il a vu sa tête... C'est meurt vite. Dès que tu le vois, lui, tu dis, oh, le pauvre, cette créature mérite de mourir. Cette créature mérite de mourir. Euthanasie. Abrégé, c'est son fils. Exactement. Non, c'est la vérité. Bon. T'as vu ça dégaine. Non, bah, après, je suis d'accord avec lui, meurt vite, mais c'est triste quand même. Tu vois ce que je veux dire? Personne, j'avais gardé ma Dynabis, donc je m'en souviens pas que ça m'avait rendu triste ce truc. Bah, toi, t'as pas de cœur, mon frère. Arrête tes conneries. T'as vu le nombre de personnes qui ont le moins triste? Bon, tu sais quoi, on va dire la Daron Ashinichi parce que je vais pas me battre pour mes Dynabis pour rien. Non. En tout cas, merci. J'abandonne alors, c'est bon. T'as choisi le chien. Exactement. Le chien qui lui-même demande que une chose, c'est mourir. De ouf. J'abandonne, c'est bon, je vais pas me débattre pour rien. Vas-y, les gars, en tout cas, merci. Passe une bonne soirée. Salut. Salut, salut. Allez, à plus. Nous, on réessaye vite fait avec. Il a pas activé son micro, donc on enchaîne avec Debedro. Debedro, il est où? Il est là. Seprin non plus. Bah, Seprin, il n'est pas membre. Debedro, allô. Allô. C'était Escroc de Seprin. Comment est-ce? Ouais, je vous entends. Ça va et vous? Ouais, ça va super. Hein. Avant de commencer. Génération, on t'écoute. Hein. Et on t'écoute. Ouais. Génération 93. Donc moi, okay. C'était pour. En fait, c'est la première mort de Vegeta. Moi, je trouve qu'elle est au-dessus de la deuxième. Du moins au moins au même niveau. Tu veux faire quoi? Descendre une ou baisser l'autre? Ou monter l'autre, pardon. Monter la première. Ok. Elle est où? Elle est où? Elle est en triste. Elle est en triste. Si on prend les critères, bah, au niveau de la tristesse, c'est triste. T'adores ça passe en ouf. Ah, je suis un ouf. Ouais, vas-y. Ouais. Déjà, Goku, il l'enterre, donc c'est vraiment RIP. Parce que en fait, Goku non. C'est pas RIP parce qu'il meurt comme une... Non, c'est pas RIP parce qu'il n'y a aucun impact. C'est ça. Déjà, il n'y a pas d'impact. Il n'y a aucun impact. Il se fait juste... Non, il se fait juste fumer sale. Tu vois. C'est triste, c'est pas la peine, mais il fait juste fumer sale.
Il n'y a aucun impact dans son développement ou dans l'histoire, il y a zéro impact. Non, ben si, parce que quand il meurt... Le fait qu'il pleure et qu'il dit Goku, machin, je sais pas quoi, mais sinon, c'est Osef. Il lègue sa fierté à Goku. Parce que Goku, il s'en est toujours branlé des Saiyans. Alors que là, quand il lui dit ça, il dit, ouais, c'est vrai. Bon, il dit, je t'aimais pas forcément, mais c'est vrai que t'as souffert, je te respecte. Et après, il vient devant Freezer, il lui tend le poing comme ça, il lui dit, ouais, au nom de tous les Saiyans que t'as Hagar, je vais te vaincre. Il lui dit ça. Alors que l'autre mort, il est mort pour rien, en vrai. Vous voulez que je revienne. Ah, il y a un impact de fou. Quand j'ai dit aucun impact, non, pas vraiment. Moi, je pense qu'il mérite son triste. Mais RIP, non. John, si tu arrives à être convaincu, fais un sondage, parce que moi, je ne serais pas convaincu, sûr et certain. Non, moi, pour moi, c'est triste, c'est suffisant pour ce BG. Il ne va pas bouger. Ouais, mais elle a plus d'impact que l'autre, le tien. Non. Il est mort pour rien, en plus. Mais là, il est mort pour quoi? Ben non, il est mort parce que justement, il a donné sa fierté à Goku. L'MDR. Bah, c'est ça, en plus il voulait devenir Zumba. Après c'est Goku qui l'est devenu. Zumba. C'est vrai. Goku il veut se battre Saiyan parce que Krillin est mort, pas pour ça. Non, mais il le dit, je me bats, il se bat en tant que Saiyan. Tous ceux qui disent Marvel, t'es un faux fan, je souffle. Il l'a quand même motivé de fou parce qu'il ne sait pas de ce qu'a fait Freezer, il ne le connaît pas de base. Quand il dit ça, il l'a motivé. Tu vois, il lui tend le poing comme ça. Non, mais triste, c'est sûr, mais l'autre mort en vrai. C'est stylé, mais bon, après, voilà. En fait, il y en a, en fait, pour savoir, dans les Kikou DB, il y a ceux qui disent qu'ils préfèrent la première et la deuxième. Donc, les gens, ils aiment bien faire la truc. Moi, je dis la deuxième est mieux. Donc, maintenant, non, moi, des Dragibus. Moi, je dis la deuxième est mieux. Voilà. Rajan Pryor, il a dit, John, tu t'es plus exclu. Je rappelle que tout à l'heure, sur Twitter, tu as dit que le meilleur méchant, c'était Darth Vader et pas Freezer. C'est toi qui es exclu. Ça me fume. Je trouve que la deuxième, elle me fait penser à celle de Goku en plus stylé, quoi. C'est tout. C'est un truc qui sert à que dalle. Moi, tu m'as pas convaincu. John, il est pas convaincu. Je sais que les gens dans le chat, ils veulent sondage. Il y aura pas de sondage. Le chat, t'as entendu, hein, mais on n'est pas tous les deux, on n'est pas convaincu. Non, mais il y a pas de souci, mais. Ah, pas de souci. En tout cas, j'ai repris vos critères après. Bon, voilà. Ah, mais le critère impact pour moi, il est pas assez. Ah, mais il y a plus d'impact que l'autre. Bien évidemment, non. Pour toi peut-être, pour nous non. Bien évidemment, il faut que ça rentre dans nos critères, mais il faut que il y a une chose dans nos critères aussi. Ça peut être triste. Vraiment, tu dis putain de merde, et ça peut être triste où tu dis ouais, c'est quand même un peu triste, tu vois. Parce que Vegeta, après cette mort, ça reste le même salopard. Hein. Il tue sans scrupule, etc. Donc. Ouais, mais comme il a déjà quand tu vois Goku en Super Saiyan, il a déjà plus de respect pour lui déjà. Il a pas du respect, il a de la jalousie. Tu racontes, il a de la jalousie, il a juste du seum. Non, mais quand tu le vois transformé en Super Saiyan, quand il revient comme ça, il le regarde. Comme ça, quand tu entends, t'as regardé l'anime, t'as pas lu le manga. Non, mais je parle de l'anime. Ben, la mort dans le manga, il n'y a pas de logique. Non, mais tu dis quand il voit en Super Saiyan, il le voit jamais en Super Saiyan, à part contre Cell, c'est la première fois qu'il voit Goku en Super Saiyan. Mais t'as dit, on regarde les animés, t'as pas dit le manga. Oui, non, mais tu sais très bien, j'ai mis pour pas de spoil. T'as eu. Mais ouais, il m'a eu un peu ce bâtard. Mais dans tous les cas, c'est pas canon. Tu sais, quand il le voit, la vérité, ouais. Il le regarde comme ça. Non, mais c'est pas canon. Oui, non, mais je vois la scène de Zumba. Dire... Bah, elle est pas canon du tout, cette scène. Il lui a quand même transmis quelque chose. Je dirais même que cette scène, c'est un scandale. T'as Vegeta qui est devant Goku. Ouais, Goku, t'es Super Saiyan. C'est un scandale, cette scène. Tu vois ce que je veux dire, cette Au scène, moins, il lui a transmis un truc. Je peux pas dire qu'il a transmis. Sa mort a servi à quelque chose. Alors que l'autre mort, elle a servi à que dalle. Non. On a entendu, mais pas convaincu. Désolé. Ok. Bon, bah merci quand même, les gars. Allez, y'a pas de soucis, à plus. Passe une bonne soirée. Salut. Tic-tac. C'est ça. Et nous, on enchaîne avec Joe Gillan. Il est où? Moussa Gueuil. Oui, je suis subjectif. Et alors? Joe Gillan, allô. Allô. Comment est-ce? Ça va et vous? Ça va bien? Ça va super, hein. Génération et... On Génération t'écoute. 97 et moi, je viens pour le Végéto. Qui a été défendu juste avant, une fois de plus. Ah ouais, c'est la suite du débat. Vas-y. Donc moi, pour moi, elle va en RIP également. Pourquoi? Je vais exposer mon point, parce que dans un premier temps, elle permet de montrer la nouvelle transformation de Freezer et à quel point il est devenu puissant. Vegeta qui était fort, il se fait laminer. Vraiment, jusqu'à il en pleure. Il en pleure carrément. Goku, il arrive. C'est vraiment sale. En mode sauveur, Vegeta, tu dis, ouais, c'est bon. Il va rejoindre le camp des gentils, etc. Bing, Freezer, il peut plus comme si c'était un instinct. Son rayon dans le cœur. Et là, tu vois Vegeta, il est en pleurs, il en fait appel à Goku. C'est la première fois qu'il pleure, Vegeta. Et la deuxième fois qu'il pleure, il me semble, c'est à la fin. Non, c'est la deuxième fois qu'il pleure. Il avait pleuré juste avant de se faire niquer par Freezer. Ouais, mais c'est le même moment. Ouais, c'est pas au même moment. Même... Bah, oui, c'est avant de se faire niquer.
avant de se faire niquer. Mais bref, oui, j'entends. Il implore Goku, Vegeta, il implore quelqu'un de mec fier. Qu'on voit depuis le début fier, Warulon fier de lui, il implore quelqu'un qui déteste pour sauver la fierté de son ennemi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et juste après, lui. Mais bon. juste après, non mais là il dit clairement que ouais, Goku, il admet son infériorité face à Goku. Il lui dit, regarde Freezer, lui, c'est la fierté des Saiyans. Lui, c'est le Super Saiyan, ce qu'il a toujours voulu, c'est ce qu'il a toujours présenté auprès des autres. Alors, non, je suis désolé, il faut qu'elle aille en RIP. Mais quoi, on va faire un sondage. Obligé. RIP triste. Je souffle, on n'est pas tous les deux, on n'est pas d'accord. Non, parce que quelque part, je me dis, oui, c'est vrai, là, ils sont deux à être venus. C'est vrai que pourquoi pas RIP, donc on va gagner le sondage. Vas-y, un peu. Fais un sondage, vas-y. Comme ça, c'est réglé l'histoire de Vegeta. On verra ce que le peuple en gros, dit. C'est on se débarrasse de ça qui coule, il se fait tard. En gros, c'est ça. Le peuple décidera, voter. En gros, c'est non, ça. Non, elle est trop importante. J'étais à mort face à Freezer. Voilà, je ne suis pas contre un RIP. Je le dis. Bah, ton sondage est lancé. On va vaincre. La team Vegeta vaincra. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, Joe. Allez, bonne soirée, Joe. Allez, à plus. On va quand tu veux. Salut. Et nous, on enchaîne avec Ferdinand. Tac. Ferdinand, allô. Ferdinand, tu nous entends? Ferdinand, 1-2. Ferdinand, test. Les gens, tu vois, ils pensent qu'être fan, ouais. Ça veut dire être suceur. Comment ça va? Excuse-moi. Ça va bien, vous? Ouais, ça va bien, super. Hein. Bien vu hein, pour Labo. Ah, ça fait plaisir. De rien. Génération, on t'écoute, Ferdinand. Génération 2002. Ouais. Okay. Et je suis venu pour faire monter un personnage qui n'a pas encore été présenté. Ah, vas-y, on t'écoute. C'est qui? C'est Kaori Miyazono dans l'anime Your Lie in April. Ah, bah si, elle est dedans. On l'a mis dans ceux que je connais pas. En fait, pourquoi je l'ai mis en connais pas? Parce que déjà, je disais que. Elle est là, elle est dans connais pas, Kaori. Le 9 est le numéro 9. Ici. Là. Ok. En fait, j'ai dit qu'en fait, ce que ça m'a fait marrer, c'est qu'en fait, en ce moment, je regarde cet anime. J'ai dit, putain, quand j'ai regardé les trucs des morts, j'ai vu qu'elle faisait partie de... Ah, va mourir, elle. Arrête, je sais pas l'impact que ça a eu, si c'est vraiment triste à ça, donc dis-nous ce que t'en penses. Personnellement, ça va peut-être sembler audacieux, mais elle va directement dans le RIP pour moi. Ouais. Elle va quoi? Bon, on la mettra jamais en RIP parce qu'on connaît pas, mais on t'écoute. Nous t'écoutons, mais ouh, j'ai soufflé d'une force. On t'écoute, vas-y. De ouf. Ok, donc John, à ce qui paraît, t'as regardé l'anime. J'ai pas encore fini, j'ai regardé trois ou deux épisodes. Ok, donc ben... là, tu connais un peu genre le résumé du truc. Ouais, je connais le résumé du truc, c'est qu'elle est casse-couille. Elle est là, elle fait son concerto, elle doit faire un truc de Mozart, mais son délire, c'est moi, je fais à ma façon. Et il y a un mec qui, lui, à l'époque, il était champion, il la voit, il dit « Ah, elle m'inspire, cette petite fille. » Enfin, cette fille. Ah bah, en fait, c'est pas juste... Moi, je dirais pas juste qu'elle l'inspire, parce qu'en fait, le guérit de son traumatisme. À cause que le gars, il était reconnu pour être un virtuose du piano dans sa jeunesse, quand il avait 4 ans. Et ça, c'était à cause de sa daronne. Qui mettait la pression, tout ça, ouais. Elle le mettait fort la pression. Donc, à cause de ça, genre... Il était tellement fâché qu'il a crié sur sa mère. Il a dit « Oh, je veux que tu meurs. » Et 2 jours après, elle est morte de son cancer. Mmh. Ah, ça l'a tellement traumatisé, le gars, que c'est maintenant, il n'entend même plus les notes du piano quand il joue. Donc là, il est rendu au collège et il ne joue même plus du piano à cause que non seulement il ne peut pas, puis il ne veut pas. Et là, après, il y a cette fille qui plop de nulle part. Elle joue du violon. Oui, c'est vrai, elle est vraiment excentrique. Puis elle peut sembler bizarre pour certains, mais c'est vraiment le remède qu'il fallait pour ce gars-là. Moi, je vais pas être mytho. De ce que j'ai vu pour l'instant, moi, elle me casse les couilles. Mais le fait d'apprendre qu'elle est morte, ça m'a donné l'intérêt de dire, tiens, je vais peut-être regarder parce que ça va être une bonne nouvelle. Donc, j'ai plus l'impression que moi, je vais regarder ça en mode, ah, enfin, je veux pas être triste, tu vois. Ok, mais c'est respectable comme opinion, je veux dire. Non, mais je rigole. Je troll, bien évidemment. Mais quand même, justement, l'impact de sa mort, contrairement aux autres personnages, il se voit pas vraiment après. Mais plus avant sa mort, à cause qu'elle est en train de dépérir du cancer. Et ça va vraiment choquer le personnage principal, parce qu'il a vu sa mère mourir de la même façon. Donc là, c'est comme s'il était en train de revivre son traumatisme. Donc franchement, l'impact était fort. Sinon, les autres critères, je ne me rappelle plus c'était quoi. Et est-ce que c'est stylé la façon dont elle est morte?
Bah non, c'est pas stylé à cause que c'est un animé. Ah oui, ok, donc. C'est pas fait pour être stylé, c'est de la pure tristesse. Donc, ça oui, mais si c'est pas. Il faut quand même, il existe style. On veut du style dans la. C'est pas un shonen, c'est. C'est pas une excuse. C'est pas fait pour être stylé, c'est fait pour être triste. Mais quand on dit stylé, c'est dans le sens où comment c'est amené, etc. T'es pas prêt, t'es en mode tatati. Ah bah je peux vous dire que c'est très bien amené parce que la fille, genre, elle montre toujours son côté jovial et entreprenant, extraverti devant tout le monde. Mais quand elle est seule dans sa chambre, tu vois qu'elle se met à trembler à cause qu'elle ressent les symptômes de sa maladie, puis elle se met à pleurer toute seule dans le corridor de sa maison à cause que genre, c'est tellement est-ce triste. Que, est-ce pour elle, que c'est tellement dur. Moi, homme, moi, testo, moi, voir ça, moi, être triste. Oh, je te jure, moi, je suis testo, frère. Ah ouais et l'anime, il m'a donné une claque. Une bah, bonne claque. De toute façon, l'anime, là, je suis en train de le mater. Je vais voir de toute façon comment ça est amené. Et de toute façon, j'en parlerai sur Instagram dès que j'aurai fini. La saison 1 ou les 10 premiers épisodes, si je vois que c'est trop court, il m'arrête à 10 épisodes, j'en parlerai. Mais je l'entends en tout cas, cette mort me donne envie d'en voir plus. Après, médecin en RIP, non, je peux pas. RIP, faudrait vraiment qu'on ait vu pas, au moins un mec pour valider. RIP, c'est trop. Si vous n'avez pas vu, ça se comprend, mais franchement, honnêtement, je vous dis. Mais moi, je vais regarder. Regardez l'animé, vous allez. Moi, je vais regarder. J'ai commencé, je vais regarder. Et si, vraiment, je me rends compte que c'est un RIP au Smoke Show. D'ailleurs, ce mois-ci, on devrait pas se faire un smoke show. Bref, bientôt le smoke show. Parce que j'ai pas oublié Naruto Senin. Hein. T'inquiète pas. Ouais, j'ai pas aussi oublié comment on m'a attrapé par le col pour. Comment ça s'appelle ce truc-là là Pingouin là Pingouin. Onipunpun. Ah, Punpun. J'ai pas oublié. Enfin, bref. Mais je vais regarder ça en tout cas, frérot. Pas, et de toute façon, je vous tiendrai au jus. Parfait. Bah, ça veut dire qu'on aura un nouveau RIP bientôt. Non, non, très clairement. Peut-être, on ne sait pas. Hein. Peut-être. Bon, bah, je vous laisse. Hein. Tu reviens quand tu veux. Prends soin de toi, reviens quand tu veux, Ferdinand. Salut, salut. Allez, à plus. Et bien vu KMP pour les 5 balles qui dit John, regarde Link Click, mais la VO est chinoise, ça passe, mais c'est lourd. C'est quoi ça, Linkin Park c'est... Non, Link Click, ça doit être un manga chinois, un truc comme ça. Un animé chinois, je pense. Il faut venir sur Instagram pour me proposer vos dos, parce que je me force à regarder. Ça me fume. Et nous, on enchaîne avec... Désiré, il a toujours pas activé son micro. Dia. Ouais, allô, les gars, ça va ? Comment ça va ? Ça va, Dia ? Ça va, ça va. Désolé hein, si vous entendez des bruits de podcast, parce que je suis dehors. Non, pas de soucis, on t'écoute. Hein. Alors, génération 2001. Ouais. Et je peux mettre dans la liste quelqu'un qui n'y est pas, c'est ça ? C'est ça. Mais je pense que je vais rester sur César de Jojo. Alors là, John, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi. Tu l'as mis en Willou. Tu l'as mis en sympas. T'es ouf, César de... Ah, César, c'est le pote. Ah, d'accord, ouais. T'avais dit... Je le mets minimum en triste, parce que déjà, la mort, comment elle est amenée. Franchement, je vais admettre, je mets sa base, parce que de mémoire, c'était impactant, mais je m'en souviens plus trop, ça date. Mais franchement, John, regardez la petite vidéo, vous mettez juste le passage où il meurt. C'est une dinguerie, il y a une musique d'opéra en fait, au moins il meurt. Parce qu'on va s'en strike. Il meurt sur une croix de Christ. En fait, c'est la croix du Christ qui l'écrase. Et du coup, désolé. Attends, pour juste, mais... j'ai complètement oublié de mettre ça en sondage de Freezer, de Vegeta Freezer. C'est triste qui l'emporte. Donc au final, le peuple était d'accord. Ouais, bah c'est bon, tout va bien. J'ai dit triste et je pense même RIP carrément. Parce que franchement, ouais, la mise en scène de la mort. Non, je te jure, John. C'est le problème avec les gens. John, il a dit ouais, peut-être. Et d'un coup, il a dit oh putain. Il a dit finalement, je le monte là-haut. Non, c'est pas fini. Moi, je le mettrai. Non. Tu vois, dans la bulle, j'ai cédé un peu. Effectivement, je peux. Il a dit non, finalement, plus haut. Et si vous regardez la vidéo de la mort, même du coup, il va dire qu'il le met en RIP. Dans le sens que déjà. La mise en scène, elle est incroyable. Mais vraiment, elle est incroyable. Musique d'opéra, il se fait écraser par la croix du Christ. Ensuite, t'as Joseph ouais, qui arrive et il pète un plomb. Tu vois, il pète un plomb. T'as Lisa, qui est sa maître. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, qu'il a élevé parce que son daron, il est mort, tu vois. Qui au début, c'est de résister, qui va fondre en larmes. Et après, l'impact par rapport à ça, c'est que Jojo reprend l'héritage de César. Et pour le coup, là, il commence à se battre sérieusement, tu vois. Donc, je dirais que c'est ça l'impact. Mais la mise en scène fait que tu peux pas mettre ça en sympa. C'est vraiment impossible. Et là, c'est pas parce que je suis fan de Jojo, hein, mais regardez la vidéo. Impossible. Vraiment impossible de mettre ça en. Moi, j'ai pas vu et je souffre. C'est iconique. On a entendu ce que t'as dit, mais je souffre. Non, je vais pas la mettre. Sinon, on devra couper le live. Non, mais je veux.
J'envoie à John au cas où, comme ça, il se déco, il regarde ça. Il va jamais regarder ça, là, faut l'envoyer en... Tu sais, c'est mort, voilà, si tu m'envoies en discussion, là, je peux regarder, peut-être ça va me rappeler que... Non, après, tu vas te rappeler, tu vas dire, ouais, effectivement. C'est vrai que ça fait longtemps, la partie 1. Et c'est un personnage important. C'est un personnage... C'est plutôt la partie 2, John, par contre. Attends, après, c'est 1, 2... Ouais, c'est moi, je t'ai envoyé. Quand les gens bon. Commencent à dire Hablas mucho, ça c'est en fait, quand les gens disent ça, je regarde mon compteur et à chaque fois, c'est pas, je mens pas, hein. à chaque fois que les gens disent Hablas mucho, je regarde mon compteur et je me rends compte que j'ai oublié de le mettre. Ah, j'avais l'impression que je parlais beaucoup aussi. Ça me fume. Bon, ouais. Là, je vais remater ton truc avec l'opéra. Je soufflame un peu. Oh, t'exagères, John, t'exagères. T'as dit, en regardant ça, tu as changé d'avis, peut-être que... Tu n'as pas de cœur. Je se flamme beaucoup, j'ai envie de dire, ce jour-là. Ce jour-là, le vent fut très... nous emportable. Non, ça sera, là, moi, je pense... Pas convaincu. Désolé. Ah, tu n'as pas de cœur, tu vois. Bon, ouais, c'est pas grave, bien vu, les gars, en tout cas. Par contre, j'ai commencé Ben 10, qu'est-ce que c'est nul. Non, je rigole. Arrête de moi. Bientôt, l'abonnement call, non. Bah... Bientôt. Un goal pour Ben 10, fais-le, hein. De toute façon, maintenant, vu que je suis habitué en x4, ça va aller vite, t'inquiète pas. Ouais, t'es clair. Hein, attention, Ben 10, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ton Ben 10, au niveau de l'animation, c'est vraiment un chef-d'œuvre. T'inquiète pas, si c'est un chef-d'œuvre, en x4, je vais le voir. C'est niveau Adventure Time, je te le dis. Ok. En tout cas, je reviens quand tu veux dire. Ouais, les gars, force à vous. Passe une bonne soirée. Les gens aiment trop manquer de respect à Adventure Time, c'est une dinguerie. Et ensuite, nous, on enchaîne avec... Désiré, il a activé son micro ? Toujours pas, hein ? Toujours pas, Moussa, hein. Guy. Il est où, Moussa ? Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Il est tout en bas, tout en bas. Moussa, allô. Allô. Comment est-ce ça va ? 91. Mm-hmm. La cam, si tu veux. Ouais, ça va être important à un moment donné, la cam. Sinaï, ça sert à rien d'être médisant. Le chat a décidé de laisser mes gens tristes. Et là, tu fais comme si c'était ma faute. C'est vous qui avez mal. Tac. Le sondage, il est resté bien longtemps. J'ai vu des messages passer de gens en train de dire coupe. Non, fallait attendre que ce soit au moins la moitié. Coupe. J'ai rien dit parce que ça m'a rangé, mais bon, continuons. Comment est-ce que ça, Moussa ? Bon, ça va tranquille. Franchement, pas mal la playlist, hein, surtout le haut du tableau. Sauf ceux que je connais pas, je pourrais juger, mais sinon, grosse force à Vegeta, c'est le meilleur. Sur cette main-là, en tout une cas. Une tier list de Kalidan. Ouais, imagine, bien sûr. Bah, je vois même pas pourquoi on en parle. Ouais, c'est toujours de la qualité ici. Ouais, je pense quand même que malgré tout, il y a une petite erreur, hein, qui s'est glissée dans le tout. Elle est où l'erreur ? Mais pas une erreur violente. Une erreur sur Itachi. Itachi en Osef ? Non, c'est Osef. Franchement, on va parler. Vas-y, on peut, hein, mais c'est Osef. Mais... Alors, les arguments, c'est déjà le style. Est-ce qu'on doit parler du combat Sasuke Itachi ? Franchement, tu t'arrives. Ah, Kiku, laisse-moi. De... Non, mais on parle du style de la mort, pas du style du combat. Bah, écoute, Kiku, vous avez parlé du style en tout cas. Pour moi, même le combat en soi, il n'était pas extraordinaire, hein, ce combat. Non, mais attends, non. Dans l'idée, il arrive, Itachi, il est sur son trône. Non. Mais tu vois là, par exemple, t'es déjà monté trop loin. Il a enculé trop facile. Ouais, mais attends, ok. Bah, rien que Orochimaru sort. Non, il a raison. Le combat, ça compte parce que le combat, ça participe à. Pour moi, ça compte. Si on parle par exemple tout à l'heure de Majin Vegeta, je compare rien du tout, mais le combat est important dans sa mort. Il a raison. Le combat est important. Et donc, ce combat, il est un peu osef. Et donc le combat est cool quand même. Au niveau de la mort, Orochimaru sort, Itachi l'OS. Derrière, tout le monde est KO. Il s'approche pas de Sasuke. Bon, on n'est pas débile, on sait que Sasuke va pas mourir, mais on se dit ouais, bon, entendu, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Il arrive, on croit qu'il va lui prendre au moins un œil. En fait, il lui fait la tape sur le front, El Famosa. Après, si on n'est pas sensible à la relation Sasuke-Itachi, ok, mais bon, il fait la tape sur le front, il lui chuchote quelque chose, on ne sait pas ce qu'il dit, il meurt. Style de la mort, me dites pas, Osef. Stylé, ça on a dit, stylé. Voilà. Impact de la mort. Bah, c'est juste le but de la vie de Sasuke, de buter Itachi. Donc, c'est un impact fort sur un personnage principal. Je dis ça parce que tout à l'heure on a parlé de Shikamaru, c'est le seul impact qu'il y a eu, mais je compare pas Kiku, tu vas encore me gifler. Ouais, c'est un impact fort sur Sasuke, au minimum, et sans parler du fait que dans le monde de Naruto, s'il y a Itachi ou s'il n'y a pas Itachi, bah, c'est pas la même chose. C'est un impact quoi qu'il arrive, le fait qu'il meurt. Et là où je vais vous rejoindre par contre, c'est sur deux points. Le premier point, c'est que c'est pas triste. Et le deuxième point, c'est que
ça prend beaucoup plus d'impact une fois qu'on a l'explication de la vie d'Itachi, etc. Cependant, Kiku a bien dit, si j'avais eu cette explication avant, ça aurait été dans Triste, mais de ce que je sais, entre Triste et Osef, il y a ça passe. Donc moi, je dis sans les explications, c'est dans que, ça passe, simplement que ça change avec, tout. Ça aurait été Triste. Non, c'est simplement que ça change tout. Ouais, mais ça rend juste Triste. Hein. Ça change pas le style, et ça change pas l'impact sur Sasuke. Enfin, ça change l'impact sur Sasuke, mais il y en avait déjà un. Tic-tac. Ah, merci. Moi, j'ai pas de Vito, il m'a un peu convaincu pour un sapasse. On peut le mettre en sapasse, mais moi, je la trouve quand même Osef, là, moi. On peut le mettre en sapasse, je m'en fous. Hein. Franchement, mais moi, en fait, parce Osef, que là, le déroulé du délire était quand même stylé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, certes, c'était pas Triste, mais le style fait que je peux accepter sapasse. Alors, Kiko, sondage ou sapasse? Ouais, je te le donne, allez, je te le donne. Allez. Franchement, ça passe. Je te le donne, je te le donne. Respectons un minimum Itachi. Je te le donne, mais sa mort en soi, ça vous aide. Mais je te le donne. Ah, on voit, c'est déjà fait ça. Bon boulot, Moussi, on veut dire bon boulot. Je voulais faire aussi quand même une petite palme d'honneur, comme on dit, à Raito, comme vous l'avez fait, parce que putain, qu'est-ce qu'elle est stylée, la mort. Ah, c'est dans Parasite. Non, c'est le mec d'Hunter, là. Hunter. Ah oui, décapité, quoi. Ah, lui, c'est stylé. Ça pue le style. Et ah, oui, je voulais mettre la cape parce que je voulais te le dire droit dans les yeux de John. Jiraya. Non, mais c'est laisse tomber. C'est un anti-Naruto. Hein. C'est comme quand il avait dit. Anti-Naruto ? J'ai mis le troisième Okage directement. C'est comme quand il avait dit. Sadness. Parce que c'est dans Shippuden. Pas ouf. Ouais, pas ouf. On faisait le truc de la live OST là. Sadness and Soro. Oh, c'était triste. Sadness and Soro. Pas ouf. Peut-être que la rediff elle est pas dispo pour les gens, mais je l'ai téléchargé moi. Ah, j'ai jamais vu ça. T'as de la chance que t'es musclé. Tu as tué sur Twitter. J'ai rien, franchement. Il le mérite. Bon, les gars. En tout cas, merci. Il bougera pas, j'ai rien parce que personne n'en parlera à part toi, John. Non, il bougera pas. Non, mais on verra. Allez, à plus. Tu reviens quand tu veux. Passe une bonne soirée. Salut, salut. Et nous, on enchaîne avec Desaeri. C'est le dernier membre. Il a activé son micro cette fois-ci. Oui. Desaeri. Comment est-ce que je le considère comme un méchant, les gars? Ouais, à coup, c'est méchant. C'est vrai qu'à la toute fin. Parce qu'il a vraiment tourné Kazakh quand il est mort. Ouais, mais même. Desaeri, allô, allô. Allô. Comment est-ce que ça va? Tu nous entends? Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Ouais, test. La forme? Ouais, bon. Super, ça va super, cool. Hein. Génération, et la parole est à toi. 95. T'es suisse, toi? Parce que toi, t'as bien essayé d'être gourmand à chaque fois. Toi, t'es suisse, toi? Non, il fait son cinéma. Ah, je me suis dit, comment ça, lui, il est suisse? Non, moi, j'ai vu son style, il va venir. Allez, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Je voulais monter le loup. Il est où? Non, ça passe. Il a exagéré. Hein. Tac. Ah, frère, tu veux quand même le faire monter de 15, hein, t'es gourmand. Vas-y, on t'écoute. Bah, je te dirais minimum 10, si je veux être gentil. Bah écoute, moi, déjà, Code 10, honnêtement, c'est l'un des rares animés au manga où tu te dis la fin, elle est excellente. Et déjà rare pour être souligné. Premièrement. Ensuite, c'est quoi sa mort? Bah, sa mort, elle a permis quoi? Elle a permis de rétablir la paix entre Britannia et Japon. Donc, il y a un impact, je l'entends aussi. Ça a eu un impact, tu vois. Pas de souci. Ça a eu un impact. Et le fait qu'il soit tué par son antagoniste, son meilleur pote d'enfance, qu'il le tue, ça, j'ai trouvé la symbolique. C'était stylé. Et le fait que c'était lui qui avait le masque de Zéro, son meilleur pote. Alors que Zéro, en fait, c'est. Ouais, on sait. Donc voilà. Et ça, j'ai trouvé la symbolique extrêmement forte, donc intéressante. Donc il y a un impact sur sa mort. Hey, l'impact, le style, on n'enlève pas. C'est la tristesse. C'est quoi le troisième argument? C'est la tristesse, c'est pas triste. Si, bah si, c'est triste quand même. En quoi c'est triste? Tu vois, sa sœur, tu vois, en plus, tu vois, dès que sa sœur touche sa main, elle voit le plan qu'il avait eu. Parce que sa sœur, je crois, elle a des souvenirs, ou je sais pas quoi, dès qu'elle touche des personnes, elle a des souvenirs. Et en gros, après, elle dit, je t'ai montré à tout ça, c'était impactant quand même. Franchement, voilà. C'est impactant, c'est stylé. Ah ouais, putain, belle fin. Mais c'est pas tu dis, oh putain, le louche, oh non, c'est pas triste, c'est pas. T'as même son crush, là, la meuf aux cheveux rouges, elle regarde la photo à la fin, elle regarde la photo de le louche, après, dit merci, tout ça, c'est tout quand même.
Vous n'avez pas de cœur, monsieur. Vous n'avez pas de cœur. Non, mais j'ai dit, je suis à 100 cœurs. Non, ça va pas. Moi, ça va pas. Bah, moi, Kikou, après, peut-être que nous, on n'a pas de cœur, vous allez me dire. Mais... Attends, je pense qu'ils sont d'accord. Sinon, c'est un peu mal. Mais moi, bah, attention, comme Guy, en termes d'anime, parce que c'est un anime, je mets dans mon top, dans mes top animes. Ah, mais voilà. C'est pas pour autant que cette mort de Lulu, je m'a. Ah, c'était stylé, hein. Les vaseux, ça. Ah, mais tu vois, il meurt sous les yeux de sa petite sœur, mais tu vois, elle est handicapée. Ah, mais quand il est mort, il est mort, c'est fini aussitôt, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas compris. Dès qu'il est mort, l'histoire est finie. Donc, tu vois ce que je veux dire. Justement, c'est le climax. Ouais, moi, je suis pas. Je suis pas convaincu, hein, je vais pas te mentir. Regarde, lui, c'est fils d'empereur britannien. Tu vois, il trahit en gros. Il n'y a pas de soucis, ça, on le sait. Il trahit sa caste. Et en fait, c'est un patron parce que c'est antinomique. En gros, c'est le mec, le prolétaire, son pote, qui a trahi, qui voulait être en gros un noble. Mais il se fait tuer par lui, tu vois. C'est l'antinomie qui est intéressant. Ouais. C'est un restaurant, ça passe. Ça va bouger. Après un fromage. Non, non. On n'est pas convaincus tous les deux. On n'est pas convaincus, ni moi ni Kikou. Les chats, ils sont d'accord avec moi, je pense. Mais bon, Non, le sondage. Bah, le chat, dans tous les cas, t'as entendu. Tu vois, il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent c'est long. Ils t'ont entendu. Peut-être même trop, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, merci. Allez, merci Désir. Allez, à plus. Tu en fais quand tu veux. Passe une bonne soirée. C16. Ouais, j'ai pas mis C16. C16, c'est Joseph. D'ailleurs, certes, ça a un impact de ouf. Mais en vrai, on s'en bat les couilles de ce perso. Lui, on s'en fout. Mais ça a un impact de ouf. Un impact de ouf, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ce perso, c'est une dinguerie. Et on enchaîne avec le 222e. Como Estas. 222e, 2002. Moi, je suis là pour parler de. Nina. Nina. Ouais, Nina, la mort triste. Non, en full metal chimiste. Tu veux la faire monter ou descendre? Descendre. Descendre. Où ça? En. C'est quoi la dernière catégorie? Meurs plus vite. Meurs plus vite. Ouais, meurs plus vite. Vas-y, bah, fais ta Zumba. Toi, là, t'es de mauvaise foi. T'aurais dit Osef en te basant sur Brother Rouge. Ouais, là, Osef. Et Osef, Osef. Non, trop tard. Là, on sait que t'es de mauvaise foi. Ok, d'accord, comme vous voulez. En vrai de vrai, est-ce que c'est vraiment triste? Non, c'est pas triste. Elle a fusionné avec son chien, et ils sont heureux, ils sont ensemble, ils sont. Ah, c'est partout là. La chimère a dit tout le temps: je veux mourir, j'ai mal. Il a dit: ils sont heureux, ils sont ensemble. Ils sont mal parce qu'ils ont trop joué ensemble, je sais pas. Toi, t'es venu au hasard. T'as pris un hasard. En fait, à la base, j'étais là pour Azuma. Et Tagoma, il a niqué mes plans. Donc, vas-y. Je suis mort. Et pour rien, en vrai. Vas-y. Mais en vrai, Nina, ça m'a vraiment pas touché. Hein. Ouais, mais t'es trop. Non, mais t'es venu au hasard. T'es bien. C'est vrai que c'est pas un initialiste pour moi. Moi, j'ai pas de cœur, c'est vrai. Je sais pas. C'était. Ouais. Ça se voit. Donc, allez-y. Hein, Ils sont heureux d'être ensemble. Je sens bien le deuxième moment s'arrêter là. Vas-y, de ce 22e terminé. Allez, au revoir, merci. Passe une bonne soirée. T'as dit même la chimère de quelqu'un, c'est dit: j'ai mal, tue-moi. Il a dit: ils sont heureux en défense. Oh putain, il est vraiment venu au hasard. Vas-y, suivant. Et nous, on enchaîne avec Docteur Nounours. Docteur Nounours, ça va l'eau. Allez, les gens, vous êtes des ouf. La pire, on va se venir en live. Docteur Nounours, comment est-ce? Docteur Nounours, excuse-moi. Docteur Nounours, test. Ton micro, Docteur Nounours. Bon, bah, je crois qu'il est pas là. Hein. Donc, on va enchaîner avec Ironique. Ironique, allô, allô. Là, tous les membres, ils sont passés, c'est bon? Ouais. Ironique. Ça fait un moment, hein. Bonsoir. Comment ça va, Ironique? Ça va bien, et vous? Super. Ça va, hein. Toi aussi, tu viens pour Nina? Qui est heureuse. Par bazar, franchement. Oh là là, l'irrespect. D'abord, ta génération, excuse-moi, pas Jimmy, juste qu'est-ce que tu penses de notre tier list? Génération 90, c'est... Ouais, non, la tier list, pour une fois. Toutes nos tier lists sont de qualité. Pour une fois, j'ai rien à dire sur la tier list. T'es d'accord avec moi sur l'autre, là, le mec de FMA? C'est RIP minimum, hein. Bah oui, Yux, c'est RIP. Surtout sur la version 2001. Vous êtes des Kikou 2001. Ah, 2001, c'est une dinguerie quand il est mort en 2001. Même Ace en vrai, je le laisse là, hein. Franchement, ça passe. Ça passe. Ah ouais? Je pensais qu'il me suffit, il va lui dire Ace en ça passe. Non, en vrai, ça passe, voilà. Ça passe. Mais t'es venu pour bouger qui, toi? Ou rajouter quelqu'un, peut-être? Non, moi, je suis venu pour parler de quelqu'un d'autre. Ah, ok. Quelqu'un que vous avez oublié. Vas-y, on t'écoute. Moi, je suis venu pour parler de... Bon, je sais que John, il sera peut-être pas forcément d'accord, mais moi, je veux pas... Tic-tac! Ah mince, pardon, excuse-moi. Déjà? Non, c'est pas pour toi. C'est celui d'avant. Allez, on t'écoute. Je suis venu vous parler de Yugo dans Gun.
Parce que franchement. Gun, Hugo, on l'a placé là? Non, il n'est pas là justement. Moi, ah, si je devais Gun mettre... C'est ton manga là. Oui. Moi, si je devais le mettre, je le mettrais en triste en minimum, tu vois. Attends, laisse-moi juste me rappeler, il ressemble à quoi? C'est Guns, déjà. Non, c'est... Ouais, j'ai tapé Gun Hugo. Wesh, comment ça s'écrit ton truc? G-U-2-N-M. G-U-2-N... Ah, putain, oui. Ah, je suis un ouf. Oui, oui, bah oui. Mais des grosses calaches. Gunemeux. Ah, mais lui, il est mort au début. Oui, il est mort au début, mais je voulais en parler. Oh, du moi, coup, franchement... Franchement, il est osé. Vas-y, pense-en. Il n'est pas osé du tout. C'est une des pierres angulaires de toute l'histoire de Gun, pour moi, franchement. Déjà, il faut le replacer dans le contexte que Hugo, c'est un petit gamin qui vit dans la décharge de Kuzusetsu. C'est un petit délinquant qui a eu une enfance assez triste, orphelin, comme la plupart des gens. Mais bon, tu me diras... C'est un gars qui, dès le plus jeune âge, a dû lutter pour survivre et tout. Et il rencontre Gali. Gali, c'est un petit enfant robot dont il va tomber amoureux, fou amoureux. Ce sera son premier amour à Gali. Et ce qu'il y a de plus triste dans sa mort, c'est que c'était déjà le premier être humain qui vraiment lui fera sentir qu'elle n'est pas seulement un robot, mais que c'est une fille comme les autres, qu'il va vraiment lui réussir à la faire se sentir humaine. Et ce qui est triste dans sa mort, justement, c'est que Hugo, il a un rêve, c'est celui de pouvoir rejoindre l'élite. Après, c'est qu'il grimpe dans le truc pour aller dans le... Voilà, il va grimper. C'est-à-dire, bon, déjà, il va se faire fourrer. Bon, après, il va se faire arnaquer. Tu te souviens, hein, tu vois, quand le gars lui dit, tu me donneras 10 millions et tout. Ouais, il se fait carotte, le pauvre. Oui, c'est vrai, Il se retrouve au MC, il est recherché par tout le monde. En fait, j'ai osé, parce que pour moi, ce manga, c'est un manga osé. Mais c'est vrai que dans l'histoire, sa mort a fait un peu Ça fait mal, frère. Franchement, ça fait mal. Surtout qu'au dernier moment, il accepte de lui tendre la main. Il accepte de lui dire, c'est bon, j'abandonne mon rêve. Et quand même ça, il se fait faucher par la vie et tout. C'est franchement... Après, Gali, elle est dévastée. Elle s'en va, elle disparaît et tout. Non, franchement, c'est... C'est vrai que c'est un tournant, en fait, dans le manga. On va dire, en termes d'impact, il y a un impact. Comment il est mort, c'est un peu stylé. Après, triste. Moi, j'ai pas été triste parce que le manga, je dors. Mais je peux comprendre que les mecs qui sont plus sensibles à ce manga, ils trouvent ça triste. Donc, en vérité, je l'aurais placé, j'aurais mis en sa passe, perso. Moi, franchement, je la mets en triste. Hein. Quand tu vois, en fait, ce qui fait que c'est triste, c'est vraiment ce côté, c'est un gars qui est matrixé par son rêve, tu vois. Il veut aller jusqu'au bout, jusqu'à aimer sa vie en danger. Et au dernier moment, pour la fille qu'il aime, il accepte d'abandonner, tu vois. Et malgré ça, malgré sa rédemption, le manga lui donne aucune chance, il meurt quand même. C'est fuck. Ouais, franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc, rien que pour ça, je l'aurais mis en triste et pour l'impact que ça a eu sur la suite du manga. C'est vrai, après c'est un manga que je l'entends. C'est un manga, toi tu l'as pas lu ça? Non. Bon, tu perds rien à pas le lire, mais ouais, il y a des petits moments comme ça qui se veulent un peu tristes. C'est John, il aime pas le genre cyberpunk, mais pour ceux qui aiment ça, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas trop mon délire, mais toi tu kiffes de ouf. Mais toi tu kiffes de ouf. C'est important que les gens c'est vrai. Après, ça reste un classique du genre en tout cas. Ouais, après, c'est un classique, ouais, là-dessus, c'est un classique. Moi j'ai toujours dit dans ce manga Gun, c'est le méchant, le héros, enfin le méchant, j'ai trop stylé. Ouais, c'est vrai, c'est Destinova. Même si j'étais dans l'interlude méchant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est tout pour moi. Ah, attends, si, j'ai une dernière petite chose à dire. Le gars qui est venu défendre Your Lie in April, je souffle. C'est nul. Ah, t'as regardé? C'est nul. T'es pas venu pour tirer sur les autres. Non, mais je suis désolé, dès l'épisode 3, tu vois venir la mort et tout. Non, franchement, c'est claqué. Si vous voulez, si vous aimez la peur méchante, tu t'es arrêté à quel épisode? Allez voir Planète. Ouais, c'est l'épisode 3, justement. Bah, John, il l'a pas vu venir. Je l'avais pas vu venir, moi. John, il l'a pas vu venir. Bah, John, t'es frauduleux. Soit ironique, soit la théorie n'est pas bonne. Soit John, en fois 4, tu loupes tout. Tu loupes tout en fois 4, c'est ça aussi le problème. Bravo. Non, franchement, si vous aimez ce genre de truc-là, vaut mieux aller sur Clannad en vrai. Même si la saison 1, elle est atroce. Rien que pour la saison 2, Clannad, c'est ça. Mais je veux pas spoiler ton... Planète, donc je n'aurai pas. C'est comme ton Madoka Magica, on souffle fort. Puella Madoka. Tu connais pas Planète? Tu connais pas Planète? Mais Poeda, est-ce que c'est du même niveau que Poeda Magica? Non, c'est pas du tout le même délire en plus. Hein. Non, Poeda Magica s'est explosé, on est d'accord? Absolument pas. Enfin, ouais, pas ironique, en tout cas merci. En tout cas, non, mais attends, juste pour Clannad, la saison 1 de Clannad est atroce, c'est vrai, mais là c'est vraiment un tangle archibouillard. C'est vraiment un tangle archibouillard. La saison 1, c'est. Elle est pas, c'est horrible, juste horrible. Il y a rien à dire, c'est horrible.
Tu comprends pourquoi elle existe par rapport à la saison 2, mais la saison 1, l'autre. Et on peut pas commencer saison 2 direct? Non, parce que tu as tous les éléments de la saison 1, ils sont importants, en fait. Ils sont horribles, mais ils sont importants pour comprendre la saison. Tic-tac. Malheureusement. Tic-tac. Salut. Tic-tac. Tu vas faire quand tu es ironique. Moi, quand je vois ce genre de dessin, j'ai pas la force de regarder. Je souffle. Fort. Ouais. Je connais, mais je souffle. Vas-y, moi, trop testo. Moi, pas pouvoir. Ah, ça, c'est même pas moi, trop testo, c'est. Pour le coup, testo tout court, tu vois. Donc, ouais, moi, minimum testo. C'est... Ouais. Ouais, c'est... Bon, bref. Ouais, c'est bon. Et nous, on restait avec Docteur Nounours. Docteur Nounours, es-tu revenu? Docteur Nounours n'est toujours pas là. Donc, on va essayer avec Nassim. Nassim, tu nous entends? Nassim, 1, 2, 1, 2. Test, Nassim. Ah, comment est-ce, Nas? Comment ça va, Nas? Ouais, ça va. Ah putain, ironique, il se fait fumer dans le chat. Il se fait fumer de ouf. Hein. Oh, les pauvres. Il a l'habitude. Bon, bah là, je vais parler du bateau des Barbes Blanches, vous voyez? Ah ouais, juste avant Génération, s'il te plaît. 2003. Vas-y, on t'écoute. Non, en vrai, là, je suis venu parler de César dans De Double Aventure. Ah, ok. Là, c'est le deuxième, hein, César, on l'a mis en compte. Ouah, ça passe, ouais, ça veut. Ouais, mais là, vous me mettez il ira pas au-dessus. Tu vois ça avec John. Bah, John. Non, mais quand tu regardes déjà sa mort, déjà, t'as... déjà, t'as Joey Star. Non, c'est pas, c'est Jonathan. Mm. Il se retient de chialer, le pauvre. Est-ce que t'as déjà vu ça dans... Est-ce que tu te dis pas que c'est la mort la plus triste de Jojo Bizarre Aventure? César. T'as plein de morts dans Jojo. Là, tu me dis ça comme ça, franchement, j'ai du mal. Sur Jojo, toutes les parties, il y a des morts. Donc, c'est pas One Piece. Ah, encore une fois, gratuite. Mais du coup, là, comme ça, franchement, j'ai du mal. Faudrait que. Mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué, tu vois. J'irais même. Non, toi, mais... celle du collégien qui se fait niquer par Kira avec la pièce, elle m'a plus marqué que celui-là. Ouais, celle-là aussi, elle était bien. Mais juste pour te dire. Hein. De base, le personnage de César, il a été introduit. De base, je viens de la famille Zeppoli. Bah, c'est celle qui s'est sacrifiée pour la famille de Jojo. Oui, oui, ouais. Oui. Et au dernier moment, quand de base, César, il détestait Jonathan. Enfin, il l'aimait pas trop, tu vois. Après, ils sont devenus potes. Mais juste le dernier moment, quand il a dit qu'il allait sacrifier finalement pour Jojo et qu'il allait donner son dernier souffle à son ami. Oh putain. Dormam. Non mais... Oh, vous êtes dur. Non mais attends, je t'explique comment ça se passe. Quand tu vois que on dort, le but c'est de pas laisser de blanc, c'est de. Tu vois là pour le coup c'est pas Ablaus Mucho, c'est, je sais pas comment on dit mais bamo. Montecchia. Vas-y, on t'écoute. Oui César, excuse-moi de t'avoir coupé. Franchement, moi, le problème, je veux te dire avec César, dis-moi, c'est que, en fait, comme il y a eu plus impactant dans Jojo, cette mort-là, elle était stylée. Les gens disent, je m'en souviens pas si, je me rappelle, mais j'ai pas été triste. T'étais un peu choqué en mode, pas choqué, mais en mode, oh, c'était un César, lui aussi, il va mourir. Mais t'es pas triste, t'as tourné, après, tu l'as vite oublié, tu passes à autre chose. Quoi, tu vas me dire que le chien de la partie 3, il était meilleur que César? Le chien, t'es un peu plus tristouné, hein, le petit, le petit waf waf là. Pourtant, j'aime pas les chiens. Et le petit waf waf, t'es un peu plus touché. Hein, on passe vite. Ah, c'est Jojo, je souffle. Comment il s'appelle, celui que Désiré disait, le Renoir Rebeu là. Il était fâché. Il était fâché, ce genre-là. Lui, j'étais plus triste, tu vois ce que je veux dire. Ouais, les fameux. Le fameux Renoir égyptien. Voilà, Renoir égyptien. Renoir. Désiré a deux doigts de revenir dans le Zoom. Il était fâché de ouf. Il était fâché de ouf, genre, il a dit vous nous prenez tout. Le fameux. Mais bref, en tout cas, ouais, c'est pas la mort qui m'a le plus. C'est peut-être pour ça que je le. J'ai du mal à le mettre en triste. Ah merde. Après, je vais dire mes derniers mots. Pas de soucis. À dire que Kizame a une meilleure mort que le troisième Hokage. Kizame? Troisième Hokage? Mais t'es un baiser, bah tiens. C'est bon, coupez son micro, au revoir. En tout cas, merci. Jiraya. En tout cas, merci.
Ok. En tout cas, merci. Il a dit Kizame. En tout cas, merci. Non, mais il aurait le requin a gagné. J'aurais dit ça, ouais, se vaut. Souffle. Mais troisième Okage, c'est la meilleure mort, tout Naruto confondu. Arrête. Allez, au revoir, Nassim. Tu reviens quand tu veux, Nassim. Ok, bonne soirée. Et nous, on enchaîne avec Logan qui vient d'arriver et qui passe devant les autres parce qu'il est membre. Bah, c'est une même si je le kiffais, les morts... C'est un peu comme... On y reviendra quand on parlera des morts des méchants, parce que dans la route, c'est normal. Tic-tac. C'est un peu comme il a vécu, hein. Ouais, allô. Comment ça va, Logan, Logan? Ouais, ça va bien, et vous? Super. Ça va, hein. Moi, je suis venu à 2001. Je suis venu parler d'une mort très importante, une des plus grandes morts du manga game. Qu'on n'a pas noté. C'est qui ton frère? Enfin bon, la mort de Luffy contre Kaido sur l'arc. Ah, vous êtes vraiment en fait, non, j'ai dit, je prends les trucs que à partir de ce qui a été. Non, ce qui est en anime, tu vois ce que je veux dire. Non, mais sinon, cette mort-là, j'aurais mis en OSEF, tu vois, c'était vraiment de la merde. Non. Moi, j'aurais mis en. Il est presque mort. Non, il est mort. Apparemment, non. Si, il est mort. C'est vraiment pas avec One Piece, hein. Vraiment. Ouais. Là, t'es juste venu tacler One Piece, toi. Il est juste venu tacler One Piece, oui. En vrai, je montais Vegeta, faut monter Vegeta. Ah, on a déjà fait des sondages, on a déjà tout Vegeta, fait. Non, c'est bon. Vegeta, ça suffit. T'arrives trop tard, t'arrives à vrai la guerre. Et Rengoku, je peux? Lequel? Rengoku, oui, tu peux. Lequel? Rengoku. Tu veux le faire descendre ou monter? Monter? Non, en RIP? Attends. Ouais, c'est chaud. Vas-y. Faut vraiment que tu sois convaincant et que tu parles bien. Hein. Vas-y, je vais tenter. Alors, Rengoku, déjà, il arrive. Parce qu'on dit souvent Demon Slayer, c'est classique et tout. Mais déjà, moi, Rengoku, le truc de Rengoku, je ne l'ai pas vu venir. Parce que quand on regarde bien dans la construction d'un shonen, Rengoku, c'est un peu le nouveau maître... qui va tout niquer et tout, un peu le... Si je peux comparer avec Naruto, c'est un peu le Jiraiya, en gros, qui va les aider et tout à progresser. Non, mais de base, on nous le vend comme ça. T'es d'accord? C'est le genre le nouveau maître, il dit... C'est plus le Yamato. Ouais, plus. Mais il dit, vous allez être mes nouveaux élèves, je vais bien vous former et tout. Et direct, il se fait tuer. Déjà, t'étais pas prêt, au bout... Direct, premier arc. T'étais pas prêt. L'arc où il est introduit... Il se fait enculer direct comme ça, non, t'étais pas prêt. Il fait des trucs de ouf avant, il dit, moi je vais garder les... Déjà, il y a le truc où tu vois son daron, il le rejette et tout. Il est là, il dit, bon, on va t'occuper, lui, il est là, il s'occupe du train, il sauve tout le monde, il n'y a personne qui meurt, le méchant, il a réussi à tuer personne. Là, tu penses que c'est fini, et là, il y a Akazakari. Il y a un combat de ouf, mais vraiment un combat de ouf. Et Rengoku, j'ai kiffé parce qu'il est resté digne, parce qu'Akaza, il veut pas le tuer. Il ne veut pas lui faire de la ragra comme avec Freezer Vegeta. Il est là, il lui dit, hey, gros, t'es trop chaud. Viens, on devient immortel. Comme ça, tu vas progresser et tu vas devenir de plus en plus fort parce que ta technique, elle n'est pas encore parfaite. Et il est là, il l'entraide. Il est là, il se tape. Il dit, attention, je t'ai cassé une côte, je t'ai crevé un œil. Il est là, il dit, tu vas mourir. T'es sûr, tu ne veux pas devenir immortel? Rengoku, il dit, il est là, non, moi, je suis digne. C'est ça, la vie, c'est net, mourir parce qu'être immortel... La vie, c'est de la merde et ça n'a plus de sens. Moi, je resterai digne. Après, il se tape. Putain, c'est stylé de ouf. Ouais, Akaza, il le transperce. Putain, c'est stylé de ouf. En animé, c'est une dinguerie. C'est stylé de ouf. Ah, ok, écoute, t'as pas encore tapé l'anime, toi. J'ai pas vu, mais c'est stylé de ouf, putain de merde. Le manga, déjà, c'est lourd, mais en animé, c'est encore plus. Mais là, quand Akaza, il le transperce, il est là, il dit, allez, tu vas mourir, il te reste 30 secondes, viens, deviens démon. Et il est là, il a un flashback de sa mère qui meurt, et lui, il comprend qu'en vrai, la mort, c'est pas si important que ça et tout. Bam. Après, il est là, il lui coupe la tête, il dit, tu vas pas partir, reste là et tout. Il y a Tanjiro et... Cette scène, elle est bien. Ils vont le tuer et tout, et il se barre. Là, il y a Tanjiro, il pète un câble, il lui dit, reviens. Il dit, t'es un lâche. Nous, les pourfendeurs, on se bat la nuit dans votre domaine. C'est bien beau, tu nous racontes l'épisode, mais la mort dans tout ça, s'il te plaît. Hein, bah, il reste 17 secondes. Après, il meurt. Il est là. Tanjiro, il est là, il n'en peut plus. Lui, dit, écoute, j'ai confiance en toi. C'est rien, je meurs, mais je meurs en paix parce que je sais que j'ai une prochaine génération et que vous ferez le taf. S'il te plaît,
va jusqu'au bout, j'ai confiance. Et là, avant de mourir, il voit sa mère qui est morte. Tic-tac. Et sa mère, il dit, ouais, est-ce que t'es fier de moi? Et là, il y a sa mère, elle lui dit, ouais, je suis fier de toi. Et là, il meurt et tu vois, tous les héros, ils sont à terre. Et Tanjiro, il dit, j'ai plus envie d'être un pourfendeur, c'est trop dur. En 100 ans, ils n'ont jamais tué une lune supérieure, ça sert à rien, on est nul. Et là, t'as l'autre, là, le sanglier, il dit... Logan, Fabrois, ça, tu racontes l'épisode. Moi, Logan, j'ai pas de mytho, tu m'as à moitié convaincu. Je te le dis la vérité. Je m'en pas convaincu. J'ai tout donné. T'as remis... Moi, j'ai pas de mytho, il m'a remis des petits souvenirs. Peut-être que si j'avais vu l'épisode, j'aurais pu avoir ça, mais là, comme ça, il a juste à blamoucho. Ah ouais, non, franchement, c'est... On va pas polémiquer, c'est que lui, veut pas, on va dire, rien centré. Tout c'est à blamoucho, là. Ça a été résumé pour moi en un gif que j'ai vu. Je me suis dit, oh putain, tu vois. Après, lui, il parle parce qu'il a vu. En fait, quand il parle, il y a les images qui lui viennent en tête. Moi, j'ai pas les exactement. Quand il parlait, le gars, je me disais, ah, c'est vrai que c'est vraiment. Ah oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que bon, on va pas polémiquer. Désolé, Logan, tu n'as pas convaincu Kikou. Vas-y, on a senti la passion en tout cas. La passion était là. Moi, t'as réussi à me toucher. Bonne soirée. Vas-y, du coup, il a lu le manga. Il a pas vu l'anime, il a lu le manga. Ouais. Et nous, moi, j'ai lu le manga avant l'anime. Hein, j'ai essayé avec Dr. Noose. Moi, quand j'ai commencé à lire le manga, c'était il y a longtemps. Hein. Longtemps. Le manga, il était même pas fini. Je m'étais arrêté à... Tu rien, si ça spoil. Là, ouais, bah, bref. Mais ça fait longtemps. Et l'anime, je me suis toujours dit, bon, quand ça finit, je vais me faire tout d'un coup. Au final, maintenant, je regarde ça sur Twitch. Donc, je découvre tout ça. Hein. Mais Dr. Noose n'active pas son micro, donc on réessaie avec JK. JK, allô. JK, tu nous entends? Allô. Ouais, je vous entends. Ça va et vous? Ça va super, hein. On t'écoute. Génération, et la parole est à toi. Alors, Génération 91, je vais rajouter quelqu'un. Vas-y. Ça va être Gohan du futur. Vas-y, on t'écoute. Hein. Non, ils ont raison. Moi, j'ai rien dit, on t'écoute. Hein. Je le mettrai bien en rip. Qu'est-ce que t'en penses, John? Je suis totalement d'accord. Je veux dire, c'est quand même, je pense. Non, c'est clairement l'une des morts les plus marquantes dans Dragon Ball. Il faut dire les termes. C'est parce que cette timeline-là, c'est la plus sérieuse. Clairement. Ils ont perdu. Timeline, tout le monde est mort. Il n'y a pas de Dragon Ball dans celle-là. Tu meurs. Gohan Miskin, il a qu'un bras. C'est devenu la table des cyborgs. Putain, en plus, il est mort sale. Hein. Ah, il est mort sale. Ils ont vraiment fait une hagla de ouf. Et puis Trunks qui arrive en mode. Cette transformation, j'ai beau la regarder plusieurs fois. Mais ça, il faut dire les termes. Toujours le même effet. Merci Latoé pour son navet de qualité. Parce que dans le manga, l'histoire, c'est pas exactement ça. Hein. Ouais, faut dire qu'ils ont fait des bons travaux. Ils ont fait les bons travaux, les bons ajouts, les bonnes cohérences de trucs. Parce que. Dans le manga, Trunks, il se transforme Super Saiyan avant même que l'autre meure. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, ils ont fait en sorte que ce soit quand il voit sa mort qu'il se transforme en Super Saiyan. Donc, clairement, l'OAV, merci pour le taf. Tu voudrais le mettre où, toi? En RIP? RIP, c'est pas volé. RIP, ça aurait pas été volé. Ouais, parce que tu sens que c'est... Je l'aurais mis en triste, mais je l'entends. En tout cas, effectivement, oui, Mirai Gohan. Je pense que ça a satisfait certaines personnes dans le chat. Non, moi, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Non. RIP, moi, j'aurais dit RIP. Même pas parce que je suis Kikou DB, hein, c'est parce que ça mérite les RIP. Non, je l'entends. Après, c'est tout. Et sinon, petite tristesse quand même pour une personne, enfin, dans la tier list. Qui ça? C'est... John, il s'en fout un peu. Mais après, je sais pas si toi tu l'as vu, mais c'est Setsuko. C'est qui ça? Dans le tombeau des Lucioles. Ah ouais. Wow. Je l'aurais au moins mis en triste. Ouais, triste. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. J'ai vu ça quand j'étais petit et je souffre. Ça m'intéresse même pas de les revoir ces films-là, tu vois. Ouais, non, faudra pas marquer ou. Non, c'est pas Osef, tu t'abuses. Il est Osef de ouf ce film. Non, il est pas Osef, il est pas Osef. Regarde la maman loup, ça il est lourd. Dans tous les cas, tu reviens quand tu veux, JK. À la plus. Ouais, je reviendrai pour le smoke show là. Des lucioles explosées. Je vais faire un. Non, t'abuses, John. T'abuses. Par contre, si je fais une vidéo Instagram et je dis ça, je me fais fuir. Ouais, je me prononce pas. Encore pire que Bonne Nouvelle, parce que toutes les meufs équipent ce truc. Tombeau des lucioles. Non, c'est pas question de toutes les meufs.
Et les hommes sensibles aussi, excuse-moi. En tout cas, JK, tu reviens quand tu veux. Ok, d'accord. Passez une bonne soirée, les gars. Salut, salut. Toi, JK. Et nous, on enchaîne avec Dragibus. Dragibus, allô, allô. Allô, allô. Tranquille, quoi. Comment ça va? Tranquille, on est là, on est là. Génération, il a parlé génération, de génération de 000, je connais. Tier list, ça va, pour une fois, je suis satisfait. Arrêtez voilà, votre Zumba, nos tier list sont toujours très bonnes. Là, je vais mettre un like, aujourd'hui je vais mettre un like. Allez, tu veux rajouter bon, quelqu'un peut-être? À la base, j'étais venu pour Asuma, mais bon, je vois que ça force, donc moi je vais venir pour Ace. Monter, descendre, ça passe. Non, Ace, il faut carrément créer une catégorie, c'est mérité. Genre... Non, non, c'est mérité, hein. C'est pour de vrai, c'est mérité, hein. C'est mérité. On l'a dit, on l'a dit, mais on l'a dit, on l'a dit. Mais non, mais c'est limite, meurt plus vite. C'est stupide. Le mec, il est mort 30 secondes, je crois, après avoir été sauvé. Ah, c'est stupide. C'est et en plus, c'est pas comme si. Ah, c'est dingue, c'est dingue. C'est pas comme si. Il y avait un piège en haut, même s'il réussit à, aller, à s'échapper, y a rien. On le tue. Y a c'est rien. Juste Akainu qui lui fait une blague sur son daron. Y a rien. Il lui dit « Oh, ton daron, c'est un lâche !» Et là, il se retourne, il fait « Ah, je peux pas lui laisser dire ça !» Mais frère, c'est... En fait, le problème, c'est que tout ce qu'il y a derrière, tout ce que les gens ont fait pour venir... Gros, il y a des centaines de pirates qui sont morts. Il y a une putain de guerre qui a été créée pour ta gueule. Mais y a... en fait, il y a ton frère qui a la... sacrifié. Tu vois là, Dragibus, je sens en toi beaucoup de haine. Non, mais... Ce que tu fais... Attends, non, écoute-moi. Je sens en toi beaucoup de haine. Ce que tu fais, c'est que tu vas respirer un bon coup, ok? On va te dire en tout cas merci. Tu vas contenir ta haine, et quand on sera à l'arc Marineford, là, tu pourras la laisser exploser. Okay? Tout ce que je veux dire, c'est que même... J'y repense, des fois il y a des nuits où j'y repense, où je me dis en fait ça n'a aucun sens. En fait, oui, tu te retournes pas pour ça. C'est pour ça que je te dis, avale tout ça et reviens quand on parle de Marineford. Ok, ça va être dur, mais bon. Non, mais en vérité, je peux l'entendre que c'était vraiment une mensonge. On l'a mis en sapasse. Non, on l'a dit dès le début, hein. Je l'ai dit dès le début, hein. C'est n'importe quoi. Pourquoi je le mets en sapasse? Parce que c'est le seul palmarès de One Piece en termes de mort. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Barbe Blanche donc, derrière. C'est pareil. Ouais, mais Barbe Blanche, il est encore plus osef que lui. Tu vois ce que je veux dire? Barbe Blanche, il était vieux, moi, tout malade. Moi, c'est justifié. Il était vieux, il c'est était justifié. Finito. Mais au moins, non, c'est mais justifié. Je veux dire, toi, quand les gens, tu leur dis One Piece, c'est pas neuf. C'est Ace! Ace! Tu vas repenser ton ordre. Ace, il est mort en août 44, frère. C'est bon, on souffle. Bah, là, il y a Kaido et Big Mom. On peut dire. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que pourquoi les gens forcent autant, c'est parce que plus on avance et plus on entend parler d'Ace qui est mort. Et plus c'est illogique parce qu'il aurait pas dû mourir comme ça. Bah bref. On y reviendra sur ça, on y reviendra. Vous n'avez pas tort. En tout cas, Dragibus, vas-y. Mot de la fin, One Piece s'est claqué sa mère. Wow. Escale, il était claqué sa race. Tout le temps la manga haine. Finito. Tout le temps la haine. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Vous êtes vraiment des haineux de One Piece. Vous êtes vraiment des aigris de One Piece. Je dis ce qu'ils pensent. Retenez ça, les gens. Vous êtes vraiment des haineux de One Piece. Tu as la haine parce que Yamato c'est rejoint n'importe l'équipage. Quoi. Parce qu'elle est Yel. C'est pas Yel. N'importe quoi. Au revoir, Dragibus, on coupe ton micro. Au revoir. Passe une bonne soirée, Dragibus. On a marre des haineux de One Piece. Parce que je suis poli, mais c'est n'importe quoi, Dragibus. Mais One Piece, ça reste le meilleur manga de l'univers. Tu peux revenir quand tu veux, si tu arrives à canaliser toute cette haine, bien sûr. Bien évidemment. Et passe une bonne soirée. Vous ne vous rendez pas compte d'à quel point Oda il galère pour nous faire ce chef-d'œuvre et vous permettez de critiquer. Bah faites mieux, bordel. Tic-tac. Salut les gars, tranquille ou quoi? La forme, toi? Oh, tranquille, hein, bah, génération 96. Et moi, je viens, je suis pas sûr si c'est dans la liste, vu que moi, je vois un peu mal. Zabuza. Non, on ne fait pas les méchants. En fait, c'est les méchants, on ne fait pas les méchants. Les méchants, on les fait pas. On n'a pas les mêmes critères sur les méchants. Les méchants, on va faire une autre charliste pour les méchants. Mais qu'après, à la fin, quand même, il redevient gentil. Ouais, non, mais c'est quoi, il est mort, donc c'est un méchant. C'est vraiment, on compte pas? On compte pas, non. Meriem, tout ça, là, ça, on va compter comme méchant. Ah bah, moi, c'est surtout jeunesse pour Zabuza. Pour moi, c'est l'une des plus tristes dans Naruto. Ah, t'inquiète pas, on en parlera des morts des méchants. Donc, tu reviens quand tu veux. C'était toi, alors. Allez. C'est pas de souci. Allez, à plus, Dabido. Les gens, faites comme Dabido. Venez pour dire des trucs où il faut revenir plus tard. C'est ça qu'on veut. Docteur Nounours, est-ce qu'il est revenu? Docteur Nounours, 3 heures de sommeil par jour avec un fait RS Bull, 400 000. Docteur Nounours, 1-2-1-2. Respectez Oda. Toujours pas, hein. Donc on va enchaîner avec Rallo. Tac, 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 tac. Non, le louche, c'est pas un méchant. Rallo, allo, allo.
Les gens disent le loup c'est un méchant, on est d'accord, le loup c'est pas un méchant. Alors, à un moment on essaie de nous le faire croire en fin de manga qu'il est méchant, mais à la fin on se rend compte que non. Rallo, tu nous entends? Rallo? Il y a Ebenzi qui a envoyé Sakuro qui dit, je sais pas si vous avez lu, regardez. Allô? Et Kaishi, mais la mort de Shishisho était bas de triste. Wow. C'est quoi? Kaishi, je connais pas. Comment ça va, Rallo? Ça va bien, vous? Bon, ça va super, hein. On va commencer, Génération, on t'écoute, hein. Kaishi, non, j'ai pas vu ça. 2000. Ouais. Alors, la tier list, elle est respectable. Non, non, elle est très qualitative. Non, le seul point noir de la tier list, vraiment, j'aime beaucoup Dragon Ball. Hein. Je kiffe Piccolo, je kiffe Majin Vegeta. Mais comment on peut mettre des personnages de Dragon Ball dans RIP, donc ça veut dire Repose en paix, sachant qu'ils sont pas T'es morts. T'es venu défendre qui dit qui tu veux descendre ou monter. Tu veux descendre qui, choisis un. Déjà, tu viens là, j'ai tu baissé. Me fâches. Tu viens là, tu j'ai me fâches. J'ai baissé Majin Vegeta. Ah, jamais de la vie, allez, vas-y. On t'écoute. Pourquoi mais non. Parce que, ok, développement stylé, ok, tout ça, mort stylé, c'est épique et tout. Moi, je veux juste le baisser dans Triste. Pourquoi? Parce qu'il est pas mort. On sait très bien qu'au moment où il meurt, il va ressusciter quelques épisodes après, pardon. On sait très bien. Comment au ça, moment où tu regardes ça. Hein? Comment ouais, ça, on sait très sait, bien. On sait pas très bien. Et en plus, cet, argument, vous... cet non, argument, on sait très bien, je peux le démonter ouais, facilement, parce qu'il y a le délire de Sangoku qui est revenu. Normalement, il est revenu uniquement temporairement, etc. Ouais. Donc, tu sais, peut-être qu'on va toujours le voir dans le... On peut dire, ouais, il sera toujours dans le manga, mais pas... il sera sur non, Terre avec ses trucs. Parce que Vegeta, non, parce que Vegeta, il est mort deux fois, il ne peut plus être... C'est ça, il peut plus être... Oui, non, non. Arriver, non. Parce qu'arriver à l'heure de bout, c'est très bien que Toriyama, il va toujours trouver des pirouettes pour... Non, mais c'est comme ça, on fait tous les mangakas. Non, Naruto, il n'y en a aucun qui revient à la vie, par exemple. Ouais, il n'y a pas Ido Tensei, on revient tous. C'est des méchants, ils repartent après, c'est des méchants. C'est pas des vrais retours à la vie. Kakashi, il est mort, il a fait retourner à la vie, peine avec la technique, je te raconte. Ouais, mais ça, c'est cohérent. Je suis désolé, mais l'argument n'était pas bon. Rallo, t'as essayé, l'argument n'était vraiment pas bon. Non, mais attends, Kiku, tu vas juste me dire qu'au moment où t'avais quel âge quand t'as regardé cet épisode? Dragon Ball? Je sais plus. Cet épisode-là, t'avais quel âge? Je sais plus. À peu près, genre, t'avais 10 ans, 15 ans? Ouais, j'ai fait 10 ans, moi, quand tu regardes ça. Et genre, t'étais assez bête pour croire qu'il allait pas revenir, Vegeta. L'important, c'est pas déjà de savoir s'il allait revenir ou pas. Du coup, c'est pas triste, en fait. Non. En plus, toi, tu juges par rapport à Toriyama et le fait que... Non, par rapport au manga en général. Bah, t'as dit Toriyama tout à l'heure. Par rapport à Dragon Ball, quoi. Ok, bon, tu juges par rapport à Dragon Ball. Si tu juges par rapport à Dragon Ball, tu sais que... Vegeta, il était mort deux fois, il n'aurait pas pu être ressuscité. Oui, et c'est pour ça que Sangoku, il n'a pas été ressuscité. Il a simplement eu une permission pour aller participer au tournoi. Ne dis pas Dragon Ball dans tous les cas. Là, tu... Non, mais dans toutes les... à chaque fois, regarde, c'est comme dans Super, il trouve encore des Dragon Ball géants. Ah, mais on comprend pas avec Super. En fait, parce tu parles aujourd'hui... Ce que je veux dire, c'est que... Non. Non, mais laisse-moi parler. Non. Ce que je veux dire, c'est que dans l'univers Dragon Ball... Tu peux pas parler parce que tu parles aujourd'hui avec tous les trucs. La preuve, tu essaies de t'en sortir en parlant de Super. Tu non, connaissais vrai, Super quand t'as découvert ça? Quoi? Parle de l'univers Dragon Ball du oui, début. C'est ce que je dis. Non, du début jusqu'à la scène où Vegeta il fait ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que Toriyama dans Dragon Ball, j'ai si tu veux pas dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball, tu sais que pour ses personnages principaux, il va trouver des pirouettes pour les faire revenir à la vie comme Piccolo. Oui. Peut-être. Quand il est mort, il n'y avait plus Dragon Ball, il a dit oh la mec. Moi je sais pas. Non, moi je sais pas. Mais n'empêche qu'à la lecture du truc. Quand Vegeta est mort, tu dis, ah, Vegeta est mort, il n'y a plus de dragon pour ressusciter. Donc peut-être qu'il va trouver une pirouette, mais là, tu sais pas. Non, mais tu le sais. À un moment, tu sais pas quoi. Mais tu sais qu'il va revenir. T'en sais rien. Tu peux spéculer. Arrête. Bah, tu peux spéculer. C'est Dragon Ball. Tu sais très bien qu'il va jamais faire mourir définitivement un personnage. Arrête. C'est hypocrite de dire que tu sais pas. Moi je sais pas. Non, mais tu vois, la mort, elle est stylée, tu vois. Voilà, la mort, elle est stylée. Ça en dit long sur le développement, tu vois. C'est vraiment, c'est lourd, tu vois. Mais t'es pas triste quand il meurt, parce que tu sais qu'il va revenir. Si, moi j'étais triste. Ouais, mais t'es un mytho, toi t'es pas rationnel, parce que t'as un Kiku DB. Non, c'était pas vrai, t'étais pas triste. Au final, toi, Rallo, je sens le Kiku One Piece haineux de DB en toi. Non, je suis pas un Kiku One Piece, je suis un Kiku Naruto. Encore pur. Non, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à vous convaincre, hein, donc je m'arrête. Non, mais tu reproches à Dragon Ball. De toute façon, ça va sonner dans 5 secondes. D'avoir des Dragon Ball qui, normalement, c'est deux fois, tu vois. Ça sonne dans 5 secondes. Ça sonne dans une seconde. Tic-tac. Mais comment Vegeta a été ressuscité alors? Conclu. J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Bref, c'est fini, j'ai pas réussi à vous convaincre.
Ouais, je conclue avec une dernière phrase. Vas-y. Je conclue avec une dernière phrase. Jiraya, c'est la mort la plus triste de toute la tier list. Voilà, salut. Ouais, y'a quand tu veux, mais. Toi, tu penses vraiment que. Kiko, toi aussi, pour toi, 3ème Okage, c'est moins impactant. Moi, ça m'a plus touché, 3ème Okage, Jiraya. Non, non, moi, Jiraya m'a plus truc. Jiraya, il est plus attachant. Ouais. Ah, d'accord. Moi, 3ème Okage, quand il est mort, quand il a fait. Oh, mon imbécile d'élève. Hein, voilà. Oh, tu m'as récrit, voilà, ouais, c'est trop stylé. Il y a rien qui pensait, j'ai envie de me remater de Naruto. C'est pas le débat, c'est pas le débat. On sait que parler de Naruto, ça donne envie aux gens de se taper tout, mais doucement, doucement. C'est vrai que c'était plutôt cool. Juste Kiku, pour toi, Jiraya, c'est pas la mort la plus triste ? Dans Naruto ? Dans toute la tier list. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas les mêmes goûts que. Moi, je suis un Kiku Naruto, oui, mais je suis un Kiku Naruto réaliste, tu vois. Donc, c'est différent. La question n'est pas là, Ralo. Pour moi, au-dessus dans la tier list, là ça m'a fait plus mal la mort de cette meuf-là dans Gintama. Hein. Je te parle sérieusement. Hein. J'ai pas vu. Ça m'a fait plus mal la mort de cette meuf-là que la mort de Jiraya, vraiment. Je me suis dit, merde. Okay. Gintama. Jiraya, je me suis dit, ouais, c'est stylé tout ça, c'est triste. Jiraya, il part, etc. Elle, je me suis dit, merde, vraiment. Après, c'est parce que moi, j'ai une vraie âme sensible. J'ai une vraie âme sensible. Ouais, comme tu as dit, la scène dans Parasite où le mec il chiale. La scène dans Parasite, c'est une dinguerie. Là, cette scène, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je me souviens quand John il m'avait dit ouais, moi j'ai pleuré tout ça. Bon, moi je lui ai dit, t'abuses un peu, mais j'ai compris. Mais j'ai compris. Bref, merci Rano. Vas-y. Tu reviens quand tu veux. Salut. Passe une bonne soirée. Allez, docteur. Et nous, on enchaîne avec Tiandi. Merde, attends. Tac, 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 tac. Qui vient d'arriver, mais qui passe devant les gens. Salut, salut. Les membres. Salut. Comment est-ce ça va? Ça va, vous allez bien? Super, et toi? Ça va. Bon, je veux nous réagir, voilà, parce que j'en ai entendu un qui a parlé, là. Mm-hmm. En fait, moi, je voulais juste dire, il faut que les gens remettent dans le contexte. Quand il dit que Vegeta, on pouvait prévoir sa mort, c'est non, c'est faux. Parce que, en fait, les gars, ils voient ça avec leurs yeux d'aujourd'hui. Ils oublient qu'à l'époque... en fait, aujourd'hui, vous bouffez en fait les mangas. Vous en avez des tonnes, une chier. Vous en voyez énormément. Alors que nous, à l'époque, faut se remettre dans le contexte. Des mangas, on n'en avait pas autant que vous, en fait. Comme aujourd'hui. Mmh. À l'époque, c'est le club Dorothée que ça passait. C'était une fois par semaine. Et on n'avait pas autant, en fait. Donc, Vegeta, c'était impossible déjà. Première chose, quand il est mort, mais son corps devait être détruit. Il devait aller en enfer. Donc, c'était impossible de prévoir. Putain, mais c'est vrai ça, Vegeta c'était un méchant. Hein. Il serait allé faire avec son corps détruit. Et la seule raison, c'est parce que Emma qui a dit j'ai bien fait de te conserver au cas où. C'est Emma qui a dit après il garde le corps au cas où, mais à la base il devait aller en enfer, Vegeta. Il devait pas revenir. Hein. Petite parenthèse, quand t'as commencé à dire à l'époque on n'avait pas ci, pas ça, je me suis dit doucement quand même. Parce que tu parles comme si c'était le Moyen-Âge. Non, mais il a raison. Beaucoup de trucs quand même. Non, mais raison. Non, mais attends, mais. Non, à l'époque. Compare. Non, mais moi je te le redis, je réaffirme. On ne bouffait pas autant de mangas que aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as Netflix, t'as tout en fait. Non, les gars, ils peuvent passer leur journée à mater des mangas. Ce que tu veux dire, c'est que. Ce que tu veux dire, c'est qu'on en consommait pas. On les consommait pas de la même manière. Aujourd'hui, oui, les gens. Non seulement on les consommait pas comme aujourd'hui, mais on n'en avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Et surtout, à l'époque, on était dans une mentalité où on savourait, on n'était pas trop dans la spéculation. Comment tu regardais l'anime à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas internet. C'était que le club Dorothée en fait. Ça te rend le club Dorothée que tu regardais les épisodes. Sinon, comment tu faisais? La plupart du temps, on les avait en désordre en plus. De ouais, ouf. Tu vois. C'était une dinguerie ça. C'était une dinguerie. On loupait cet épisode. Il n'y avait pas internet. À l'époque, on n'avait pas internet. Gros biais, il n'y avait pas internet aussi. Ça va. Donc. Là, aujourd'hui, t'as internet, t'as tout, les mecs peuvent toujours regarder. Et aujourd'hui, évidemment, c'est des années plus tard, on a consommé énormément de mangas. Donc aujourd'hui, on est habitué, on en a vu plein, donc on peut prévoir les trucs. Mais à l'époque, tu pouvais pas prévoir, en fait. On sait pas avoir ça. Ok, et pour les gens qui demandent qui Tiandi est venu défendre, personne. Il est juste venu tirer sur la personne précédente. La personne précédente, elle a dit... Il y a un truc genre, on connaît Toriyama, moi je le connaissais pas à l'époque. Je l'ai dit directement. Je veux dire, cet argument de on connaît Toriyama, et c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui il y a des vidéos, les gens ils analysent la personnalité de la personne, comment est physique, comment est ça. À l'époque on n'était pas dans cette Zumba, on savourait, on y croyait, tu vois.
que... même donc voilà. Veux, quoi. Et puis Jiraya, et puis John, oui, je voulais te dire aussi, John. Jiraya, t'abuses, mec, franchement. Oh, John, il a pas de cœur. John, il a pas de cœur. John, il a pas de cœur. Peut-être que je remate, tu sais. John, il a pas de cœur. Franchement, cette scène-là, moi, quand je l'ai vue, elle était super belle. Ça m'a ému, hein. Cette scène, c'est une dinguerie. Quand il rampe par terre, là, c'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. Mais bref. Tu reviens quand tu veux, en tout cas, Tiandi. Y'a pas de soucis, au plaisir. Quel mot vous avez mis là? Et Ace, moi, j'aurais mis en. En quoi? Non mais toi tu ne dis pas. Là, il a dit. C'est vous les de One Piece. Nous on l'a mis en ça passe. Parce que non, c'est pas venu. Honnêtement, la mort est trop bête. Ah, franchement, c'est heureusement que moi Guico est d'accord pour le ça passe, que si on aurait fait un sondage, il aurait pu aller en barre plus vite ou. Ouais, non, les gens auraient été méchants. Non, ça passe, ça va. Regardez comme ça. Ça passe, ça va. En tout cas, enfin bref. Bref. Tu vas quand tu veux, passe une bonne soirée. Allez, passe une soirée à plus. Salut, salut. À plus. Yes. Et nous, on enchaîne, on réessaie avec Docteur Nounours. Si t'es pas là maintenant, je réessaie à la fin parce que. Ouais. Bah non, il est pas là. Hein. Ouais, donc, Mamalou. Hein. Mamalou, il est pas membre lui? Non, tu confonds avec. Enfin, je crois pas, non? Non, il est pas membre. Mamalou, allô. Comment ça va? Tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ça va ou quoi, tranquille? Ouais, la forme, hein. Génération, et puis bah t'écoutes, hein. Génération 95. Mm-hmm. Alors, j'ai un personnage, c'est All Might, la mort d'All Might dans Mario Academia. All Might est mort? Il meurt lui, c'est quand il perd ses pouvoirs, non? Il perd ses pouvoirs, il est pas mort, si tu racontes. Il meurt lui? Ah bon? S'il meurt, c'est un putain de spoil. Ça, c'est un putain de spoil de ouf, s'il meurt, heureusement, parce que je suis pas au courant, pourtant j'ai lu un peu les scans. Non, il meurt pas. Il meurt pas. Mort, non? Tu dis, ouais, je me disais bien, je me disais, j'ai raté un truc de ouf. Ah bah autant pour moi alors. En tout cas merci. Il perd ses pouvoirs. C'est quand il perd ses pouvoirs. Il est pas mort, wesh. Je me suis dit quoi? Moi aussi je me suis dit c'est quoi ce vidéo? J'ai lu en x4. Il est pas mort. En plus je me disais un truc comme ça, j'aurais entendu pas, j'aurais vu sur Twitter. Non non, il y aurait eu des trucs. Non. Ça aurait fait du bruit. Non. Du coup en vrai je voulais juste rajouter un personnage. C'est vrai qu'on tire souvent sur One Piece, moi aussi, moi le premier. Et franchement, il y a un personnage pour être objectif qui m'a beaucoup intéressé. Hors flashback, j'espère. Hors flashback? Ah ouais. Il a dit quand même c'est qui, mais flashback, on compte pas, on t'écoute. En vrai, Oden. Il a dit ah ouais. Déjà, on a dit on parle de l'anime, bon. Vas-y. Ah, ouais. Oden, il est dans l'anime. Non, c'est pour ça que. T'écoute. C'est un flashback, on compte pas, mais sa mort, elle est vraiment Osef. Le perso en lui-même, je trouve Osef. Ouais, le perso en lui-même est Osef. Non, mais en vrai, par rapport à vos critères que vous avez énoncés, là, genre le style, etc. et tout, en vrai, de vrai, One Piece, c'est pas un manga que je porte à cœur, tu vois. Mais n'empêche que Oden, la façon dont il meurt, genre quand il arrive dans le gros saut, là, avec le but chaud, là. C'est dans l'animé, ça, hein? Non, c'est de vrai, ça aussi, dans. Vas-y. Tu vois, et que genre, quand t'as le seigneur, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Okotsuki, c'est pas premier couilleur. Ouais, lui, quand il dit quoi, il dit ok, bah si tu veux survivre, genre en gros, si vous voulez passer la peine de mort, bah vous devez rester genre 10 minutes chacun dans la friture, tu vois. Et t'as Oden, il dit quoi, il dit vas-y, tu sais quoi, moi je vais tous les prendre et je vais essayer de punir 60 minutes pour libérer tous mes amis, tu vois. Et là, du coup, il est là à porter tous ses potes sur un plateau et là, tu vois, il est en train de bouillir, il est en train de souffrir, etc. Et à la fin, quand il réussit l'épreuve, du temps imparti là, t'as le gars, il rage, il dit ok, bah tu sais quoi, dans tous les cas, je vais te buter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il balance tous ses potes, tu vois, il est encore dans la friture en train de bouillir sa mère, désolé pour le langage. Et t'as ses potes là, t'as Kinemon qui court et qui pleure, et qui dit à ses potes, ouais, ne vous retournez pas, courez. Et tu vois, Oden, il est là avec un sourire, il regarde Kaido, et Kaido lui met une balle dans la tête. Franchement, je trouve que pour une mort, c'est triste, c'est stylé, et en plus il meurt avec honneur. Avec le sourire dans la friture. Je l'entends. Tu l'aurais mis où toi? On compte pas les flashbacks, donc on va pas le passer. Moi je l'aurais mis dans Osef. Tu l'aurais mis où, Mamalou? Pourquoi? Parce que pour moi c'est la mort de One Piece. Non, RIP. Franchement les gars, moi j'ai bien tiré sur One Piece, ça, vous abusez, hein. Mais non, mais vraiment, One Piece, c'est pas un manga que je porte. T'es un acteur. Il a le droit d'avoir son avis. Il a le droit. Mais n'empêche, par rapport à la mort de S et de Barbe Blanche, etc.,
Franchement, sa mort, j'ai trouvé un peu stylé dans le sens où il sauve ses amis. Attends, 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 attends. Tic-tac. Ça a sonné. T'allais partir sur la mort de Barbe Blanche, de Ace, conclu. Dans tous les cas, mais... moi, pour moi, une mort dans la vraie timeline est plus impactante qu'une mort dans Flashback. Flashback, tu sais déjà que le mec, il est mort. Hein, donc, oui, mais la façon dont... Oui, mais je souffle. Bon, en tout cas, ça rentrait pas dans le critère de base, je suis désolé. Ah, y a pas de souci, t'inquiète. Non, après, on voit que t'es un bon fan de Oden, ça s'entend. On a senti la passion. Un petit fan, mais pas fan de One, justement. On a senti la passion. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent la mort d'Oden est extraordinaire. Moi, je la trouve pas plus extraordinaire que la mort de Corazon ou ce que tu veux. Enfin, bref. Okay. Ah, merci. En tout cas, merci, Mamadou. Allez, à plus. Passez bonne soirée. Je dis la haine. One Piece abusé, c'est des ouf, y a pas de haine. La mort d'Oden, j'ai vraiment rien à foutre. Mais vraiment. Et nous, on enchaîne avec Saul. Saul Goodman. La mort du chien, là, qui a une tête qui de mourir, ça me touche plus. Comment est-ce que Saul? Oh, ça va super bien, ça va, vous, les mecs? Super. Ouais, ça va, hein. Ça va, ça va. Franchement, je trouve, votre tier list, elle est respectable, mais elle est très discutable. Je souffle. Discute sur un perso. Le problème, juste si je peux prendre quelques secondes, problème, je pense, c'est que vous mélangez un peu tout et n'importe quoi. C'est après aussi, même John, même tout à l'heure, on a vu, il mélange Scan, il mélange quand ça l'arrange, il mélange. Vous mélangez Seinen, Shonen, genre dans un Shonen, il y a des morts, on va s'attendre. Non, genre, ça, on dans s'en un shonen... non, ça, ça, on s'en branle, ça, on s'en branle. Quand même, quand même. Mort triste, c'est une mort triste. Seinen, ce que tu veux. Ouais, mais il y a des trucs qu'on s'attend, genre le fait que Sensei va mourir. Ça, on s'en fout. Genre, moi, je voulais dire, Ace. Genre, en fait, One Piece, c'est pas... Le problème, c'est que moi, à la base, on va dire, je suis un petit coup de Jojo. Attends, t'es venu défendre qui? Ou des, moi, je suis venu défendre Ace. Je suis venu défendre Ace. Le monté? Ouais. Okay. Je sais que ça va être impossible de le mettre monter en rip. Moi, j'aimerais bien au moins le monter en triste. Non, mais ce que tu veux, toi, de base, vraiment, tu veux le mettre où? Moi, selon toi, rip, mais c'est impossible, donc triste. Triste. Pff, regarde, vas-y. Ça va être intéressant. Pourquoi c'est impossible pour toi de le monter en rip? Parce que, en fait, le problème, c'est que vous êtes les anciens du quartier. Vous, c'est Dragon Ball, on peut pas toucher Yai. Dragon Ball, je lui, il est Kikou Naruto. Dragon lui, Ball, je Naruto, souffre de Naruto. Ouf. Okay, moi, Dragon Ball, je souffre de ouf, vraiment. C'est un mytho. Vraiment, vraiment, je souffre de ouf, Dragon Ball. Et dire, c'est les anciens du quartier. Dragon Ball, j'en ai rien à foutre. En même temps que pratiquement que Naruto. Hein. Donc, en fait, le problème, moi, je trouve que. C'est un truc d'ancien. Ouais, aussi, mais le problème, je trouve, moi, de One Piece, c'est que. En vrai, on peut dire. Non, non, regarde, regarde. Non, non. Là, ce qui va se passer, c'est que. Tu vois, toi, tu vas être le bon exemple. Là, ce qu'on va faire, c'est montrer aux gens qui pensent qu'on est né de One Piece, qu'on ne l'est pas du tout. Là, on est en train de faire quoi? On est en train de placer les personnages par rapport à leur mort. Toi, tu penses que Ace doit aller en RIP, c'est-à-dire vraiment ça t'a touché, mais selon toi... En fait, c'est pas que ça m'a touché. C'est non, que mais genre... tu penses que c'est sa place en tout cas. Ouais. Ok. Et selon toi... Comme c'est John et moi, on va pas le mettre en RIP. Non, ma c'est question, pas ça. C'est pourquoi parce que d'après vos avis, vos trucs, genre ce qui vous a forgé, on est tous différents. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 mais concrètement, pourquoi? En fait, je. Bah, c'est quoi le fait que ça soit One Piece ou Ace qu'on va pas le mettre en RIP? Bah, à cause de vos goûts. Moi, je sais que Jiraya, je suis comme John. Genre, j'ai trouvé touchante, mais sans plus. Et donc si t'es comme John. Ace, il reste en sa passe. Ouais, mais bon. C'est normal. En fait, c'est quand ça t'arrange, t'es comme John ou sinon t'es pas comme John. En fait, ce que j'essaie de montrer là, c'est que t'arrives pas à nous dire concrètement pourquoi, parce que c'est nous, on met pas Ace en RIP. Bah, à cause de vos avis. Non, mais je veux dire à cause de vos avis. C'est comment? C'est vous. J'ai pas compris. On a la haine. Tu penses qu'on a la haine de One Piece? Non, c'est pas ça. Au contraire, j'ai jamais dit ça. Et en fait, le truc, c'est que genre. Ace, ouais, genre, ouais, c'est débile. Ouais, il aurait pas dû se retourner. Bah, c'est faux. Mais genre... Si, c'est complètement débile. Il aurait jamais dû se retourner. Bah, attends. Si c'est complètement débile, pourquoi tu discutes sur ça? Tu le sais, parce je que, le sais, parce John que, le sait. Parce que sur ce point, c'est pas discutable. Mais okay. Sur le point, ça redéfinit le manga, un truc de fou. Genre, il devait mourir. Parce que déjà, je pense que déjà, ça fait un équilibre. Genre entre pirates, je marines comprends, sur la mais guerre. Toute ta Zumba là que tu vas faire, ok, il devait mourir, mais pourquoi il meurt d'une manière débile? C'est pas un problème. Parce, après aussi, on peut dire, parce que Charles chapitres, ça va m'arranger, c'est en 5 chapitres, il y a la mort de Ace, l'arrivée de Shanks,
Et donc, c'est quoi le rapport? Bah, il y a beaucoup de choses quand même. Et alors? Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses et parce qu'il devait mourir, tu justifies le fait qu'il a fait un truc débile. C'est ça? Parce que Shanks est arrivé. Mais non, mais en gros, je caricature ce que tu as dit, c'est ça. Peut-être qu'il devait compiler beaucoup de choses, je sais pas. Même s'il devait compiler beaucoup de choses, moi, ce que je te dis, c'est que j'en ai rien à faire, qu'il le fasse bien. Est-ce que c'est mon problème? Ouais, non, mais en fait, tu vois, tu te rends pas compte. Là, tu es en train de dire, non, mais oui, c'est débile. On peut pas le discuter, c'est vrai que c'est débile, mais il devait faire beaucoup de choses. Moi, je n'ai rien à faire, moi. Moi, je suis pas non, comme mais vous, je moi. Sais. Mais après, le problème, c'est comme aussi, parce qu'après, pendant 20 ans, on peut parler, ouais, Dragon Ball, Goku, il aurait non, pas non, dû non. mourir. Reste focus sur One Piece. Commence pas. Parce que là, t'es dans un bourbier de ouf dans One Piece. Reste focus sur One Piece. Sors ta tête du bourbier dans lequel t'es, et après, on ira sur DB. Parce qu'en fait, t'arrives pas à justifier de manière. Tu sais. Je dis pas que t'es un kick One Piece ou autre, hein, mais là, tout ce que tu dis, c'est pas basé sur de la raison. Tout ce que tu dis qui est basé sur de la raison va dans genre notre sens, le fait mais, de tu, mettre, mais t'argumentes quand même. Rythme. Non, non, le fait en que fait, ça le soit problème... stupide, le fait que sa mort, elle est stupide par rapport au fait qu'il s'est retourné, etc., t'as essayé de le justifier en disant « Oui, mais Oda, il avait beaucoup de choses à faire pendant plein de non, chapitres. » Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, oh, je me suis mal exprimé. C'est pas, en gros, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que peut-être qui voulait la faire différente, mais ça, après, ouais, c'est une Zumba pourquoi monumentale, il l'a pas fait on va dire. Alors je sais pas, peut-être qu'il voulait la développer plus, mais je me et suis pourquoi il l'a pas développé non, plus c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que, genre, sa mort, peut-être après aussi, on peut mettre en cause, ouais, c'est son caractère, il aime pas qu'on défende, qu'on parle mal de son daron. Son caractère de quoi adopté, on le connaît depuis deux chapitres, Ace. Depuis deux chapitres, frère. C'est pas comme si on dit, ouais, oui, c'est vrai, il a toujours été. C'est comme pas ça. Comme si Ace était Sanji. Arrête. T'es deux hommes. Ouais, mais quand même, il a été présenté comme Noël, le fils le voit comme son grand frère et tout. Et alors non, c'est ça, quoi, c'est le dans le flashback, ça, déjà. C'est après sa mort. Non, on voit ça. Bah si, quand ouais, la Basta, on il a pété, oui. Mais et alors? Et donc le fils voit son... Attends, tu viens de dire, le fils le voit comme son grand frère. Genre, en mode, ça brise le rêve, ça. Attends, tu viens de dire, le fils le voit comme son grand frère. C'est quoi le rapport entre Ace et son père? Il se retourne parce que son père. Parce que genre, en mode, ça nous brise, parce que nous, on se dit, ouais, le mec, il est intelligent, il est pas con, c'est un modèle pour Luffy, il va pas faire une connerie. Et il est là, il se retourne pour une insulte. En quoi ça il nique un peu il le... Bah, genre, il voit, il y a tout le monde qui vient mourir pour sa gueule, et lui, il se retourne pour une insulte. Oui, et donc bah, ça, c'est stupide, on est d'accord. Il continue de courir, ouais. Il aurait dû continuer de courir. Oui, on est tout d'accord sur ça. Donc moi, ma ouais, question, c'est pour pourquoi tu essaies de justifier le fait qu'il n'a pas continué de courir. Parce que, genre, c'est dans son caractère. On ne peut pas, genre... Bon, admettons, ça, ok. Comment ça, c'est dans son caractère? Son caractère qu'on vient de découvrir. Si, mais apparemment... Après, ils le disent, c'est son caractère. Ils le disent quand il est mort. Oui, c'est son caractère. Oui, mais non. Ça ne marche pas comme ça. Le délire de... une fois que le truc est fait, on invente... Enfin, on invente. On rajoute un palmarès de Ace, en fait il a fait ce qu'il a disait, fait ça, etc. Disait, ouais, il non, était comme après son père. Son palmarès... Après, ils le disent, après il disait son père aussi était comme ça. Non, moi je trouve que son palmarès, c'est pas vraiment palmarès. Parce que son palmarès, c'est quoi? C'est il a juste été sur le bateau de Barbe Blanche. Sur ça, il a zéro palmarès. Genre, il a croisé que l'autre, là, j'ai oublié son nom, là. C'est avec les cheveux blancs, il fait 5 mètres. Mais entre nous, pourquoi il va en RIP? Ouais, c'est ça que j'avais. Parce qu'il a sa mort, elle était obligatoire, elle a changé plein de choses. Obligatoire, non hein. Obligatoire, comment ça, obligatoire? Genre, sa mort, elle a changé mourir. Quoi? Elle a changé quoi, sa mort? Luffy, elle a changé Luffy. Changé Luffy, elle quoi? A changé Luffy. Il a le même comportement au chapitre 1 qu'au chapitre 50. Mais genre, il s'est dit, genre, ça l'a rajouté à sa frustration quand ils sont arrivés à Sabaody, ils se sont fait démarrer. Il s'est dit, là, vraiment, je ne peux plus continuer comme ça, je dois vraiment m'entraîner à fond. Ok. Il s'était pas dit la même chose au moment où il y avait le délire avec le CP9. Il a pas dit maintenant je dois protéger mes amis, passer à un autre niveau, même si je dois sacrifier ma vie. Mais à ce moment-là, on peut dire qu'il avait réussi. Il avait réussi à sauver Robin. Ok. Et donc et surtout. Non, mais faut que tu dises Luffy, il s'est mis à s'entraîner pas lui-même dans un truc. C'est l'autre qui lui a proposé. Et vous avez vu comment vous êtes fait? Riley qui vient le voir, c'est pas mais le petit qui cherche Riley. Limite, c'était obligatoire. Genre, il était non, mais je veux là, dire, ça aurait pu se faire sans que la mort de Ace, juste avec ce qui s'est passé à Shabundi, ça aurait pu se faire. Hein. En fait, le problème, c'est faire que genre, vous avez raison. Genre, il y a des problèmes en fait, avec sa mort. On sait qu'on a raison. Moi, c'est pas, le problème, c'est pas de savoir si on a raison ou pas, on sait qu'on a raison. Le problème, enfin, c'est même pas un problème. Le truc là qui m'intéresse, pourquoi j'ai coupé le chrono, c'est juste pour essayer de comprendre comment tu réfléchis. Parce que
c'est la deuxième ou troisième fois que tu dis qu'on a raison, mais tu continues d'argumenter. Parce que en fait, non, j'arrive genre, pas à comprendre pourquoi. Sur certains trucs, mais genre, moi, je trouve, même si, genre, sur un. Parce que vous avez dit, il y avait trois critères, genre, la mort, elle était stylée, qu'est-ce qu'elle a changé et tout. La mort sur... de Hey, je l'ai pas trouvé trop super stylée. Ouais, c'est pour stylée. Ça, c'est pour ça. Qui a dit qu'elle est stylée pas... j'ai pas... C'est pour ça, j'ai dit, elle est pas trop stylée, mais elle a changé, genre, même le bilan, je vous disais. Genre, si Ace n'aurait pas été mort, ça aurait été une défaite pour la marine. Et moi, je pense que la défaite pour la marine, ça doit être genre un truc qui arrive à la fin. Pu, ils auraient pu fumer. Barbe Blanche. Barbe Blanche, il avait le cancer. Non, parce que Barbe Blanche, c'était la menace. C'était plus important. Hein. Attends, c'était plus important que Ace. Mais non, bien sûr que non. Barbe Blanche, c'était un gravataire. C'est son gros frère. C'était un gravataire. Il est là, il avait le cancer. Numéro 3, même Ace. Il avait le cancer, le pauvre. Il avait le cancer, mais quand il a dit j'arrive, toute la marine est arrivée. Attends, mais bah, t'es au courant que, parce que t'es le, au mec courant que une... le Phoenix, là, il est plus important qu'Ace. Ah oui, non, mais ouais. Ah, mais ouais. Quand même, le mec, il est vieux. Genre, vraiment, si Ace aurait gagné, ça aurait été rien à voir. Genre, t'imagines, Luffy ? Genre, mais c'est impossible. Non, Ace, c'était une menace vis-à-vis du sang de son daron. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ils le disent. Ah, tu vois, je te donne même les arguments pour défendre. Miskin, il est mort. Il était... Genre, il a fait le taf, mais quand même, genre. Tu peux pas comparer. Eh, écoute Sol, t'es d'accord avec moi déjà pour dire que la mort est pas stylée. Pas ouf, ouais. C'est pas ouf, c'est bon. Quand même, la planche où on voit il sourit à Luffy, ça va quand même. C'est pas non plus un truc dégueulasse. Ouais bon. Vas-y, non c'est pas dégueulasse, c'est pas hyper stylé, mais t'as raison, c'est pas dégueulasse. Je te rejoins. L'impact de la mort d'Ace, il y en a eu un psychologiquement. Luffy, c'est monumental, c'est monumental. On peut non, pas c'est dire pas ça. Monumental. C'est monumental. Non, c'est monumental. L'impact moi, de la mort d'Ace, c'est monumental. Ace, il est mort, il est pas mort, c'est exactement la même histoire là. Bien sûr que non, parce qu'il aurait gagné la guerre. Moi, je vous ai dit, genre, je vois plus tard. C'est obligé que, genre, on va dire, il y aura une guerre plus tard. C'est à ce moment-là que la marine devait perdre. Parce que si elle aurait perdu avant, ça n'aurait pas amené tout le développement. C'est ça que je vous dis. Oh, bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais OK. Ensuite, est-ce que quand il est mort, t'as chialé, c'était triste, Non. Moi, je suis pas. Moi, je chiale pas pour des trucs comme ça. Donc, voilà, donc ça passe. Et donc, tu veux mettre ça en RIP ? Tu veux mettre un RIP alors que nos critères, toi, tu les valides pas selon nos critères. Parce que quand même, c'est dans la légende. Quoi. C'est ça quoi nos critères, s'il te plaît ? Vos critères, c'est ce qu'elle a, comment ça a changé l'œuvre après, comment ça a impacté, comment l'œuvre elle était stylée, et est-ce que c'était triste ? Il a combien de critères sur les trois, s'il te plaît ? Il en a qu'un, mais quand même. Et donc, il en a qu'un, mais quand même. Genre, bon. Un, en gros, le seul qu'il a, ça remballe tout ce qu'on a mis en RIP. Okay, d'accord, là. Bien sûr. Mais ça a changé toute l'œuvre. Okay. Bah après, je comprends que en plus, vous n'êtes pas d'accord. En plus, ça, c'est faux. Ça n'a pas changé toute l'œuvre. C'est complètement actuellement, faux. Actuellement, c'est faux. C'est complètement faux. Personne n'en a absolument rien à foutre de Ace. Parce que Ace, il est vivant. Dis-moi, il y a quoi qui change ? Il change que. Je vous dis, Luffy, il a été traumatisé par ce truc, on va dire. Genre, il l'a vu mourir. Traumatisé pendant deux jours, il a frappé dans des pierres. Après, il a dit, c'est vrai, il reste mon équipage, c'est fini. Parce qu'en plus, qu'est-ce que. Parce que. Non. Tu vois là ce qu'il vient de dire, John, c'est hyper intéressant. Parce que. C'est qui lui a dit ça ? Quand Luffy, pendant un jour et demi, là, il pleurait, Jinbei, il lui est arrivé, il lui a dit. Qu'est-ce ouais, tu peux pas rester comme ça. Il me reste mon équipage. Oh, c'est vrai ? C'est parti. C'est parti. Il a repris son chapeau, il a dit bon, j'ai récupéré mon équipage. Finito. Il a pu reparler d'Ace. Quand on parle d'Ace, ah oui, Ace, miskin. Et basta. Ouais. Ça c'est la réalité. Et même là, à la base, là, Luffy à partir de là, c'est pas à partir de là où il se dit je vais m'entraîner. Là, à la base, Luffy, il voulait aller récupérer ce pillage. C'est là et là il est venu railer. Il a dit tu vas où comme ça ? Il a dit mec, tu peux aller. Mais après, il lui a dit quoi ? Il lui a dit si tu reprends ton équipage maintenant, il va t'arriver exactement ce qui s'est passé à Shambonji. Il lui a pas dit ce qui est arrivé à Marineford. Il lui a dit ce qui s'est passé à Shambonji. Ouais, mais moi pour moi je trouve qu'elle. Moi, je comprends pas votre avis. Après, là, tout ce que vous avez dit, tout le reste, j'entends. Mais le truc que sa mort, il aurait été en vie, ça aurait rien changé. C'est impossible. Parce que même déjà, il aurait été en vie. Il aurait fait quoi ? Genre, il aurait fait son équipage à lui ? Il aurait fait ce que tu veux. Il aurait fait comme Marco. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que on tourne en rond. Passons à autre chose. Ouais, je pense que je vais laisser là. La... Ouais. Non, mais en fait, tu regardes des vidéos One Piece sur YouTube ? Non, en plus, vraiment pas. Non, genre, je regarde, mais vite fait. Non, vraiment, qui, je vous jure. Tu regardes qui ? Dis-moi qui. Je regarde une meuf, franchement, d'habitude, c'est pas ouf, mais en vrai, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est. Genre, tu ne regardes pas d'autres personnes ? Dis les noms.
Non, non, je regarde pas Ryo-sensei, je regarde pas Ryo-sensei. J'avais pas parlé de lui, d'autres personnes. Qui, c'est quoi? C'est mon corbeau. Ah, mais avant, tu connais les noms, mais tu ne regardes pas. Bah, encore heureux, arrêtez les mecs. C'est comme... Pourtant, ils sont bons, non, ils sont très bons. Je suis mort. Alors, franchement, ils sont bons. Moi, je les trouve bons. Hein, en tout cas, sur le Goodman, dans tous les cas, ouais, tu ne l'as pas convaincu. Mais c'était intéressant, cette petite discussion. Je ne l'ai pas convaincu, mais... C'était une séance éducative, je pense, pour toi. Non, c'est intéressant comme point de vue, en tout cas. Ouais. Bon, allez, à plus. Tu reviens quand merci, tu veux. Merci, au revoir. Vas-y, allez, au revoir, bonne soirée. Allez, à plus, bonne soirée. Bonne journée. Bonne soirée, plutôt. Et nous, on enchaîne avec Naïti. Ils sont méchants. Ils ont la regarde. Voilà. Naïti, allô, allô. Allô, ça va? Comment ça tu va vas? Tranquille. Ah, ça va. Bon, hein. Moi, je suis génération 2003 mm-hmm. et je suis venu pour descendre Kaito. De Hunter Hunter. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Non, ça passe. Tu veux le mettre en OZEF? Pas OZEF, t'es malade. Non, jamais. OZEF, c'est OZEF sur 20. C'est pas OZEF. Les gars, on va. Eh, Kaito, il est pas mort. Jamais t'as la putain de scène. C'est pas OZEF. Oui, oui, oui. Palmarès de la mort de Kaito, c'est Gener Vegon. C'est tout. Donc ça a un impact, dans l'œuvre, ça a un impact. Donc ça a un impact. Okay. C'est un impact, mais sur un ensuite... personnage non, non. et pas oui. sur tout l'univers. Ça, c'est alors, pas grave. On n'a jamais dit que c'est un personnage. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit tout l'univers. Ensuite, est-ce que c'est stylé? Tristesse. Est-ce que... Non, d'abord, est-ce que c'est triste? Pas du tout. La mort, elle est hors champ. La mort, elle est hors champ. C'est pour ça qu'on a c'est dit que ça passe. Oui, c'est pour ça qu'on a dit ça passe. On l'a pas mis en non, non, c'est OZEF. Les gars, la mort, elle est hors champ. La mort, elle est hors champ. C'est même pas triste. Donc, c'est pas triste. Je suis d'accord. C'est pas triste. C'est pas triste. C'est pour ça qu'il est pas mis en triste. C'est pas stylé. Les gars, c'est pas stylé. Non, c'est pas stylé. C'est pas stylé. C'est il vraiment comme pas ça. Stylé, les gars. Tu crois qu'il va se couler? Il est là, il perd un bras en 12 secondes. Ta gonne, il a fait. Non, t'inquiète pas, Kaito est vivant. Tu le vois, sa tête comme un, ce qu'il dit. Oui, non, c'est stylé du côté de Pitou. Mais c'est pas stylé comment lui, il est mort. C'est stylé des deux côtés. Mais non, mais n'importe quoi. Mais les gars, ce qui compte dans la mort, c'est la mise en scène. Là, la mort, elle est hors champ. Cette putain de mise en scène? Non, mais regarde, regarde, regarde. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais gros. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. C'est encore plus impressionnant parce que. Comme tu l'as dit, la mort, elle est hors champ. Sauf que, comment il a amené tout ça? Il a amené tout ça par le fait que, tu vois quoi? Tu vois uniquement les petits qui courent. Tu vois Kaito qui perd un bras. Tu dis, putain, il est cuit. En fait, non. Enfin, tu penses que non. Parce qu'il sort son truc là, son pouvoir. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ensuite, on repart sur les petits. Les petits, grand discours à la shonen, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et d'un coup, c'est pas tu le vois par terre, il est mort. Non, non. Tu vois Pitou en train de caresser sa tête, elle est en mode ouf, faut, je suis plutôt forte. Non, arrête, arrête, c'est hyper stylé. Mais je suis, et c'est non, du hors champ. Non, non, regarde. Non, je c'est suis le meilleur hors champ. Attends, attends, je, non, attends, je vais... attends. T'es d'accord vas-y. Avec ce que je viens de dire ou pas? Je suis complètement d'accord. Donc mais c'est stylé. Le truc, oui, non, 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 c'est stylé, mais c'est pas stylé comment il est mort. C'est pas stylé comment il est mort. C'est stylé comment. Mais c'est ça sa mort. Non. Sa mort, c'est ça. Non. Mais quand on dit qu'une mort elle est stylée, c'est qu'en mode le personnage. Sa mort, c'est ça. Il a la classe. Il a la classe quand il est mort. Il a pas la classe. Il s'est fait décapiter. Et Pito, elle le tient les jambes croisées. Non, nous, on ne parle pas qu'il a la classe. On n'a pas dit qu'il a la classe. On parle de comment sa mort a été amenée. C'était d'art. Certes, il s'est fait éclater. Il est de ouf. Ouais, il s'est fait éclater. Mais il s'est fait éclater. C'est lourd. Et Jiraya, il s'est pas fait éclater quand il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, oui, oui, non, je suis d'accord. Mais la manière dont il meurt, tu vois, c'est le truc classique. Ouais, je vais la retenir. C'est pas non, 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 ça où? Donne-moi un exemple. Attendez, attendez, attendez. La raison pour laquelle il meurt. Donne un exemple. La raison pour. Non, non, la raison. Pas la mise en scène. Pas la mise en scène. La raison pour laquelle il meurt. C'est un truc stylé. Oui, je suis d'accord. Mais la raison la pour laquelle Jiraya il meurt, c'est quoi? La raison. C'est parce que c'est un passage de. Je parle pas de Jiraya. Le troisième Hokage, c'est toujours les mêmes trucs. Mais non, oui, mais c'est là, la raison pour laquelle il meurt, c'est oui, je voulais suivre. Ça, c'est ça, tu vas pas me dire que c'est pas classique. Donne-moi. C'est je voulais même suivre. Si c'est, même si c'est classique, la raison en soi, la manière dont c'est amené, c'est comme Demon Slayer. Il a dit c'est classique. Mais c'est... Montre-moi dans quel autre manga t'as vu ça. Mais non, mais genre en mode le truc, ouais. Oui, je voulais suivre. Oui. Quel autre manga, allez, j'attends. Mais gros, comme si je pouvais te sortir ça d'un coup. Mais laisse-moi réfléchir. Mais attends, mais arrête tes conneries. Tu vas pas me dire que ouais, je me sacrifie pour te laisser fuir. C'est pas un truc classique. Arrête, arrête. T'as abusé. Vu ça où? Mais déjà, pourquoi on se concentre sur ça? C'est comme je si sais, là, tu... je sais même non, plus. Non, mais c'est comme si là tu me moi, dis. Moi, je vais te, non, je vais te dire. C'est comme si là, ce que tu viens de me dire, c'est Jiraya qui meurt pour aller battre le chef de la Katsuki. On s'en fout de ça. Mais non, moi, je vais te. La mort en elle-même. Je suis d'accord que la mort, elle est bien. Mais selon vos critères. Elle est OZEF. Non, c'est faux. Si le choquant, c'est un critère, je suis, moi, je le laisse sans ça passe.
Mais là c'est pas du tout un critère. Là, vos critères, c'est la tristesse. Tristesse, c'est pas triste. C'est stylé, pas triste. C'est... Il a les stylé, deux autres. Il a... il... Triste, il l'a pas, il a les deux autres. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la catégorie. Pour moi, c'est pas stylé. C'est pas stylé. Je suis désolé, c'est pas stylé. Désolé, regarde, il y a Ironie qui dit la mise en scène. Les gars. Écoute, Ironie qui dit la mise en scène et la révélation de sa mort est superbe. Même si on ne le voit pas décédé, on sait pas, on ne sait pas qu'il est mort tant que ça n'est pas révélé. Si on sait qu'il est mort, il est pour sa tête. En tout cas, la mise en scène est superbe. Mais là, oui, là, mais je suis d'accord, les gars, la mise en scène, elle est incroyable. Mais c'est pas ça que je dis. Que... Mais regarde, déjà, vous me dites l'impact. Je suis désolé, le palmarès de la mort de Kaito, c'est Jenner Vegon. C'est Jenner Vegon. Ah, oui. Et d'ailleurs, donc... je comprends pas pourquoi Jenner Vegon s'énerve autant. Gon qui est présenté dès le début, bon, c'est pas vraiment le héros du truc, mais c'est la personne qu'on suit le plus depuis le début, qui est toujours en mode cool, gentil, je sais pas quoi, même si bon, de temps en temps, il est un peu fâché. Là, il pète un câble. Mais justement, je comprends pas pourquoi il pète un câble perso. Bon, c'est hors sujet, mais je comprends pas. Hein. Parce qu'il le connaissait depuis pas. Il le connaissait depuis pas longtemps. On pas dans ça, John. Non, parce que lui, il a pas lu le manga. Il a lu l'anime. Sauf ouais, que... c'est vrai. Quand t'as le manga, le premier chapitre, c'est sa rencontre avec Kaito. Premier chapitre, c'est ça. C'est comme Luffy Chanks. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Ça, Luffy Chanks, premier chapitre. Non, ça, j'étais pas du tout au courant. C'est Kaito Gon. Ils sont non, j'ai pas lu le manga. C'est ça, tu vois. Dans tous les cas, même si tu te concentres sur l'anime, c'est une mort qui passe. Je suis d'accord, mais selon vos critères, c'est en OZEF. Non, tu dis de la D. Mais. Bon, non, mais tant pis, j'ai pas réussi toi... à vous convaincre. Non, mais pour toi, selon nos critères. C'est même pas t'as pas réussi à nous convaincre, c'est t'as pas réussi à nous imposer ce qui est, selon toi, nos critères. Selon nos critères, triste, il a triste. Les deux sur toi. Il a... Selon nos critères, il en a deux sur trois. Moi, je suis pas d'accord avec le stylé. Et impact dans l'histoire. Toi, tu l'as dit, la mise en scène. Non, la mise en scène, elle est bien, mais c'est pas. Mais en fait, moi. Après, peut-être que je comprends pas ce que vous voulez dire par stylé, mais pour moi, stylé, c'est par exemple Barbe Blanche. Tu vois, Barbe Blanche, comment il meurt. Oui, quand, non, ce ça, c'est plus, ça, c'est stylé dans le sens, ça, c'est stylé dans le sens héroïque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. C'est... Moi, c'est comme ça que je l'entends, stylé. Après, en fait, quand on parle du style, on utilise ce mot, le style, style. Non, dans ce cas, il fallait dire mise en scène. Plutôt que on l'a dit, ça. On l'a dit. Et dans ce cas, je suis d'accord. On l'a dit. Oui, on aurait pu dire ça. Non, vous avez dit style. Mais on l'a dit. Si c'était vraiment mise en scène. Je me souviens très bien, on a répété. Dans ce cas, je suis d'accord, ça. Je crois qu'on a dit style, on a dit quand on parle du style, on parle de la mise en scène, ça. On a dit comment la mort, elle est amenée, etc. On l'a dit. Moi, je ne sais pas. Là-dessus, bon, bref, nous, en tout cas, on te dit, c'est ça. Ouais. Donc, t'es d'accord avec nous pour ça passe, au moins. Ouais, ok. Dans ce cas, y a pas de soucis. En tout cas, merci, Nike. Vas-y, juste, John, si tu passes dans le truc de Kumo, s'il te plaît, le tweet qu'il a fait, là, s'il te plaît, sois direct. Ouais, moi, je suis indulgent avec quand je suis. Non, s'il te plaît. Indulgent. Il faut que tu sois aigri. Non, j'ai envie de rigoler. Pas de soucis. Sois aigri. One Piece est une fraude, hein, à plus. Ah putain, toujours One Piece, mais il y en a marre des One Piece. Salut, Nighty. Bon, les gars, il va falloir arrêter. On va croire que si c'est une chaîne de repères anti-One Piece. De ouf. Ce qui est faux. Encore une fois, j'ai tous les tomes, si vous voulez que je vous montre. J'ai aussi tous les tomes, juste là-bas, si vous voulez que je vous montre. Il y a même écrit une lettre à Oda un jour. En attendant, on enchaîne avec Mani. Mani, comment est-ce? Ouais, allô. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Super. Ça, vous m'entendez bien? Très bien, on t'écoute, Mani. Ça va. Bon, bah... Moi, je suis là par rapport à un autre personnage de Hunter x Hunter, et c'est Netero. Il est là, Netero, j'aimerais bien qu'il monte sur RIP selon vos critères. Il est où, on l'a mis dans quoi, Netero? Il ne montera pas parce que c'est pas triste. Ouais, c'est pas triste. Netero, à aucun moment. Ouais, mais... Non, mais, c'est pas triste. Mais... Il faut avoir les trois critères au moins pour être en RIP. C'est pas triste. Netero, l'a manqué. Et si ça a deux critères sur trois, ça passe sur triste ou pas? Non, parce que pour être dans triste, faut qu'au moins ça soit triste. Faut qu'au moins ça soit triste. Il est où, Netero? Il est où, ce con? Il est dans Ça passe. Ça passe, ouais. Et Netero, c'est triste. Je le vois pas. Netero, c'est dans Ça passe. Tête de mort, tête de mort. Ah oui, je suis un ouf. Non, Netero, c'est pas triste. Non, c'est pas triste du tout. Bah, je vais quand même essayer d'argumenter un peu ça, comme ça vous. Vas-y, on t'écoute. Hein. Donc, je vais déjà commencer par la mort de Netero. Donc, premier critère, est-ce que c'est stylé? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui. Concentre-toi sur Triste. On est d'accord sur tout, sauf Triste. Concentre-toi sur Triste. Bah, pour ce qui est de Triste, Netero, c'est un personnage qu'on avait commencé par voir depuis le début du manga. On l'avait vu, je pense, arc des Hunters, l'arc de Kid Island, et il a été surtout bien développé pendant l'arc des Chimera Ant. Kid Island, il était là? Ouais, il apparaît quand Killua passe son examen. Ah oui, il doit le faire en rapide. Oui, c'est vrai, voilà. Tu es d'accord, oui?
Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est pendant l'arc des Chimères, justement, quand on regarde tout le flashback de Netero, comment il a dédié sa vie à son art et Incroyable ce flashback. Ok. Pour qu'il se fasse niquer d'un coup avec la naître qui vient de naître il n'y a même pas un mois. Tu vois, genre, t'as 120 années d'expérience qui vient de se faire enculer par un mois de naissance. Ouais. Donc, ça, je trouve déjà ça triste. Le fait que. Non. Tu t'entraînes, tu te bats contre des mecs, t'as des mecs qui sont plus chauds que toi, c'est la vie de Hunter, pourquoi c'est triste? Mais dans le sens où on s'est quand même attaché à ce personnage-là parce qu'on aurait bien aimé le voir beaucoup plus que ça. Non, il était sur la fin. On le voit pendant. Oui, mais franchement, on le voyait que pendant le passage de Netero, il était un peu aux F en vrai. Il était sur la fin, le personnage était sur la fin. Franchement, c'est l'arc qui C'est ça qui lui donne une carrière. Donne un palmarès, hein. C'est ça qui lui donne une carrière. Parce qu'avant, c'était l'ancien qui faisait le truc, etc. C'est l'ancien qui donnait des conseils, on s'en foutait. Et là, il a réussi son délire parce qu'il a fait tomber Meruem. Donc, je suis vraiment pas d'accord parce que Netero, si l'arc du continent caché, si Netero était pas mort, il n'existerait pas. Bref, ça, c'est l'arc qui suit d'après. Pourquoi? Mais pourquoi déjà? Parce que l'autre, le père de truc, il était déjà là-bas. Ouais, j'en sais rien. Mais spoil pas. Bah, on y va. Ouais, continue. Spoil pas. Si tu veux, après, ça a un impact, sa mort. C'est un impact, ça te sombre pas en plein milieu. Mais même, on le voit avec le délire. Le problème, c'est que c'est pas triste. C'est tout. Tu parles depuis tout à l'heure, le problème, c'est que c'est pas triste. Et le temps passe. Tic-tac. Continue, mais c'est pas triste. C'est pas triste. Moi aussi, je vais dire que Devilman aussi, c'est pas triste. Mais Devilman. Franchement, on s'en battait les couilles. Devilman, toi, t'as un baiser. Ouais. T'as pas de cœur. T'as pas de cœur pour de ouf. Pour de vrai, t'as vraiment pas de cœur. T'as vraiment pas de cœur. Non, tu compares le truc. Faites un sondage maintenant. Non. On va faire un sondage maintenant. Non, pas de sondage. Mais t'es complètement taré. Mais toi, t'es complètement taré. Non, mais t'es complètement taré. T'es complètement taré. J'ai regardé les 12 épisodes. J'ai regardé Devilman. T'es complètement taré. Le chat se fout de ta gueule, hein, parce que t'es vraiment taré. Mais t'es dans le chat. Quelle est la mort la plus triste entre Netero et Devilman? Je suis sûr que Netero, t'es complètement taré. Et quoi? Non, moi je vais pas le faire, je vais le faire juste pour prouver le contraire, parce que tellement t'es ouf. Mais il est taré. Tellement t'es ouf, tu te rends pas compte de ce que tu dis là? Netero est super Osef. Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Qui le mec de Devilman ou la meuf de Devilman? Non, le mec de Devilman. Mais je te mets même la meuf, c'est quoi, je vais mettre la meuf? Mais t'es complètement taré. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment ils se font fumer de ouf, comment ils truquent, c'est une dinguerie. Comment ils essayent de s'en sortir pour survivre, etc. Mais t'es complètement taré. Non, on va regarder ce sondage. Tu viens de dire une dinguerie. Bon, conclue, tu verras le résultat du sondage, conclue, en tout cas, résultat, mais à plus. Tu viens de dire une dinguerie. Non, conclue, c'était un mot de la fin. Voilà, je vois des David Mas sur côté. Bref, t'as pas de mot de la fin. Non, tu reviens quand tu veux. Au revoir, mot de la fin, c'est on va regarder le sondage. Et franchement, si jamais le chat faute Akira Devilman, bah, je dirais que j'ai tort. Y'a pas de soucis. T'as tort. Non, parce que Netero, la mort, elle est importante, mais c'est pas triste. Netero, c'est un personnage osé. Tu sais, je t'explique. Là, t'es en train de dire des dingueries, vraiment. Parce que tu compares des gens qui essayent de s'en sortir, qui essayent de survivre, etc., et qui se font fumer. Mais vraiment fumé sans pitié. On fout leur tête sur des pics, on danse. Avec la mort de Netero. Netero qui part en héros, en mode ouais, j'ai fait le taf, je t'ai eu, à plus. Et qui part comme un plus, qui gagne comme un lâche. Mais t'es complètement Il gagne comme un putain de lâche. Il s'est fait amputer d'un bras, d'une jambe. Ils sont en train de discuter pendant tout le truc. Netero, s'il voulait vraiment vivre, il aurait pu se barrer. Mais ouais, mais il voulait même pas le tuer. Il était en mode pourquoi c'est Netero qui a forcé Meruem à truc. Je pourrais très bien dire la même chose pour Devilman. Il parlait avec son pote là, il voulait pas le tuer jusqu'à la fin. Du monde, son pote, il a niqué tout le monde. Son pote, il a niqué tout le monde. Non, mais je parle de la mort de Devilman. Là, on parle de mort. La mort de Devilman, elle est Osef. Son pote, il voulait pas le tuer. Sa mort, elle est Osef. Il l'a découpé en deux. Oui, mais il ne voulait pas le tuer. C'est Devilman qui l'a forcé. Il l'a pas forcé, mec. Il a dit les raisons du combat de. Devilman, je sais plus comment il s'appelle, c'est que putain, son pote, il a fait fumer toutes les personnes qu'il connaissait. Oui, mais là, on parle de Devilman, pas de toute la terre, on parle de la mort de Devilman. Faut pas comprendre les choses. Bon, bref, dans tous les cas, le sondage parlera. Le sondage, il a déjà parlé, il a perdu, il dit de la merde. Le sondage, il a parlé pour l'instant, on va laisser encore un peu de bottes. On peut laisser tourner, mais il dit de la merde.
En il a cas, dit bref. La mort de Netero. Ah, c'est non, dingue c'est, ce que t'as dit. C'est, scandale, t'as vraiment c'est scandaleux pas de cœur. Ce que j'entends. ah, mais c'est scandaleux ce que j'entends. Bref, Mani, merci j'aurais d'être venu. Dire, j'aurais pu comprendre que tu dis c'est plus stylé si tu veux. Mais du coup, viens alors, Philly, il est tard. Bon, non, Mani, juste pour mot de la fin, la mort de Devin Mann, c'est là où vous parlez de la Terre, vous parlez comme quoi on a fumé les humains. On parle pas des humains, là, on parle de Devin Mann. Oui, on parle du mec en lui-même. Sa mort, elle est aux F. Oui, sa mort, elle est aux F. C'est pas ce qu'a dit le sondage, et t'as dit si le sondage a un truc, tu reconnaîtras que t'as tort, tu reconnais pas là. Ce qui va se passer, c'est que tu vas bientôt insulter les gens du sondage au lieu de reconnaître que t'as tort. Mais bref. Là, le sondage te donne tort fort. On est sur du 40-60%. C'est quand même. S'il y avait eu 51-49, t'aurais eu tort. Il y a même l'hétéro qui remonte là. S'il y avait 51-49, t'aurais eu tort. Donc, t'as dit que tu allais reconnaître que t'as tort. Tu peux reconnaître, s'il te plaît ? Ok, j'ai tort. Merci. Au revoir, Mani. Tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Merci, à la plus. Allez, au revoir, finir avec Dr. Nounours. S'il répond, vite, sinon, on conclut. Dr. Nounours, allô, allô ? Bon, il n'a pas répondu. Bon, bah, concluons. Concluons. Donc, les gars, Charlie Scalidad, j'ai envie de dire aujourd'hui. Très peu de plaintes ou bien des plaintes frauduleuses comme exactement. Après on a eu des petites séances éducation, mais bon, ça c'est pour c'est pas méchant. Voilà. J'ai quand même un petit placement en cœur pour le Goku en sapas, le Goku sel. Bon, je souffle. Mais bon, c'est très bien comme ça. J'aurais mis en triste, mais bon, passons. C'est très bien sinon, comme ça. Voilà, la tier list de qualité, on compte sur vous pour liker, partager, vous abonner. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, etc. C'est important pour le référencement, apparemment, les commentaires. Donc, c'est ça. Commenter. Et pour ceux qui demandent à chaque fois, là, est-ce qu'on va faire la même chose pour les films, les machins, tout ça, c'est infini, bien évidemment, qu'on va le faire. Les meilleurs Marvel, les meilleurs Spider-Man, les morts les plus tristes dans les Marvel, les morts les plus tristes dans les Ghibli, les morts les plus tristes dans les séries Mon cul. C'est infini, tout ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, même pour les jeux vidéo, les mains les plus tristes dans les jeux vidéo, les OST de jeux vidéo, les OST de films, les OST, c'est infini. C'est infini. Donc, nous, on vous dit, et pour Dragibus qui dit mettez les timecodes, je souffle. Regarde les vidéos, les timecodes, il y en a beaucoup qui ont pop. Il y en a au moins 15 qui ont pop, là, les timecodes. Donc, je souffle. Alors, ça se fait un peu par ordre de sortie. Il dit mettez les timecodes, toi mêlez. Et bref. Nous, on se donne rendez-vous. C'est quand le prochain live ? Tenez-vous au courant sur Twitter. On tient au courant. Certainement vendredi. On vous tient au courant. Exactement, vous tient au courant. Activez la cloche. Exactement. Partagez, likez, abonnez-vous. Likez, abonnez-vous. J'en profite aussi pour dire un petit truc rapidement. Parce que j'ai vu qu'ils avaient activé ça sur YouTube. Bon, ça fait encore donner. Qui coule l'argent, toujours l'argent. Oui. Il faut. À partir de maintenant, ce que j'ai vu, c'est que sur YouTube, vous avez la possibilité. Pourquoi il y a ma tête en gros comme ça? Vous avez la possibilité de. Je ne sais plus où il est le bouton. De faire des super chats ou je sais pas. En gros, vous pouvez envoyer du bif quand vous regardez une vidéo. Donc. Sérieux? Ouais, je te jure. Attends. Donc, faites-vous plaisir. Là, il n'y a pas le bouton, je crois, parce que mon écran. Ouais, moi aussi, je l'ai vu ce truc-là. C'est un cœur bizarre. C'est alors, ça. Pendant que tu regardes une vidéo, pourquoi je ne le vois plus? Je l'avais vu. Tac. Je sais plus, je crois. Je sais pas si c'est parce que je suis pas connecté ou. Bref, je sais plus. Ah, si. Moi, je le vois là. Il y a le merci. Il y a une petite chose à faire. Exactement. Il y a un bouton merci. Ça vous permet d'envoyer du bif, même quand on n'est pas en live, etc. Exactement. Donc, dites-nous merci, bande d'ingrats. Dragibus, pour les 15 timecodes, dis-nous merci. Voilà. Et, maintenant, voilà, on va dire ça aux gens. Dites-nous merci. On veut des vrais merci avec le cœur. Remerciez-nous. Exactement. Pas de faux semblants. On en a marre des merci à l'oral. Je reviens. Donc, bref. 40% de ce chat est totalement frauduleux. Arrête, c'est la candidate. Donc, bref. Nous, on vous dit rendez-vous à la prochaine. Les prochains sujets, vous serez au courant sur les réseaux. Salut. Passez une bonne soirée. Tenez-nous, allez, suivez-nous partout. Bye.